en petite tenue. Alors, j'adore. Et les majeurs à vacciner. C'est super ce que tu racontes. On y fait rien. Il fallait quoi. Il fallait quoi. J'ai juste entendu en petite tenue et ça m'a suffi en fait. Mais j'ai passé donc le clip un des clips les plus pédés du monde. Et je suis un gros con, il a résumé je pense à peu près toute l'histoire de LMF en disant c'est très pédé mais c'est pas déplaisant. Et ça m'a fait beaucoup rire. Bon, ça va ou quoi tout le monde? Non. Déjà. Non. Et toi quoi? Attends, faut lui demander. Non, Rustin, comment tu vas? Bah voilà. Et bah moi ça va super. Non, on s'en fout, lance le jeu. On s'en branle, lance le jeu. Non, bah non, tu sais quoi? Non. Non, tu sais quoi? Bon, ouais, j'ai dit, dès qu'il y a des gens maintenant qui me demandent de passer le jeu, je leur passe 1 minute 30 de pub. Oh, j'aime bien. Oh, ça te dirait de passer au jeu? Passe le jeu. C'est rétroactif. C'est rétroactif, quoi? Oui, c'est rétroactif. Passe le jeu. On a 2 ans et demi de pub là, qu'attendent normalement. Bref, donc ouais, MGS3, et puis c'est tout, j'ai envie de jouer. Donc MGS3, tac. Il est sorti, oui, Zombie Army 4, mais ça n'a rien à voir avec MGS3. Pourquoi dis-tu ça, Funeral? Oui, c'est vrai qu'il est sorti. Apparemment, il est sympa en plus. Apparemment, il est fun, mais est-ce... Je suis pas sûr. Mais apparemment, ils ont réglé les soucis qui rendaient les premiers jeux chiants, en fait, surtout. C'est ça qui est important. Donc, parce qu'ils étaient... Enfin, ils étaient sympas, mais c'était pas non plus ouf, tu vois, les premiers Zombie Army. Ouais, ouais, voilà. Et apparemment, celui-là est cool. Et surtout, j'avais regardé un unboxing de... The Relaxing End. Avec le requin, ouais, le requin zombie. Ouais. Et donc, c'est de la boîte, est super cool, tu vois. Mais il y a des artworks dessus, mec, qui sont mais géniaux, quoi. Ils sont vraiment beaucoup trop stylés. Le jeu a l'air sympa. Ouh, merci. Et bah, dis donc, tiens, une bonne alerte PD en même temps. Merci beaucoup, Flacky. Alors, oui, putain, pas le temps de fumer. Alors, on venait juste de buter. De cramer The Fury. Uniforme feu, du coup, on vient de la choper, on l'avait montré au dernier stream, si vous étiez pas là, c'est votre problème, tac, est-ce que... Si vous pas là, on va recommencer. On va recommencer tout le jeu. Ouh, merci Volgin. Comment tu vas tuer Zien? Putain, même Volgin, il est con, dis donc. Alors, j'ai bien ma pilule de mort simulée, et bah écoute, on peut y aller. Ah d'ailleurs, il y aura des trucs rigolos à faire avec Eva, avec la pilule. Avec Eva, avec la pilule. Je sais que la phrase commence très mal. Ouais, t'es sûr que t'as envie de partir là-dessus? Fais gaffe parce que là, tu vas rencontrer un truc très dangereux. C'est un rat. Oh, oh mon dieu! Groznygrad sud-ouest. Ok. Donc, c'est ouais, quand tu dis truc en russe. Groznygrad. Et je sais pas du tout en fait. Je connais pas bien cette partie du jeu. Bon, déjà, ça commence par une cinématique. Donc, on a 2-3 heures devant nous. Une pilule à Eva pour moi. On a bien vu son fion en plus. Ok, promis Hoffman, je le ferai. Oh, merci Nico. Adwin, quels sont les animaux à récupérer sur cette map? Eh mais attends, franchement, merci Nico, je vais te dire ça. Hein. Je peux appuyer sur merci. Oh, c'est un message automatique. Oui, ouais, c'est un peu impersonnel, mais... Oh, t'as mis Nishiju quand on reçoit des beats. Oui, c'est la fille de Nishiju, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, j'arrive pas à retrouver des bonnes. C'est celle qui a les petits dés dans ses couettes, je crois. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre, ça, c'est celle qui a les cheveux bleus. Ah, ça, c'est la conne. C'est la conne du groupe. Oui, la conne. Oui, elles sont toutes un peu. Non, c'est la conne. C'est une grande base. Mais t'inquiète pas, je vous dirai à chaque fois que je croise un animal sur la map. Là, c'est un Homo sapiens. Waouh, l'animal le plus dangereux du monde, l'homme. À côté du communiste. je sais pas si c'est de base sous la neige, c'est censé faire référence à Shadow Moses ou. T'es pas monté dans un... Non, t'es monté dans une échelle, pas un ascenseur. C'était une échelle, ouais. Mais même ça, en fait, cette unité-là de je sais pas, on dirait de l'aération, on dirait un truc qui est au début de Shadow Moses, en fait, dès que tu rentres dans le truc. Par contre, une information très importante, Robobine a 7 viewers de plus que nous. On va la Alors, faut que je me rappelle comment jouer, par contre. Déjà que... Oula, ok. Alors, fais gaffe, parce qu'il y a plein d'ennemis ici. C'est vrai, ah dis donc. Curieusement, t'as rien à ramasser sur cette map. C'est vrai? Du tout, ouais. Du tout. Faut juste que tu te barres. Je sais pas, faut que t'ailles, mais. Ok, attends, on va trouver. Déjà, il y a une petite entrée qu'on peut pratiquer, regarde, celle-là. Est-ce que par contre, ton truc, là, je crois que c'est. Ouais, c'est un MP. Un pistolet létal. Ah oh, putain! Ils me l'ont encore mis! Et allez, je le fous, t'as une shot à un pauvre mec qui bossait, dis donc!
Merci UndeadThings pour le sub. Merci. Et le hype train, du coup, on a un petit train de la hype. J'ai jamais vu ce truc. Le train de la hype. Attends. Comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Voilà. Je croyais que t'avais dit le train de l'Aïd. C'est comme ça qu'on l'appelle normalement. J'arrive pas à rentrer mon. My ass is too fat. The sound of my butt cheeks keep learning the cards. Et vous l'avez récupéré. Yes. Comment ça, vous? Ah, d'accord, non, il parle de c'est Arterus qui a dit ça, d'accord. Oh, merci Nico. T'en fais de la bite. C'est de toute beauté. Merci beaucoup, mec. C'est vrai que c'est de toute beauté. Alors, attends, bouge pas. 2000 couilles, mec. Attends. Non. Maximum 2000 couilles. Maximum. Enfin, attention. Et on peut avoir différents trucs aussi. On peut pas leur parler quand ils sont KO. Oh, dommage. Il y a des trucs qu'il faut avoir plus que des couilles. Quelqu'un qui lâche des caisses, allez! Ça lâche des caisses! Bah, je sais pas si ça existe, mais elle a dit qu'il te fait avoir plus de couilles. Ça lâche des caisses. Regarde quand même! Flocky, il a juste lâché une caisse pour finir le train. C'est ça? Ça sert à quoi le train? Je connais pas. En gros, ça explique juste qu'il y a des subs et des dons qui sont en train d'être faits au même moment. Du coup, ça pousse les gens un petit peu à participer au hype train. Je crois qu'ils gagnent des trucs, je sais pas. Oh, c'est repoussé à la consommation en fait. Ah oui, complètement, ouais. Alors, c'est quoi ça le nom, Rossian? J'ai pas vu. Groznygrad Nord-Est. Groznygrad, attends, c'est pas le sonore. Je suis sur allodocteur.fr. D'accord. Sur un article dénommé Les anomalies des testicules. D'accord. Tu avais déjà la batteuse, Rossian? Oui, on a déjà la batteuse, ouais. Mais là, en fait, dans cette map, t'as plein de munitions partout. D'accord, ok. Eh bien, écoute, on va fouiller un petit peu ici. Et tu as pas le moindre animal. Très bien. Oui, d'accord, ouais, c'est le problème de la déforestation, hein, qu'est-ce que tu veux. La Twitch money, bordel. Y'a quoi ici? Oh putain, y'a un connard là. Ça sert à quoi le train? Je connais pas. Ça servait bien. J'ai pas fini la phrase de fin. Et voilà. Bravo. Oh, tiens, ça, j'ai pas dit. J'ai vu Jojo Rabbit et Jojo Rabbit, dedans, il y a des gamins, ils ont un jeu. C'est le 1-2-3 Svastika. Et ils font 1-2-3 Svastika. Et ils font des Svastika avec leur corps. Et j'ai su au bout. Merci beaucoup, Nico. Et du coup, Nico, c'était bien pour te confirmer, il y aura Metal Gear Survive. Ne t'en fais pas, c'est. Ça a été discuté. Ne t'en fais pas, dit-il. On jouera à ça, Rossian, ou 1-2-3 Svastika. Putain, tu fais chier. Tu vas encore m'envoyer dans des trucs. Attends, j'ai pas l'impression que tu puisses avoir 3 couilles. Ah putain, ça va de déception en déception aujourd'hui. tu peux en avoir qu'une, mais tu peux pas en avoir 3. En avoir aussi. Ouh, merci Hades. Et si meilleur. Attends, je vais retirer le col. Voilà, merci beaucoup Hades, merci. Alors, attends, bouge pas, je vais déjà changer mon camouflage. Oh putain, va y aller. Robomine a toujours 9 viewers de plus que nous, par contre elle a pas autant de bits. Putain, ouais non, ça c'est clair, ça on gagne, niveau bits on gagne. À la limite niveau bits, il y a peut-être ses lapins, et encore. Et encore, ouais. Je vais te parler de la bite de lapin. Je crois que c'est la porte qui... C'est l'araignée. C'est le truc de... C'est le truc qui te chope de la... Merci Mengor pour ce magnifique 1-2-3 Erika. Merci Mengor. Est-ce que tu penses que je peux lui foutre une balle à lui? Ça ressemble à quoi une bite de lapin? C'est très flasque. Bizarrement, je me suis posé la question quand t'as parlé de bite de lapin et je regrette un peu en fait. Okay. Mais attends, je vais regarder. J'ai réussi à rentrer dans le labo, maintenant il faut que je me déguise en scientifique. Un scientifique. Ouais, vite. Attends, t'es où? Je viens de rentrer dans le laboratoire. Ah, super chelou. Elle est. On dirait une griffe. Mec. On voit l'image dans le canal. Attends. Je sais pas si je mets le masque de Raiden ou pas de masque en fait. Fais gaffe, il y a des plantes chinoises. Ah, adieu. Je suis prêt à payer pour voir Adem jouer à 1-2-3 Svastika. Et allez, Svastika. C'est pas une kikette. T'as envoyé. Envoie le lien. Attends, vas-y. Attends, je suis en train de voir. Sur stream, envoie le lien sur stream. C'est dégueu. Sur le chat. Envoie-le sur le chat. Il y a une arme soviétique pour balancer du plutonium. Ouvrez à vos risques et périls. Ouais. top de lapin inside. Mets-le sur le live. Ouais, attends. Non, c'est une blague, Momo. t'as un scorpion à récupérer dans cette map aussi. Attends, que Momo il envoie le lien de la bite de lapin surtout. Ouais, je chope le lien, t'inquiète. Putain, c'est la première fois qu'on est en train de passer des bites de lapin en stream. Attends, non, je vais pas passer en stream. Je veux juste voir ce que c'est. Ah, si, il l'a mis dans le chat. C'est quoi? Ah! Oh! Oh mon dieu!
une belle vie. Ah, je crois que je suis changé à vie, mec. Non, pas ouah, Nico. Non, pas ouah, du tout. Nico, vous avez déjà vu une bite de bigorne, non? Merci, merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup. Merci, Nico, pour ces milliards. Ça fait 2000 couilles. Hein. Ouais, ça fait quand même 2000 couilles, ouais. Mini, maximum, on a dit. Merci beaucoup, mec. Ah oui, là, tu peux t'infiltrer avec ton... Ouais, normalement, je peux. J'ai tapé pénis de bigorno sur Google. La première résultat, c'était les 7 animaux avec les plus gros pénis. Oh putain, ça allait se genre, vas-y, balance une photo. Le Russian. C'est quoi le Nexus là que t'as chopé? Je crois que c'est la suture, ouais. Je pense que c'est la suture, c'est le. Il y a Finé qui a fait une blague. C'est la bigorno. Putain, la vache, et ça, c'est marrant. Par contre, pour capturer le connard, Russian, j'ai trouvé un tips. Il a constamment faim. Et si tu l'empoisonnes, il va au chiottes. Lui, il me repart pas. D'accord, ok. Mais je crois que. Oula, ok. J'ai pas l'habitude de voir des gens en fait qui. Ndad, il a dit oh la bite de bigorno. Il est là, Colonel Raiden. Bonjour, Colonel Raiden, bonjour. Comment allez-vous? Et t'auras le droit de tabasser tout le monde en étant le colonel. C'est vrai? Ouais. T'as vite, faut que je le défonce alors. Je peux le prendre là, tu penses? Bah, mais non, mais chiant, je suis habillé en chiant, c'est con ce que je fais. C'est con ce que je fais, attends, c'est con ce que je fais, bouge pas, je vais me foutre à poil, je vais le défoncer à poil, ce sera beaucoup plus simple, voilà. Vous avez déjà fait un pénis de baleine? Oui. Oh, vas-y, envoie le chibre de baleine. Le chibrax de baleine. Oh, putain. Tu fais un petit nom, un chibrax de baleine. Putain, c'est chaud de ouf. Si vous voulez. Vas-y, balance animal. Oh là là, on dirait un bigorneau. allez. Mais tout est lié. En fait, on dirait un truc de Death Stranding. Oh putain, il y a des scientifiques qui sont en train de me voir, je crois. T'aurais tellement pas dû le prendre là. Si, c'est bon. Tout va bien se passer. Bah, en même temps, débrouille pas, il y a rien d'exceptionnel à ça. Attends, faut que je me redéguise en scientifique. Je sais pas si je peux prendre un cadavre avec moi quand je suis déguisé en scientifique. Non, je ne pense pas. Putain. Attends. Mais moi, j'avais trouvé des bons plans pour le capturer sans pression et. Non, mais t'inquiète. Tu l'as chopé dans un escalier. Personne va voir ici, normalement. Et je crois qu'il faut l'emmener en fait jusqu'ici. Faut l'emmener dans les chiens. Ah putain, je peux pas passer là. Il faut le foutre dans un. Comment on appelle ça? Un casier en fait. Comment je vais faire pour éclater tout le monde ici sans qu'il me voit? Est-ce que tu peux passer la porte avec lui dans les bras? Genre justement, c'est une carte plus haut niveau. Bonjour. En tout cas, tu le prends sur tes épaules et tu passes devant les scientifiques et tu fais « Ah, c'est toi qui m'a fait un malaise !» Attends. Non mais c'est pas la peine de rentrer dans cette pièce, en tout cas, je suis sûr que le colonel Raikov, il va super bien. Bonjour, rentrez pas. Tu rentres pas? Ah putain. C'est rien. Il a fait un malaise, oh mon dieu, il a fait un malaise. Ah. Oh, t'as vu, il y avait un poster de femme à poil. Où ça? À l'étage. Oh putain, prudence, sérieux. La prudence, moi aussi j'adore. Moi, tout ce qui est prudence, tout ce qui est... Ok. Et mère de raison, Russian. Ouais, prudence et mère de famille. Merci beaucoup de lâcher des caisses en stream. Merci Nico. Merci Nico. T'as un peu l'état de Snake actuellement. Il est en train de se lâcher des caisses dessus, mon gars. Sans répit. C'est un livre porno par terre. C'était une revue. Vas-y, ramasse-le. On en a des milliers de revues, t'inquiète. Ramasse-le. Attends, il y a des chiottes ici. Ramasse le porno. C'est ici les chiottes, du coup. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait pipi. Ah bah c'est Raiden. Enfin, c'est Raikov. Bonjour. Oui, laisse-le rentrer. Il est con. Tu peux taper la porte. Non. Ah, il se cache. Ouais, il se cache. Bah oui, ce que je vais faire, je vais changer mon costume et puis je vais le défoncer, bouge pas. Tu vas mettre une grosse balle à bout portant dans la tempe. Attention. Donc en fait, nu. Je sais pas. Stream est lancé. 22 minutes. Bah oui, Hoffman. Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Mets-le au sol. Mais Spider, j'allais dire Spider. Tu peux l'égorger. Je veux pas le buter quand même. Je peux l'égorger. Et même que si tu l'égorges, il sera à poil tout à l'heure. Ouh la vache. Ouais, du coup c'est logique. Ah putain, tout le monde m'a vu dans l'histoire. Oh la vache, il m'a foutu un coup. Oh la vache, il pratique le CQC également. Haha, moi aussi. Culé. Mais. Non mais butez-moi. Je me suis. La mandale qui t'a mis. Ouais, il m'a foutu un coup de pied sauté. Franchement, je l'ai super mal pris, mec. Du coup, c'est un pro tip. C'est si tu lances l'alerte, bah pas l'alerte, mais le truc orange là. Ouais. Il se cache dans les chiottes. D'accord, ok. Nico a lâché l'équivalent de 2 smig en 20 minutes. Ok. C'est une bonne soirée. Moi, je prends. Ah, je prends, franchement. Ça va niveau son, c'est pas trop fort d'ailleurs le jeu. Non, pas à poil, je vais me foutre en tenue là. À poil. Il se fout en tenue et tout le monde est tellement.
ébahi par ses pecs, si tu veux, que personne va l'attaquer en fait. Je pense que c'est un item très important. Après, tu peux trouver une fourchette. J'aime pas quand t'es comme ça. Prends la fourchette. Merci Nico. Ah bon, Lul. merci Nico beaucoup Nico. Et en gros, en fait, il faut le foutre ici, je crois. Genre dans celui-là, voilà. Donc ça, c'est le truc de Rykov. Ah, je peux pas les ouvrir. Attends. Maintenant, je vais pas lui mettre des pains dedans parce que du coup, ça va péter la porte et je pourrais pas le cacher dedans. Attends, je pense qu'il va falloir attendre qu'ils reviennent par là en fait. Des émoticônes moches. Hein. Bah ouais, ils sont pas à nous, c'est pour ça. Rykov, reviens. Reviens à moi, Rykov. Je peux pas éclater la vitre. Merde, je suis sorti. Il était là, le poste à porno. Ah bon? Attends, si ça se trouve, si je reviens, Rykov, il va repop dans cette. Passer devant. Attends, tu vois bien que c'est une situation stressante là. Adwin. Oui, je le sens à tes petites odeurs. Mes petites odeurs, c'est gentil. Ouais, odeurs. Ah oui, poster porno exact. Ah oui. Oh, putain, elle s'appelle Choco Madababab. C'est un nom ça ou elle s'appelle littéralement Choco. Hein. Tu veux que j'aille voir sur internet? C'est quoi son nom? Choco Amamekouille. Choco Amada, je crois. Oh, merci Nico, la vache. Merci beaucoup, mec. Et tu une joueuse internationale de football. Pardon? T'es immortel maintenant, Nico. Oublie pas. Elle a joué deux fois dans l'équipe nationale du Japon. Japon, là, ils sont trop fous et en plus ils aiment bien les petites culottes. Ils et elle fait également des photos de charme. Tiens, putain, il la barre, Rykov encore. Mais il est pas majeur, hein. Fort. Non, je coupe, Fort, pour être sûr. Ah, j'ai reçu un émoticône grâce à Nico. Oh, c'est mignon. Merci, Nico. C'est trop mignon. C'est adorable. Cet homme-là est adorable. C'est un héros national. Quand je fais un 2-3 fastika. Après, on trouve un jeu comme ça, et dès que tu le lâches, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah, moi j'ai déjà des idées, mais. Ouais, mais on a tous plein d'idées, je pense. Alors, attends, comment faut que je fasse ça? Et, au début du film, t'as le gamin qui court en étant heureux dans les rues, et il fait l'avion en faisant des saluts nazis. À droite et à gauche. Il fait youhou, salut Hitler. Ouais, je le mate, il est vraiment. J'aime bien le réel en plus. Bonjour. Ah, Tobey Maguire. Tiens, allez, ta race. Bon, bah, t'as vu Jean-Claude d'ailleurs. Vous avez vu le vidéoclub avec lui? Oui, ouais. Ah, avec Old Boy américain là. Ouais. Et comment? Merde, ton film préféré, Spider? Green Lantern. Ah putain. Ah, il va où? Il va dans oui, la j'ai bibliothèque. J'ai vu avec B44, Funé. Il va dans la blibli. Il va récupérer un gros livre de cul avec des mecs à poil. Il va mettre sa bite entre deux feuilles, il va agiter. Waouh! Je connais pas cette stratégie. C'était très imagé, mais c'était pour les gens du chat. Chagod, il existe. Il vient ou pas? Rykov? Bah, pourquoi tu te caches? Il va pas te reconnaître. Mais le scientifique va me reconnaître. Il était grave cool, il y a des fois je pensais à toi. Faut pas dire des choses comme ça, hein. Tu l'avais funé le 1, 2, 3, Vastika. C'est vers le début. Merci du coup pour le niveau 5 du Hype Train. Merci beaucoup tout le monde. C'est fort agréable et vous êtes tous des héros nationaux maintenant. Vous serez décorés tous. Au moins dans vos pays respectifs, parce qu'en France. On fait ça les héros nationaux? Et il est où Rykov là? Bah, il regarde le. Je pense qu'il va vraiment regarder la revue porno. Enfin, je crois en fait. Non, c'est bon, il se barre. Et je crois qu'en gros il va revenir par Stéphane là. Je croyais que t'allais dire il regarde le foot. J'imagine. Allez, le FC Nantes. Allez, le FC Nantes. Évidemment, solaire. En fait, Rykov, c'est un gros beauf, mec. Oui, il y a un moment, il est au Genèse hitlérien, le gamin, et il dit, ouais, il paraît que... Il y a une rumeur qui dirait que Hitler n'a qu'une seule testicule, mais c'est faux, il en a quatre. Passez une guirlande. Il a pris la revue, maintenant, il va dans les toilettes. Non, il fait juste un passage, il a juste envie de s'habituer. Non, attends. Mais si, mais t'as passé maintenant. Attends, je veux regarder son parcours. Est-ce qu'il va, venir au deuxième? Attends, il y a des gens là ou quoi? Mais du coup, si tu lui donnes de la bouffe à varier, il va tout de suite aller au chiot. Ouais, je crois que j'en ai en plus. Attends. Je crois qu'il va monter là en fait, et quand il montera là, il va passer par ce bureau là et je vais pouvoir le planquer dans son truc en fait. Y'a pas de réflexion des personnages sur le sol. C'est mal fait, mec. C'est vraiment mal fait. Par rapport au décor, y'en a une qui est vachement jolie, mais pas les personnages. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Sente-toi, monsieur. Sente-toi. La minute à Jackie. Faut le dire en un seul mot. Sente-toi. Oh, t'as vu la grenouille?
Oui, j'ai vu la grenouille. On va s'en charger après, une fois qu'on aura éclaté Raikov. Stonte. N'oublie pas que dans, sur cette map, il y a un rat à tuer. Rat. Attends. Je vais essayer de le défoncer pendant qu'il passe là, en fait, au milieu. Il y a personne, je crois, d'autre, de toute façon, qui passe ici. Regarde, celle d'à côté, peut-être à droite. Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah, il va passer par là. Il y a un scorpion. Il y a un scorpion à récupérer quelque part. Qui c'est les meilleurs, évidemment. C'est non, les c'est les verts. J'adore cette chanson. Je sais pas ah pourquoi. Ah bon mais... Non plus, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Attends. Moi, j'aime bien la 4 Jackie. Jackie, ta 4 aile. Bouge pas, je vais me foutre à poil. Je vais le tabasser à poil. C'est trop offensant ce que tu fais. Non, je voulais pas te choper. Je voulais le foutre. Merde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer son truc? Faut le tabasser. Faut le tabasser et je crois qu'il faut le foutre dans son truc, hein, dans son casier. Attends, je suis pas sûr. Attends. Je vais l'assommer. Ah voilà. Et là du coup, là il y a une cinématique où je vais me changer. Je vais être nu contre lui. Bougez pas, ça va être intense. Ouh. Oh déjà il y a des ombres portées. Là. Les gars, plus que 4, on a rattrapé Robin. Salope. Ouh. Ah. Regarde. Ouh, qui est chaud. Ouh, comment qui est chaud. Putain, il a vraiment... Oh, il a un genre de tanga, en fait. Non, mais il a un string. Ouais, c'est un genre de string brésilien. T'avais vu, sur son tanga, il y a un petit écart. Oh, t'as vu Raiden. T'as vu le poster? Ah merde, j'ai pas vu, il y avait un poster de Raiden. Le poster à l'intérieur du casier, c'était Raiden. D'accord. Et oui, du coup, il a un petit éclair sur son truc. Du coup, est-ce que j'ai récupéré son costume? Normalement, oui. C'est pas comme ça. Arrive. Officier, voilà, impeccable. Hier, il demande c'est quoi son costume, c'est quoi son slibard, parce qu'il veut le même. On va voir si on pourra en faire LMF comme ça. Désormais, tu peux tabasser tout le monde. Il a la classe quand même. Ouais, c'est un beau mec, regarde. Tu peux tabasser tout le monde maintenant. C'est vrai, attends. Les scientifiques, je sais pas, mais les militaires, tu peux les tabasser. Attends, va. Est-ce qu'ils disent thanks, boss, comme dans MGS5? D'accord. Il est où? Attends, et je crois qu'il y en a un qui se balade là-bas, j'ai envie de le taper. Parce qu'il m'a saoulé tout à l'heure. Il t'a rien fait. Mais si, bien sûr que si, il est communiste, mec. Donc virtuellement... Et je crois que j'ai oublié un objet, en fait. Tu sais quoi, faut que je retourne en haut pour éclater la grenouille qui rotane. Bah maintenant, tu peux te balader, hein. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, salut moi. Mais... Tiens, je t'encule, va. Hop, salut. Qu'est-ce attention. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai le pouvoir, comment? Évite de les buter. Oui, non, je veux pas le buter, je voulais juste lui faire vraiment très peur. Oh, il tremble en plus. Oui, t'as vu, il est en train de trembler. Il a un visage angélique, mais il est viril et musclé en même temps, ça donne trop... C'est... Ouais, ok. Ouais, finis pas cette phrase. Non, je finirai rien du tout, d'ailleurs. Ce gros keuk. Et normalement, du coup, voilà, ici, il y a un truc, c'est quoi? Oh, mouchoir. Ah, voilà, le mouchoir soporifique. Ça, c'est cool, ça. Ah, le truc qu'on avait... On a cherché la dernière fois. Non, ça c'était les cigares. Ouais. Ah, du coup, je peux pas prendre mon MK22 quand je suis en costume. Et si tu te mouches dans tes mouchoirs? Bah, c'est complètement con. Je sais pas quoi te dire. Attends, je vais me foutre à poil. Voilà. Comme ça, les gens ils vont se dire waouh, mais son corps va pas du tout avec sa tête. Et ensuite, je vais pouvoir tirer Il a enlevé son visage. C'est Mark Zuckerberg. Hop, je vais foutre officier et voilà. C'est vrai que son visage va tellement pas que ça. Non mais bien sûr que non. Enfin, bah, y a un teint de peau qui va pas non. Et même quand il porte le costume de Raikov, si tu veux, tu vois qu'il est tellement beaucoup plus musclé que lui que. Mais je pense que je finirais le jeu avec cette tenue. Tu peux pas avoir de flingue. Hey, c'est là où je suis fort. Ah, c'est là qu'il est balèze le mec. Alors ici, ça servait à rien. Bah si, du coup, attends, je peux récupérer ce que j'ai loupé en claquant comme une merde. Hop là, voilà, du Nexus. Du onguent, ainsi que du pansement, et... C'est une version belge de tout ça ou... Et maximum de antidote. Non, c'est maximum d'hormones normalement, mais écoute, on regardera ça plus tard. Faut finir le jeu avec la tenue ERSS et le casque croco. Ah d'ailleurs, elle va se foutre de ta gueule, Eva, si t'as le masque croco. Super. Pourquoi il vient ici, lui? Commandant. Oui, c'est moi le commandant Raikov, attention, hein, je suis vachement pédé. J'adore Bear Force One. Tu peux dire à tous les officiers que je suis des bites. Le bitard. Bonjour, voici votre nouveau major, et il est extrêmement homosexuel. Je suis super pédé. Ici, y'a rien d'autre. Ok, allez, on se casse. J'enfile pas des billes. Oh, j'ai eu un scorpion. Ah oui, non, c'est la mitrailleuse. Je croyais que tu parlais de l'animal. Non, tu parlais de la mitrailleuse. Enfin,
d'accord. Mais quand il vole, c'était une arme, ton de cul. Je sais même pas ce que je dois foutre ici en fait. Bah, je vais te barrer. Non, mais désormais avec lui, tu peux passer. Faut que j'aille dans les labos en fait. Oui, tu peux aller au labo, je crois. Oui, c'est les labos. Oui. Bonjour, les laborantins. Comment ça fait de délation? T'as l'air tellement con à marcher dans les escaliers en courant là. Mais c'est parce qu'il marche, tactique tout le temps. Toudou, toudou. We're the rats. We're the rats. Il a l'air vraiment con à chaque fois. Hein. Bonjour, la science. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je connais tout ça là. Michkolo. Je sais pas. Oh, t'as vu, Momo, j'ai trouvé ta boutique sur Paris. Oui, j'ai vu. Momo, il est 40 affaires. Attends, non, c'est Momo le moins cher et les 40 affaires. Parce qu'en plus, il y a un genre de c'est génial. Comment on appelle ça? Et prêt à porter, il y a marqué en plus. Un alexandrin. Ah ouais, quand même. Et non, mais c'est pas ici que je dois venir en fait. Attends, je vais bouffer un truc pas bon. Tout est pourri dans mon inventaire, c'est cool. Parce qu'en plus, je vous rappelle que plus le temps passe, même hors du stream, hein, même si je joue pas, en fait, plus le temps passe, plus les trucs sont pourris dans mon inventaire. Vas-y, lance un truc mort sur la tête d'un scientifique. Tiens, attends, je vais leur envoyer des trucs qui puent. Bouge pas, attends. Tiens, prenez un piton réticule qui pue. Un vautour dans ton sac. Ah tiens, je vais leur envoyer un vautour. Attends, c'est dans les armes, je crois. Ah, le poisson, un coup de poisson. Attends, il est où mon vautour? Tu veux un poisson? Tu veux que je lui file un arowana? Attends, je vais leur filer un arowana. Attention. Oh, ça fait chier de récupérer le poiscaï. Vous voulez de la... Ah, mais non, je peux rien lancer, du coup, vu que je suis en costume. Non, c'est nul, t'as juste à droite. Non, super quoi. Ouais, c'est ça, salut-moi ta merde. Je sais plus exactement. Faut juste que je me balade dans la base, je crois en fait. Faut que je retrouve une sortie dans la base, faut que je ressorte. Ouais, je crois que tu dois sortir. Je vais ressortir, ouais, je vais ressortir. De toute façon, je vais aller voir les petites anecdotes. Parce que le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Tu aurais pu s'imaginer qu'autre en ceci vite écoulé. On fait le bilan, calmement. J'adore cette chanson, ouais. Et j'adore la reprise qu'ils avaient fait, Usul et. Usul leur... Ouais. Bonjour, salut-moi toi. Ouais, c'est ça, commandant, c'est ça. Attends, je passe pas dans la lumière parce que ça fait peur quand même. C'est pas par là. Non, y'a quoi ici? Qu'est-ce que c'est que cette petite porte? C'est génial de foutre des mandales. De manière, j'ai salué la porte. Ok, c'est bon. Cette porte se conduit bien. Quand tu salues? T'as une touche pour saluer? Mais c'est la touche action en fait, elle permet de saluer. Oh. Et la touche action, quand t'es habillé en scientifique, elle te permet de remonter tes lunettes sur le nez, genre. Tu vois? C'est génial. Je suis intelligent. Tu vas finir ton cornichon? Moi, je le fais tout le temps, ça. Ouais, je comprends. Pour le cornichon. Pour le cornichon, bah bien sûr. Du coup, j'imagine que c'est par là. Bien éclairé, non. Non, je crois pas. Ça fait beaucoup penser au début de Metal Gear Ghost Babel. Mais personne ne l'a fait à part Ghost moi. Blablabla. J'adore Metal Gear. Blablabla. Ici, il y a de la bouffe. J'en ai besoin parce que... Si... Attends, tu sais quoi? Je vais virer les trucs un peu pourris. Je vais virer quelques trucs pourris de mon inventaire. Tu vas prendre la bouffe et tu vas mettre à la place tous tes trucs qui ont pourri de tes poches. Le mec, il va se dire, dis donc, c'est pas top cette semaine, hein. Justo. La migale, elle était belle. Non. Ça c'est pas vrai déjà. Tu penses qu'il faut que je passe par là? J'en ai aucune idée. Putain, t'es autant paumé que moi en fait. Oui. D'accord, ok. Oh, y'a un rat. We're the rat. Putain, je peux pas sortir mes flingues. Je crois que si te voir ramper par contre... Ils vont commencer à se demander des trucs. Ouais. Bon attends, je vais continuer à chercher un petit peu. Mais attends, il faut juste que je trouve. Y'a Hoffman qui dit qu'il a fait Ghost Babel, hein. C'est vrai? Donc vous êtes deux à avoir fait Ghost Babel. Et j'en suis très très fier. Bien sûr. T'as un pro commun avec Hoffman du coup. T'es fier de ça ou pas? Oh merde. Bah il est gentil Hoffman, faut pas dire des conneries. Ouais. Il est spécial, il est spécial. Ok, là je crois que j'ai testé tout à l'heure, je peux pas rentrer. Non je peux pas. J'ai même fait acide. J'ai adoré les deux acides moi. J'aimais beaucoup le jeu de cartes. Les jeux de cartes en fait j'aime bien. Et ça me... Ah oui, ça te... Comment, t'as jamais joué comment il s'appelle le roguelike de cartes, là? Non, c'est pas Metal Gear. Ah mais je suis con, faut remonter, putain, il y avait une sortie tout à l'heure, je l'ai vu en plus. Mais oui, t'es con, oh, ça, je l'ai vu. Oh la brutie. Alors... Gentil con et un peu... Non, lis pas ce mot. Lis pas ce mot. Attends, je vais récupérer la revue porno, quand même. Mais tout à l'heure, tu avais le droit de le dire. Oui, mais ouais. Je sais pas trop les limitations de... Ah, je fais un bipass. De voilà. Twitch. C'est ça, en fait. À demi, faudrait que tu essayes Slay the Spire, du coup. Slay the Spire. Oh, la revue. Ouais, c'est bon, j'ai chopé la revue. Je sais pas si on peut, genre, l'observer dans l'inventaire. Si je vais dans sac à dos... Non, t'es obligé de le jeter par terre. Oh. C'est comme ça qu'on pour fait pour regarder des livres. Pour tourner des pages. Le plan stratégique là, je l'ai mis par terre, c'est pas. Quel connard. Attends, je te passe à Dwim. Ça, en plus, j'ai une revue et des mouchoirs en plus, c'est tranquille. Ne nous faites pas une live, non mais t'inquiète. Attends.
Oh putain. Oh putain. On a une souricière. Mais non, c'est pas ça le problème. Tu peux l'ouvrir? Un non, magazine pour hommes. Et marqué quoi d'autre? Un magazine pour rempli de jeux de photos de jeunes femmes. Eh ouais. Très jolie la jeune femme. Et ouais, alors bah écoute, c'est le problème. Par contre, 400 grammes de petit magazine de 3 pages, ça va être collé. C'est ce que tu me dis souvent à Dream, c'est que les Asiates c'est un peu tout ou rien en fait. Je dis pas ça. Si. On avait parlé une fois et tu disais ouais les Asiates c'est vraiment bah tout ou rien en fait. Pourquoi je remets en contexte tout ce que tout le monde a compris. Le mec qui a fait une connerie, c'est expliqué. Ok, allez, c'est parti. Ah, j'ai, c'est vrai qu'il y a une. Moquer, ils sont trop nombreux. Il y a une cinématique où on se fait torturer pendant 2 heures aussi, donc vous pouvez vous rouler une clope. Hein. Comme dans tous les Metal Gear du monde. Dans tous les Metal Gear de l'histoire du monde. Ouais, bonjour, je m'appelle Commandant Rykov. Fais pas attention à comment je marche, c'est juste que j'ai un lumbago. Ça me fait mal de ouf. Et puis ma voix a beaucoup changé depuis ce matin. Hello. My name's Rykov. What the fuck? Bonsoir. Ah, il va te toucher le prépubère. C'est pas ça. C'est pas ça. Le... c'est pas ça. Le prépuce. Ah, j'ai mal à mon prépubère. C'est bon, il y a cinématique. Je peux monter ma clope ou pas? Oui. Allez hop. C'est y part. Là, on va avoir le temps normalement là. La MGS4, la scène de torture est plus sympa que les autres. Mais en plus, je crois que je vais avoir des actions à faire pendant la scène de torture. Hein. Bah comme dans le premier, tu vas machine touche. Ouais. Et puis il y a un truc avec l'endurance aussi, quoi, etc. Tes amis, t'avais un super costume. Snake. Et puis t'auras comment? The Sorrow aussi, pas aussi. Oui, exact aussi. C'est vrai, je pensais que The Sorrow ça faisait avant Groznygrad, mais non en fait. J'adore ce nom. De quoi, Groznygrad? Ouais. Il est cool comme nom. Oui. Gronibar. Oh putain, le coup de pied dans la bibliothèque de Médicis, quoi. Il a éclaté toute la culture d'un coup, le mec. Hey, Gronibar. Ça a manqué dans le cul, ouais. Qui c'est qui me parle? Putain, y'a mon pote allemand qui me parle sur Steam. Là. Il s'est fait ouvrir le crâne du coup ou pas? Ah non, je crois que non, il a eu un rendez-vous préliminaire et pas encore, je crois. Attends, moi je sais pas si tu dis que cette histoire, mais il se passe quoi? Mais en fait, c'est pas très drôle en fait. C'est juste que mon pote allemand, il a du liquide qui se forme dans son crâne et il a fallu qu'on le drille un peu le crâne pour vider en fait. Bah, ouais, c'est pas très drôle en fait. Du coup, t'as gueulé les Quaid. Les Quaid. Non mais je lui ai dit que c'était super cool. Il m'a dit ouais, c'est trop cool mec. Il se transforme en éponge ou... Non mais ça arrive, enfin c'est un anévrisme en fait, je crois, il me semble. Du coup il devient Big Boy. Mais Onizuka a ça aussi pour les références dans GTO. Non, pas du liquide séminal. On peut pas avoir le cerveau qui baigne dans le sperme, ça n'a aucun sens. Oh franchement. Tu me remontes la revue. Est-ce qu'il faut avaler beaucoup de foudre? Hoffman qui dit pression intracrânienne, même toi tu sais. Le mec qui représente. Représente la pression intracrânienne, wesh. L 93. Il devient comme Modok du coup. Oh putain, s'il avait un petit siège volant, ce serait cool. Ah, t'es ouf, mec. Ce serait mon main. Sur Hans versus Capcom. Hans. Bah c'est son nom. Franchement, si on avait la Megaforce versus Capcom, je pense qu'on aurait un putain de line-up. Hein. Ouais. On aurait Skadur, tu vois, par exemple, dans la team, il fait que les assists en fait. Il est jamais il vraiment là. Oui, c'est ça, il apparaît, il disparaît, tu vois. Il apparaît, il donne un pas, il disparaît, tu vois ce que je veux dire. Et moi, mon ulti, ça serait 1, 2, 3, Vastika. C'est ça. Et tu fais en fait une Vastika qui tourne et ça fait des ouais, coups, tu vois. Comme un. En boule de feu, enfin en boule de Vastika. Enfin. Ouais, c'est en boule de Vastika, ouais. Il est trop le Shadow. Ouais, franchement, il a vachement de la gueule. Hein. On dirait vraiment. Par moment, on dirait vraiment une vidéo d'archive en fait, c'est flippant. Ouais, c'est bien foutu. Je crois que c'est. Il a deux propulseurs sur les côtés. Ouais, c'est ça. Les gars, plus que 5, on a rattrapé Robobine. C'est une fusée en fait, enfin il a clairement des fusées sur lui pour donner de l'élan à l'ICBM en fait. C'est ça. Pourtant, l'utiliser pour donner de l'élan à un pigeon. Oh, certainement. Deux grosses fusées sur le pigeon. Je suis en train de m'imaginer la scène, ça me fait beaucoup rire en fait. De voir le pigeon qui traverse genre le mur du son 3 fois. Tu sais, avec le. Comment on appelle ça justement, le cône qui se forme pendant le mur du son, ça a un nom, c'est. Le cône qui se forme. Non. Oh là là, putain, je regarde la vitesse du truc. C'est super stylé. Je pense que le Shagot, ça doit être un de mes Metal Gear entre guillemets préférés en fait avec Rex. C'est pas un Metal Gear techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Techniquement, c'est un peu relou. Un actually 500 km/h, c'est une belle bête, hein.
500 km en ligne droite. Hein. Je le trace et je suis même pas à fond. Mon gars, il faut une sacrée runway, je pense, pour déjà l'accélération et la décélération du Shagohod. Hein. Et du coup, ça sert à quoi d'avoir un runway gigantesque comme ça pour, finalement, enfin, ça prend plus de place qu'un silo, quoi, non? Ouais, mais c'est qu'il n'y a pas de combustion, c'est comme tous les Metal Gear. Ouais. Ça balance. C'est, c'est que là, il l'utilise sur une piste, mais ça, c'est pas forcément être une piste en fait. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est pour le test, tu vois. Oui, c'est ça qu'il est en train d'expliquer en fait. Il est en train d'expliquer que juste en fait, tu prends le Shagohod, tu le fous dans un ferry et hop, tu peux lancer des ICBM d'où tu veux en fait. Ouais, voilà. Mais du coup, tu peux pas faire un truc directement sur le ferry au lieu de lui donner des roues et des moteurs et tout? Écoute. Ça, c'est les mobiles. On est en 1954 ou 55, je sais pas quoi. C'est compliqué, d'accord. La législation sur les ferries, elle est beaucoup plus compliquée. Et puis ça n'existait pas les ferries encore. Bah, ils avaient pas inventé la couleur. Le cône de Mach, mais en fait ça s'appelle pas le cône de Mach, je crois qu'il s'appelle le cône de quelque chose et ça a un nom genre putain comment on dit une pas une anomalie mais une comme putain septicémie. Non, il y a un autre terme pour dire genre anomalie mais dans l'espace, comment ça s'appelle? Radar. Non. Non, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais, le cône du mur du son, ça a un nom, ouais. On va aller voir sur internet. Va voir quand même, ouais. Je crois que c'est un nom cool. Du son. On appelle ça le mur du son. Mais non. Je vais chercher. Pourquoi ça fait boum quand on passe le mur du son? La singularité de prendre Glowert. Voilà, c'est ça, c'est une singularité, ça s'appelle. De prendre. Ça s'écrit en plus d'une façon assez vénère. Regarde, regarde comment ça s'écrit, mec. Dans le chat. Oh, c'est allemand, ça. Ouais, ouais, bah évidemment. Pas pour dépasser le mur du son, hein. Je crois tellement. Et c'est ça que je cherchais comme nom, c'était singularité. C'est beau comme mot, singularité. Ça, je trouve, j'aime beaucoup, ouais. Petit shout out. J'avais oublié qu'il y avait un quart d'heure de cinématique maintenant. Plus, parce que là il va parler juste du Shagohod pendant une demi-heure et ensuite il va y avoir de la torture. Ouais. Après, c'est vrai, c'est un beau véhicule, mais par contre, On dirait qu'on est au salon de l'auto. Radio Garfoot. il manque juste les nanas à poil qu'ils sont en train de. Comme ah, moi je les ai, moi. Venez, en deuxième moitié de 2020, on lance un stream qui s'appelle Radio Berfoutre. On fait quoi durant ce stream? Je sais pas. J'ai trouvé le nom, je peux tout faire. T'as une bonne idée, mais t'as pas le fond. Non, bien sûr que non. Comme les soviets. Oh ra, ra, ra. Est-ce que vous avez tous compris le nom du stream? Oh putain, j'espère pour vous. c'est quand même une des pièces maîtresses du féminisme au XXe siècle, donc franchement... Je trouve que tu sais de la merde. Alors qu'il n'y a pas grand chose dans la vie. Alors que par contre, Téléfoot, ça c'est la pièce maîtresse. Ouais, alors que. Snake Eater, il n'y avait pas de problème. C'était trop bien, Snake Eater. Tu peux le chanter, ça, Snake Eater? Je sais pas si tu peux légalement le chanter, mais ouais, ouais. Tatiana. What a fucking bitch. Elle ressemble beaucoup à Raikov quand même. Bah c'est Raikov. Merde. Elle s'est introduite. Aussi on va l'introduire. Oui, c'est par rapport au livre de merde que les connasses en socio lisent là, grosse putain. T'as un problème, je suis un t'as, vrai, t'as besoin vraiment d'un thérapeute, je pense, mec. Hein. Par contre, ça ne se lit pas grosse putain, c'est grosse putain. Ah, grosse putain. C'est un petit côté les anges de la télé-réalité. Ou... J'adore cette photo en 140p. Vas-y, appuie sur R1. Oh, on ne voit que dalle. On voit le stream comme Hoffman, en fait. À travers de la haine. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode de le Golden Show... Oh, 51. On est au même nombre de viewers qu'on rembobine, les gars. Bro. Oula, on la dépasse. Donc, dans le premier épisode de Golden Show, tu voyais juste... c'était la photo d'une meuf, et on voyait son bas-ventre, en fait, et elle est en culotte, tu vois. Et il y a deux antennes vertes qui dépassent pendant 5 secondes. Et il y a Poul qui gueule Shrek. et en fait ils reprennent le thème de Shrek en fait. Mais tu sais que je les ai tous regardés récemment, les Golden Show. Moi aussi. C'était cool, c'était drôle. J'ai vraiment kiffé les regarder encore une fois, ouais. Et puis ça a pas trop vieilli, quoi. Enfin vraiment c'est... Non, c'est on l'a dépassé. Bra. La puissance de la France. La France devant les colonies. C'est une colonie en Bah elle est au Canada, quoi. Ah. Ouais, voilà. Il a le problème.
Je crois que le truc qui m'avait le plus éclaté dans les Golden Show, c'était tu m'as déjà défoncé une fois, pourquoi pas deux. Moi j'aime bien quand Poulpe il joue un Péruvien qui est en vacances en France et qui a Davy Mourier qui joue le mec qui en gros il lui explique un peu comment marche la langue française. Et du coup, oh 144.75, t'as vu il y avait un code de codec écrit sur le panneau. Ah, oh, j'ai pas fait gaffe, faut le noter. Et du coup, tu vois le Péruvien qui dit ah, c'est très joli Paris, mais j'aime pas trop, il y a beaucoup de bougnoules qui se baladent. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand il parle des bougnoules, il parle des pigeons. C'est l'autre qui lui a expliqué que ça s'appelait un bougnoule. Et en gros, il pointe un tabouret et il dit viens, assis-toi sur ce PD. Et ça me fait beaucoup rire. Tu sais que ça, je l'ai fait avec une gamine, enfin, pas le truc du PD. C'était à la poissonnière, on était à côté de chevaux ou de vaches, je sais plus. Et elle m'a dit c'est quoi ça? Ça, c'est des vaches. T'es vraiment enculé. Je croyais que t'allais dire un truc super hardcore. Merci beaucoup Galamitz. Merci beaucoup mec. Merci. pour le resub. Ça fait super plaisir. Adwim, non. Peut-être que désormais elle croit au fond d'elle que bah, c'est des vaches. Ça c'est un stérilet petit. Ça c'est la libido de ta mère. Putain, par contre ouais, c'est vrai qu'il parle pendant 15 ans mais... Mais c'est pas fini, c'est juste... Attends, je sais pas pourquoi j'ai repris la manette en fait, je suis con. Comme sur Death Stranding, tu prends la manette en main alors qu'il se passe rien. Bien sûr. Ah, Doom, c'est intéressant. Est-ce qu'il fait sympathique comme ça, mais en fait, il fait des sacrifices tout le temps. C'est pour ça qu'il nous laisse jamais aller dans son grenier chez lui. Ah, tu veux y aller là-dedans? Non, t'as gueule, non. Putain, pourquoi tu l'as relancé là-dessus? Jamais. Y'a trop d'arabes dans le coin, je te file de l'argent pour un iPhone. Toi aussi, t'as des problèmes, mec. Il te faut un thérapeute aussi. Hein. Ah, franchement, un iPhone pour ça. C'est moi ou Snake qui louchait? J'ai cru voir ses yeux partir en banane, mec. Big Louche. Big Louche, quand je te mets, tu louches. Oh, il est beau, Volgin. C'est du sexe dans l'entrepôt. J'espère qu'il va pas m'écraser les couilles, en tout cas. Et ça, c'est un cheval. Oui. Ah bah oui. Là, pour le coup, ouais. Oui. Je vous attendais dans ma pièce. Il y a vraiment des sous-entendus sexuels? Oui, mais évidemment, ils sont pédés les deux. Ah, c'est son, c'est son. Non, c'est oui, c'est son mec. Rykov, c'est son mec. C'est pour ça que quand tu mets le masque, quand tu te bats contre lui, en fait, il a des problèmes parce que bah, il est amoureux, quoi. Les deux sont des gros couilles. Les deux sont des gros pédés. Je croyais qu'il allait sentir ses doigts. Ah. Tu sais que dans MGS4, donc tu peux tenir les gens en joue, tu vois, pour les faire freeze, et tu peux les fouiller après. Et en gros, si tu continues à fouiller les mecs plein de fois, tu peux leur attraper les couilles et leur faire du CQC aux couilles, en fait. Et quand tu fais ça avec en face de... Oh la vache. Quand tu fais ça avec des soldats meufs, elles te traitent de pervers, et t'arrêtes. Bah ouais, bah écoute, super. Franchement, ça me plairait pas. Tout. Oh non, pas elle, non, oh, pas le pistolet, non. Pas le pistolet, je t'en supplie, elle va encore me démonter. Ah, ah c'est The Boss, oui. Elle est tellement classe, The Boss. Ouais, elle est vraiment super stylée. Un peu relou, par contre. Robobine nous est repassé devant. Putain, faut qu'on achète des vues, là. Le coup de pied. Ça doit exister. Mais surtout que elle se fait hoster par ses potes et elle arrive à 130 vues à chaque fois, on a pas de potes, nous. Mais personne nous aime. Ouais, non. Mais elle nous hoste pas, elle aussi. Est-ce qu'il va me traiter de Loki de PD en fait? Ça pourrait détendre sur toi. J'aime pas trop ce que tu impliques là. Attention, tu pourrais devenir le gay. Arrête de désarmer des gens. C'est quoi votre passion dans la vie? Arracher des culasses. Ah, oh, c'est pas possible, arracher des Makarov. Elle vient de taper Volgin. Oui, elle vient de défoncer Volgin, ouais. Y'a l'autre, par contre, il est en train de picher de sang. Non, on a pas de soucis avec Robobine, c'est une pote, enfin, on l'aime bien, quoi, elle est gentille. Mais bon, quand même. Mais quand même, elle est canadienne. L'autre, il a. C'est. Rotule, elles sont dans une autre pièce. Personne ne s'inquiète. Les gars, ça vous dérange si je couche dans son épaule. Mais elle est ultra baraque, elle est vraiment super baraque. Ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer. Quand t'as une cicatrice qui fait la taille de mon trou de balle. Je suis désolé. T'as un super gros trou de balle, putain. Moi j'ai l'inverse. Aïe. Alors vous inquiétez pas pour le framerate, c'est normal, c'est juste que la console se chie dessus dès qu'il y a de l'électricité. Ça va être chiant contre le boss. C'est déjà, il va passer dans un épisode tellement vrai, ma mère adoptive désarme tout le monde. Ouais. Il s'est un peu bousillé la gueule. Ouais, c'est pas fini mec, hein. Franchement c'est pas fini.
Je me rappelle plus de la séquence de torture dans celui-ci. Je me souviens bien. Elle est assez dégueu en plus. Hein. Mec, comment ça, elle est dégueu, t'arrêtes de parler de maman comme ça? Enfin, de elle. Non, mais je parle de la torture. Maman. Ça t'est jamais arrivé en classe, quand t'étais petit, d'appeler un professeur maman sans faire exprès, mec? Non, mais comment ça, quand t'es petit, même au collège, mec? Même ça, maintenant, c'est un show. Je me trompe des fois. Mec, il est au téléphone avec la cape. Merci, maman, madame. Un bisou. J'aime bien ça dans Brooklyn Nine-Nine, Jake Peralta, il arrête pas d'appeler commissaire Holt papa sans faire exprès, ça me fait beaucoup rire. Je crois que mec, le truc qui me bute le plus, c'est quand t'es au téléphone avec quelqu'un, mais genre de limite, il pourrait t'éclater, quoi, en fait, si tu veux, genre... Légalement, il peut t'éclater, quoi. Légalement, et quand tu lui fais un bisou, il y a un petit retour d'acide. J'ai appelé un prof daddy une fois, non, ça c'est un problème. Surtout s'il est français, il a pas dû comprendre. Oh là là. Par contre, les éclaboussures de sang, je les trouve très stylées. Très stylisé, mais... Les explosions aussi, c'est... Oh putain, voilà. Même le sang qu'il a sur le visage, Snake, c'est super bien foutu, en vrai. Il a la mâchoire cassée, hein. Ouais, il a tout pété, mec, il est tombé. Je suis en train de lui faire péter la gueule. Mais attends, c'est ça du coup la séquence de torture? Non, t'as pas une séquence... Oui. On vient juste de commencer, là. Il t'a juste éclaté la gueule pour le plaisir, là. Il y a encore une bonne grosse cinématique après, là. Oui, ouais. Je veux bien sauvegarder les données, merci. Il a joué à 1-2-3 Astica, quoi. Je suis en train de me faire péter la gueule et je pense qu'il y a Paramédic qui dit « Tu veux sauvegarder, Snake ?» Ça te dirait pas de sauvegarder maintenant, t'es en train de t'en prendre plein la queue. Je l'aimerais bien. Et après, il y a... Pour une fois qu'elle pourrait être utile. Après, il y a Seguin qui dit « Yo, what up, Snake ?» Ok. J'ai mal. Ce serait plus rapide de savoir ce qu'il a pas cassé. Oui. Non, mais si, vraiment. Je crois que ma colonne vertébrale va bien et encore, je suis pas tout à fait sûr. Là, Ocean, t'auras un truc très important à ramasser. Attends, je peux pas. Ah ouais, t'es sûr? Le rat et la fourchette. Mon sang. Tes organes. Les couilles sur le sol. Mes couilles sur ta vie. Ça fait du whisky. Oh la vache, je sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de m'en prendre plein la gueule. On est repassé devant. Je jure que quand elle va déballer ses 140 viewers, je te promets que tu vas faire la gueule, mec. Tu veux pas sauvegarder, je te parlerai de Zirven Film une prochaine fois. Yes, he's dead. Là, y'a Volgin qui était en train de tabasser Sokolov avec Eva dans la pièce qui est en train de dire « Arrête, tu vas lui faire mal !» Mais il est en train de bourriner, là. Putain, viens de nous repasser dessus, c'est pas possible. Nous repasser dessus ? Devant. 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 Avec les lapins. Avec les lapins. Je crois qu'il va être en train de me péter la gueule. Le problème, c'est que dans ma 6x6, j'ai pas du tout de moteur pour les vibrations. Donc je sais pas quand il me pète la gueule. Non, c'est pas ce qui se passe en fait. Non. En fait, quand tu regardes à travers, les manches de ma manette sont vides en fait. Et c'est la première fois que je vois ça. Comme ton âme. Exactement, pareil que mon âme, ouais. Non, mais c'est parce qu'au final, y a pas de vibrations sur les côtés en fait. C'est juste des trucs en plastoc. Bah, c'est ça, ouais. En fait, les manches sont vides complètement. Je vois à travers. Est-ce que tu peux serrer assez pour les péter? Je pense, ça m'est déjà arrivé avec une... Même si... Tape là très fort contre la top. Même avec des vibrations, hein, ça m'est arrivé de péter une manette comme ça, mec. Hein. Sérieux? Ouais. Serrer trop fort à cause de Xiaoyu dans Tekken 3, je te promets que... T'as vu ce qu'il a dit en... Robobine a un pif qui peut sentir le pinard à des kilomètres. Oh, ça c'est méchant, pas le physique, non. Je suis en train de m'en prendre... Par contre. Comment ça va? Comme Borloo. Il y en a une des deux qui sont Twitch. Roborlo. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Elle fait. Clock Tower. Elle fait du Clock Tower, ouais, c'est ça, ouais. Elle fait que des jeux. T'as des vieux jeux d'horreur, c'est super cool. Ouais. Kula que t'as au. Waouh, t'es pas japonais. Oh, je vais voir ses lapins. Super, tu t'es en train de lui filer des vues, mec, hein, t'es en train de lui filer des vues. On fait pas une page Instagram, nous, avec des photos de nos animaux? On a pas d'animaux à part Paco. Bah non, il y en a plein dans l'équipe. T'as vu qu'il y a de la physique aussi sur le sac poubelle que j'ai sur la tête? Attends, je regarde les lapins. La physique, elle est un peu éclatée, d'ailleurs. Elle fait gauche-droite. C'est pas grave, ça, c'est bien fait. 10 millions de volts. Ah, ça dépend d'ampérage. J'étais sûr que t'allais dire ça, mais j'ai fait exprès. Ça veut rien dire, 10 millions de volts. Du coup, on continue ou d'alternative déjà?
Faudrait lui demander. Le mec il est sous le sac. Attends, par contre, c'est au niveau de l'ampérage que ça dérange. C'est quoi la pénance de ton truc? Le grosse pénance. Dans le cul. T'as des problèmes, mec. Oh, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit déjà avec quelques jours qui étaient le cul? Je sais pas, tu. Ça arrive souvent. Attends, on t'entend pas au-dessus de Snake qui est en train de hurler là. Voilà, ça c'est mieux. Ça fait 58 minutes, t'es en train de se faire éclater. Putain, je viens de me pisser dessus. Snake vient de se pisser dessus. Ouais, super les gens. C'est couillu de montrer le meilleur soldat de l'univers quand même se pisser dessus comme ça. Hein. Franchement, il y a du courage. Laisse-toi aller. Putain, l'autre il est toujours dans son guet là. Il est bien enfoncé dans son guet l'autre. He's not going to talk. Oh putain, y'a maman qui arrivait, elle va me péter la gueule aussi. Oh là là, le duel de regard. Ouais, de regard. Ouais, enfin, duel de sac poubelle. Hein. Ah, il est bien animé le sac poubelle. Oui, t'as vu. Il est déformé pour ne pas parler. Mais surtout qu'en fait, il me pose des questions. J'ai aucune idée en fait de l'héritage des philosophes, donc en fait, il a juste envie de me torturer. $100 billion, il va dire. Mais c'est pas dans le norme. Il y avait pas dans celui-ci le. Comment ça s'appelle? Scala. Le cauchemar. De quoi? Le cauchemar, il y est pas dans celui-ci. Ah oui, bah je crois pas, non. Le cauchemar de son. $100 billion! Oh, tu vas voir Johnny après? Oui, je vais voir Johnny, ouais. Comment dire, pour le cauchemar, normalement, fallait juste t'endormir en fait dans le lit après la séquence. Puis on pourra essayer, non, mais. Divided and hidden all over the world! $100 billion! Arrête de me taper, je connais pas! Oh la vache, ça bien! Allo Snake, y'a des interférences sur le codec, eh! Tu as des os cassés que je ne connaissais pas, Snake. Ouais, j'ai mal à des organes que je pensais pas que j'avais en fait. Je crois que j'ai une appendicite. Oh! En fait, ce qui est marrant, c'est que dans cette salle, ultimement, il y a que Volgin qui est de son côté en fait. Tous les autres sont des agents triple, quadruple, voire quintuple. Bon, en même temps, c'est au slot à côté, c'est la valeur étalon. Mais oui. Qu'est-ce qu'il a ramassé? Il y a pas un seul mec qui est de son côté là, hein, Volgin. Du coup, ils sont tous en train de se dire putain, comment on va sortir Steak de la merde là. Non mais laissez-moi les gars. Là, c'est bon, je contrôle. J'en ai pris plein la gueule, mais tu verrais l'autre. Moi, ça va, Snake. Hein. Oh, elle a peur. Enfin, il... Ouais. En même temps, tu... T'as The Boss qui arrive vers toi pour te foutre une mandale. Tu sais que tu vas manger du CQC que tu connais pas, donc... Moi, instinctivement, je me mets à quatre pattes. Je suis un petit cheval. Volkin qui flippe quand Joe lui court après. Non, mais oui, mec. C'est comme ça qu'il perd un œil déjà. Non, ce n'est plus du tout. Non. Non, c'est pas comme ça, tu vas voir. Oh. Elle a fait 3 pas, il a direct reculé. Non, mais je rigolais, madame. Pardon, madame, aïe. Il y en a pas un seul dans cette cinématique me fait toujours vraiment beaucoup rire parce que j'ai l'impression de voir une surprise en fait. Au bout d'un moment, ils vont tous dire un épisode de striptease. Surprise, en fait, on est de la CIA. Vous êtes en état d'arrestation. Ils se regardent tous, ils disent putain, mais vous tous. Et en fait, sous ce sac poubelle, c'est pas Solid Snake, c'est Nagi. Pff, merci tout le monde. T'as pas le droit, il venait Nagi. Fais mal à mon gros nez. Attends, j'en souviens plus, elle va faire quoi? Tu regardes la cinématique. T'inquiète pas. Je vois au slot là. Il fait de l'aérophagie. Maintenant, il a un sac justement, tranquille. Et au pire, avec le sac poubelle, t'avales plein de CO2 et tu t'évanouis. Hein. Ça a piqué ou pas? Ça a piqué là. Ça a piqué. Arrêtez, non! Je suis amoureuse de cet homme! Il tremble un peu quand même, hein! Ah bah oui, t'as vu ce qu'il a mangé dans sa gueule! Ouais, petit pédé, quoi. Vraiment, Eva et comment. Merde, Ocelot, j'ai l'impression vraiment de voir un frère et une sœur qui sont en train de se vanner en permanence, en fait, quoi. Ah, elle est trop nulle, cette pute! T'avais qu'à débarrasser hier soir! C'était Hanouna sur le masque qui dit c'était génial, ma petite beauté! Oh, c'était super, ma petite beauté! Oh, j'adore ce mec! Oh, tu fais bizarrement. Oh, vous êtes mes amours, vous êtes mes petits chéris, mes petits amours. Il y a quelqu'un ici qui s'est déjà fait péter la gueule dans un sac poubelle. Mec, Ocelot qui fait. C'est toi le traître. Putain, c'est du farvet. Non, c'est toi le traître. Non, c'est toi.
Il y a cette jeune qui dit arrêtez tous les deux et ils se retournent tous en disant mais toi aussi t'es une traîtresse. Non même pas. Franchement ça doit être la prison la plus chelou de Russie. Franchement non. T'as les gardes qui regardent et tu dis oh, putain qu'est-ce que je fous là. Et allez il y a Oslo qui va encore faire le con. Les deux gardes ils sont en train de discuter. Je crois qu'Oslo t'a sorti son gun hein. Bah oui comme d'hab. On sait que t'as pris des cours de jonglage, on est tous super impressionnés au slot. Et je mets le fait que tout le monde sait dans quel flingue est la balle, sauf au slot. Et voilà. Il est pas particulièrement malin comme garçon. Ça vient de là, l'eye patch. Tiens. C'est QC dans ta gueule. Remember the basics of moi qui te fous une tartine. Oh, la baffe de The Boss. Oh mec, il est bien rouge là, il a mangé des fossettes là. Il arrête pas de tourner là. Là, tu es en train de se dire, je vois la vie en 2D. Putain, il pourra même plus aller voir Terminator en 3D. Bah en vrai, littéralement, ouais, en fait, il voit la vie en 2D maintenant. Si, non, son cerveau, il va compenser. Bah, il va compenser, mais vite fait quand même. Non, il va voir en 3D. Mais du coup, c'est-à-dire quand tu vas viser, tu verras un peu moins bien. Oui, littéralement, t'as une petite partie à la droite de l'écran où tu vois un peu de noir en fait. C'est génial quand même. I can see shit, fuck. Attends, j'ai fait quoi en fait. J'espère que Oslot il m'a pas mis un capteur dans le dos en tout cas. Dans le cul. Waouh. Peut-être derrière la profondeur de champ c'est surfait. Je n'ai pas besoin pour sniper. Le problème c'est qu'il est droitier donc il va falloir qu'il vise avec son œil gauche en fait dans les lunettes. Quand tu vises le boss, il faut avancer l'heure. Comment tu vas tuer le boss? Non, le boss. Mais je peux plus en fait, j'ai un filtre anti-pop rigide, du coup là c'est le maximum que je peux aller là. Alors que moi je peux faire un truc. Et allez, on a rien entendu. Est-ce que je peux le manger? Attendez, attends, je le mets dans mon cul. Oh putain. Oh putain. Mec, les animaux, exactement ça. And the things, c'est exactement ça, c'est les animaux. Nouveau, tu peux taper un croc dans ton micro ou pas? Russian, enlève pas le capteur que Oslot t'a pas mis STP. Ok. Oh merde, il y avait un code, j'ai pas vu. Il y avait un truc à voir. Ouais. Ah, il y a le Soro à voir ici, je crois. Bah, c'est The Soro qui avait un petit panneau en fait, mais je sais pas ce qu'il a dit en fait. Tu peux trouver la fréquence ou quoi dans ton livre? Moi, Fallo qui dit on n'a pas d'animaux à montrer, bah la preuve que si, en fait. Je crois que c'était 144.75. Ah, c'est la même que tout à l'heure? D'accord. Je crois, ouais. J'ai cru, en fait, tu l'as foutu. De toute façon, j'avais trouvé un tableau avec toutes les fréquences. 144.75. Oh, ta chatte. Faut qu'on fasse. Et donc là, je lui dis, Capitaine Oslo, c'est pas la peine de faire du jonglage, on est super impressionnés depuis 3 ans déjà. Tu es gay. Snake, t'as une toute petite caquette. Mais vraiment une toute petite. Je vais te manger le solide. Je peux la mettre dans ma bouche. J'aime sentir ta bouche quand je suis prisonnier à Groznygrad. Avec un arrière moi, hein. Aïe aïe aïe. Je te contacte bientôt. Ouais, bientôt par contre, parce que là c'est chaud. Quelqu'un a fait un clip? Oh, personne n'a fait de clip quand j'ai mis le micro dans mon cul. Oh bah merde. Zut. Les soldats ils sont en train de rentrer. Putain, il s'est passé quoi ici? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est on qui avait... après qui nettoie? On avait tout lavé avant-hier. Ah, c'était bien. Je peux sauvegarder s'il te plaît par un médic? Ah non. Ah. Alors une fourchette. Oh merci Volgin, ce gros PD qui dit Russienne viens donc dans ma pièce, on va jouer à un jeu. Would like to play a game? Oh, t'as une fourchette! Attends, à côté, il y a des trucs à trouver. Bonjour. Non, j'ai pas trop envie. C'est-à-dire que tu pourras manger directement les animaux au sol avec une petite fourchette. Comment on fait déjà pour... Ah oui, je peux faire ça. Alors, oublie pas, il y a des rats. Tu veux un moyen de sortir, du coup, ou pas? Attends. Je crois que tu peux avoir une discussion avec lui en faisant ça, il me semble. Avec Johnny. Il fait quoi, t'en veux pas? Ah, c'est titré, bon. Qu'est-ce qu'il fait comme connerie dans Metal Gear 3, Johnny? Il vient de le bouffer. Il vient de bouffer ma ration, j'ai faim, merde. J'ai encore de la bouffe sur moi ou quoi? Non, j'ai que dalle, ils m'ont tout viré. T'as tout enlevé, ouais. Est-ce que tu penses que je peux... Est-ce que je peux... Oh la vache. Essaye de dormir. Attends, pilule de mort simulée, blessure par balle infligée par The Boss. Ah oui, d'accord, elle m'a filé en fait une balle où il y a la pilule de mort simulée dedans en fait. D'accord. Tu peux faire vomir sinon ça marche aussi.
Ouais, ok. Plusieurs options. Soit tu fais genre tu meurs et il va ouvrir la salle. Ouais, c'est ça, ouais. Je me cache sous le lit, je peux le faire dégueuler. Ouais, comme ouais. Essaye d'aller juste dormir pour voir du coup ce qui se passe que normalement. Ouais, voir le mini-jeu, voir si c'est encore. Attends. C'est quoi faire quoi du coup? Faut juste que je m'endorme sur le lit? Je m'allonge sur le lit? Ouais, c'est comme ça qu'on dort sur le lit. T'as déjà vu quelqu'un dormir, Rossiane? Je dors bien, sa mère! Je suis fatigué! Mais comment on fait du coup? Bah, tu te mets comme ça et tu fermes les yeux. Enfin, l'œil. Comment je ferme les yeux? Bah. Voilà. Avec mes yeux? Ah, et tu vois du coup à droite, on voit que. Évidemment que c'est pas Johnny. Attends, bouge pas, au pire, je vais regarder comment. Comment dormir prison MGS3? Groznygrad. Groznygrad. Bonjour. Bonjour. Ouais, la table. Ouais, super. Essaye de chier dans ta cellule. Tu peux faire ça. Tiens, reprends, j'en veux pas en fait. Tu peux faire caca? Je peux essayer de faire caca, oui. Bah non, il parle pas du tout, comment dire, de la séquence de sommeil, donc je sais pas. Putain de rat. Attends, comment je peux éclater le rat? Du coup, le truc de Johnny, comment dire, faut que tu lui envoies 3 fois sa bouffe. Donc au pire, on va faire ça. Hein. Bah sinon, tu vas vomir. Hein. Non, j'ai non, fait, non, mais... le rat, il a des pop. Il est où, mon rat? Tu l'as immédiatement mangé, mec, regarde ta faim. Ah merde. Il a remonté ta faim. Bon, bah impeccable. Et en fait, faut le faire 3 fois avec Johnny. Ok, essaie de chier dans ta cellule, mais genre devant la porte. Ici, là. Aïe. Johnny. Y'a un truc sur lui. Yes, papa. Un truc sur moi. Vas-y, attrape-le, donne un coup de fourchette. Mais non. Je peux faire mal à Johnny, il est gentil. Faut qu'il y ait un dialogue en plus. C'est au bout de 3 fois, il y a un dialogue. You make me feel. Mais non. Mais non, il va pas vomir comme ça, t'inquiète pas. Ah, l'autre, il connaît pas Metal Gear quoi. Il est vraiment nul ce mec. Il connaît pas Metal Gear quoi. Johnny. Ah, t'es là, ok. Bonjour. Tu peux me donner à bouffer s'il te plaît? Ah ouais. Tu me donnes quoi? Mais j'aime pas. Oh, du poisson. Ah, il va pas manger son poisson. Ah. Pourquoi il te donne de la bouffe tout tes... Merci Nico pour la caisse. Parce qu'en fait t'es censé manger. Snake il mange pas son poisson. Ça va Johnny? On parle? On discute? Ça va? Ah yes, cinématique. On avait pas essayé encore des cinématiques donc... Pour le sommeil, sauvegarde qui t'est charge. Trop tard. Là, pour le coup, c'est genre une demi-seconde trop tard, quoi. Hey, you're not such a bad guy after all. Mais du coup, adorable, ce mec. Apparemment, c'est vraiment pas disponible dans la version HD. Donc... J'imagine que tous les Américains ne sont pas pourris. Moi et mon doublage ultra américain. You know... Il a un vieux J sur sa cagoule en plus. Mais en fait, toute la famille de ce personnage à la con là, t'es vachement importante dans l'histoire parce qu'elle a sauvé le protagoniste. Bah, chaque jeu, en fait. Mais dans le 4, il est encore plus important. Je pense que c'est dans le 4 où il est le plus important en fait. Je pense. Bah, dans le 4, c'est un vrai perso, quoi, finalement. Bah, ouais, c'est ça. Johnny. Akiba. Je suis très, très seul. Johnny, ça change bien. C'est bien. Ouais, c'est super joli. J'adore ce mec. Il est adorable. Tu peux le buter. Regarde-les. Non, je veux pas le tuer. Oh, il a une photo. C'est marqué quoi derrière? Ah bah 144, 75 encore. Putain, il pousse un petit peu pour qu'on le voit. Je sais pas c'est à quel moment qu'il faut le faire du coup. C'était sa femme sur la photo? Non, c'était son fils, non? C'était même pas lui. C'était pas lui et son fils. C'était le clan de Johnny. Tout un clan de Johnny. Alors, en tout cas, si c'était sa femme elle ressemble à Laurent Dutch. Peut-être lui. T'as vu l'Américain et le Russe, ils sont un de chaque côté d'un Iron Curtain, c'est bien fait. Hein. T'as vu un rideau de fer entre les deux. Ça doit être dur, dit-il, le mec qui vient de saigner 7 litres juste avant. C'était ses parents? Ah, peut-être c'était ses parents, là. Je sais pas. Oui, c'est ses parents, c'est pas... Il y en a plusieurs, des Johnny. Vas-y, viens, je t'éclate. Oh, le pauvre Johnny. Hey, don't you get any funny ideas. If you try to escape. Oh non, tu vas pas faire ça, Johnny, quand même. Eh, hey, trigger safety, Johnny, t'as ta doigt sur la détente, on fait pas ça, hein. Ah, c'est parce que tu peux pas être animé assez, là, je comprends. Je devrais te tirer dessus. Attention, hein, j'ai pas envie de faire ça, hein, ça va pas me... Je serais pas content, hein. Oh.
Je vais chercher du poisson, je reviens. Tu veux qu'on essaye quand même de faire le truc du rêve là pour être sûr? Il y a quelqu'un qui a dit que c'était plus dans les versions HD. Ouais, bon, ok. 144-75, ça fait quoi du coup? Est-ce que je peux l'appeler direct maintenant? Parce que je me souviens plus de ce que ça fait en fait. Ils ont pas un plan là, tes potes, pour te sortir d'ici, les connards qui t'écoutent? Non, c'est moi qui fais. Sigin, c'est la merde. Ouais, Et donc? Attends, il y a le Super Bowl à la télé. Qu'est-ce que c'est? Le Super Bowl. Ah, c'est tout? Ah, oh, mais j'ai éclaté! Ça fait quoi? Bah, ça a juste ouvert la porte. Attends, quoi? T'appelles la fréquence et ouais, voilà, ça a juste ouvert la porte. Oh, c'est nul! Mais ça ne marche pas comme ça, les portes! Non, ça marche pas comme ça, la radio, genre de... Bah, après, c'est peut-être une fréquence radio pour ouvrir la porte. Oh, crotte de biquette, moi qui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Johnny! Mais tu. Ah, putain, Johnny, fais pas ça! Putain, la porte s'est ouverte, je voulais pas faire ça. Je crois que c'est Johnny qui a ouvert la porte en fait. Ouais, c'est lui qui est rentré. Je peux même pas lui faire du CQC, putain. Solo! T'es en train de manger. Eh, tu le butes pas? Oui, je mangeais une pomme, j'ai faim. J'arrive pas à le prendre, pourquoi je peux pas le prendre? Je peux que lui foutre des. Je peux que le tabasser en fait. Tabasser la gueule, Johnny. C'est bon. Ah, mais il y a que lui en fait dans toute la pièce. Bon, bah écoute, impeccable. C'est maintenant que tu m'appelles sur mon codec. Eh bah, super. Oh putain, il avait des nouilles instantanées sur lui. Super, il me file que des grenouilles depuis tout à l'heure. Oh, on a capturé le meilleur soldat de l'univers. On a mis une jauge. On a mis Johnny en face. J'espère qu'il a pas buté. Hein. Super, merci beaucoup, Major. J'ai faim. C'est ce que dit Snake. J'ai faim. Monsieur. J'ai la dalle, Major. The manhole. Ah, je sais rentrer dans les manholes. Oui, mais ça, pour l'instant, j'avais en fait. Là, le plan jusque-là, j'avais. Sortir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Y'aurait pas un gueule ou deux? Un appareil photo. Génial. Oh putain, y'a un Kermit! Comment je vais faire? Est-ce que tu penses que je peux lui mettre un coup de fourchette? Attends. Non, allongé. Snake? Snake? Putain, qu'est-ce qu'il est con ce Snake! Snake? Non, pas de côté! Snake! Putain! Snake! Je sais pas? T'as vu les photos? Je peux pas le prendre. C'est quoi les photos là? Je sais pas, mais un visage à droite. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas mon appareil photo qui est là. Là, ok. Comment je fais pour zoomer déjà? Ah oui. Tyrn Hale. The. J'arrive pas à lire. Metal Gear Solid, d'accord, ouais. Carrément, ok, très bien. Ensuite, il y a Metal Gear Solid 3 avec moi dessus. Tu m'étonnes qu'il savait comment me choper. Et Metal Gear Solid. Eh bah, c'est bien foutu. Est-ce que tu penses que je peux prendre une photo de Metal Gear Solid 3 et appeler quelqu'un? Est-ce que t'as encore des balles ou pas? J'ai que dalle, mec. Hein. C'est le principe de toute la scène. Hein. Tu peux donner un coup de fourchette ou pas sur les trucs? Comment je peux... Ah, voilà. Oh. Sauvegarder les données? Bah, écoute. Ouais. Je sais pas ce que c'est en train de foutre. Je sais pas ce qui se passe. Non, c'est juste... Ouais, tu sauvegardes les photos pour les... D'accord, ok. Ah bah, j'ai bien fait, alors. Hein. Yes. Qu'est-ce que tu dis, Spider? Non, normalement, en fait, derrière, il y a une page pour MGS4. Comment on fait déjà pour... Donner un coup de... Je sais pas, essayer de donner... Normalement, faut tirer sur les pages, mais donne un coup de fourchette, je sais pas. Comment on fait déjà pour faire des... Des spins avec le truc, avec le... Le single action, je crois qu'on peut faire ça dans un moment, non? La touche d'action, elle fait quoi? Pour l'instant, elle fait rien. Attends. Non, elle fait que dalle. Mais... Merde, comment on fait déjà? Y'a pas un truc avec les sticks ou je sais pas quoi? Non? Bah, je confonds. Vous souvenez sur le chat ou quoi? c'est pas comme ça! Yes! C'est bon! Je suis un gunslinger! Non, je sais pas comment faire. Mais je sais pas comment on fait. Tant pis, ce sera un autre jour. Alors, faut que je me casse d'ici. Est-ce qu'il y a déjà des trucs à récupérer dans les autres cellules? Non. Alors, tu veux que je regarde? Si tu veux. Bandage. Des bandages? Il y a du soin un petit peu à droite à gauche, j'ai l'impression, d'après le plan. Ah ouais, exact. Il y a encore un magazine de MGS3 sur le... Oh la vache, les chomblards! Attends, ça, celle-là c'est pour les copains, ça. Celle-là c'est pour les copains. On dirait Jessica Nigri. Non, c'est Tamika Laurel Rawson. Putain. Mais non, celle-là. Celle-là, je la prends, celle-là. Oh les babes. Ah, mais... c'est en haute définition. Attends, c'est quoi son nom, Tamika Laurel? Vas-y, j'ai... Titties.
C'est pas en rechargeant. C'est en rechargeant de faire le truc. Appuie sur R3. Ah, attends, je vais réessayer. Merci Mirage, je vais réessayer. Non, je voulais pas reprendre une photo. Putain, il est con ce Snake. Et il fait une vérification de disque dur qui prend 3 ans en plus à chaque fois. Ok. Est-ce que ouais, c'est comme ça du coup? À cette époque, c'était long. Non. 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 Non, c'est pas t'as, ça. T'as mis ton gros flingue contre la photo. Je suis en train d'essayer de faire tout ce que je peux, mais je peux pas. Et qu'est-ce que t'essaies de faire avec le flingue? Mais tu peux le faire tourner en fait, comme il fait Ocelot. Ah. C'est ça que j'essaie de faire. Bah, tu peux essayer, ouais. Oui, okay. Je peux essayer de regarder. Je pense. Donc j'ai récupéré des trucs. Alors, le single action mes couilles là. Ici, il y a les toilettes où, dans lesquelles il y avait Johnny auparavant. Avant. Non, la tête de Johnny est dans les toilettes. Il y a quoi à faire ici? Je sais pas s'il y a un truc à faire ici. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici à un moment. Avec du codec ou un truc comme ça. Putain, la salle, on dirait une salle de FIR. Non, ouais, ou de Manhunt, j'aurais dit aussi. Il y a un petit côté. Non, plus de FIR. En plus, non, je pense Manhunt plus. Non, mais je pense que t'as... Non, ça m'étonnerait. Non, mais je t'arrête. Alors, par contre, question. Comment je suis venu et comment je me casse? Elle avait pas dit par les égouts ou la ventilation? Genre, le mais c'est, ball, c'est pas déjà par ici. Ah non, mais je suis con, il y a un couloir là que j'avais pas vu. Voilà, c'est bon. Imagine Snake qui peut Royal Guard les balles. Royal Guard! À la fin, tu peux avoir le Patriote. Oui. Qui tire des balles n'importe comment. Oui, c'est super fort le Patriote. J'ai jamais vraiment compris. Ouais, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi les balles elles marchaient comme ça. Ok, donc là il va falloir s'infiltrer. De façon. Je peux pas les balles. Ting, 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 je suis Solid Snake. Je regarde le plan si tu veux. Oh putain, il y a plein de personnes. Ah bah oui, là oui. Tu vas trouver des balles de ton Colt un peu partout. Ah yes. Et mais non, ça va être létal. Tu vas aussi trouver un rat. Ouais, là il y a un rat là. Il est en train de niquer. Ah, il me regarde le pauvre bébé. Ta mère. Oui, il est en train de niquer le mur, c'est rien. Ah, je me dis, putain, je pensais qu'il devait rajouter une fonctionnalité de niquage de rat. Comme ça là. Est-ce que ça nique les rats hein? Le Patriote est munitions illimitées. Apparemment, il faut juste tourner le stick droit pour les tricks. Tu penses que je peux faire les tricks allongés? Non, c'est pas comme ça. Comme ça? Comme ça? Comme ça? Hop, comme ça? Non, c'est comme ça. Pourquoi ils ont fait des rations à taille de Snake? Je sais pas. Franchement, ça c'est une question que je me suis posée tout à l'heure. Alors comme ça, on passe Vanille Fraise, le seul soir où j'étais pas là. Ouais, bah bravo, super. Moi, je fais un effort. Je passe. C'est une chanson qu'il y avait au début du stream. Les gens, ils ont même dit, waouh, ouais, la chanson, elle est trop bien. C'est quoi? Et je leur ai dit, c'était Vanille Fraise. Et elle était même pas là, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Est-ce que je peux dire un truc? Tonteux. Est-ce que je peux dire un truc? Elle est nulle. Oh, mein Gott, he said it. Bonjour, petit rat. Mein Kampf. Oh, des millions de ça. Yes. Ah, on refait un jeu 1, 2, 3. 1, 2, 3, Mein Kampf. Oh, vas-y, gars. C'est farant, quoi. Ok. Et du coup, oh, la grenouille. Elle m'a fait peur, la grenouille. Vu que je m'en suis pris plein la gueule et que je me suis soigné, entre guillemets, et ma barre de vie, elle est bien plus longue maintenant. Oh. Oh là là. Elle a dit oh là là. Oh là là, c'est Lilou. Je sais pas pourquoi on chante ça. Je vais sortir mon SA juste au cas où. T'as pas le tweet hier aussi avec le truc où t'as un pistolet sur la tempe, faut que tu chantes une chanson sans faire de faute. Ouais. Et j'ai tellement hésité à mettre Erika au début. Ouais, bah oui, je sais bien. Je sais bien, ça m'étonne que tu l'aies pas. Mais finalement, j'ai vraiment répondu. C'est t'avais mis quoi, un 2-3-3 petit chat ou je sais pas quoi? Non, Anaïs. Anaïs, oui, exact. Après, tu sais pas chanter en allemand quoi? Si. Vas-y. voiture en vigueur pays. Les strudel, kartoffel salade, les bretzel. Bonjour, je m'appelle Sneak. Bonjour. Je vais se calmer la cam en colère. Je sais pas vraiment où je dois aller. Je crois que j'ai fait tout ça vraiment pour rien, la vache. Bah non, tu te barres par le. Par là où je suis arrivé, tu crois? T'es dans un coin. Non, par les égouts. Par les égouts de où? La prochaine map, c'est les égouts, effectivement. Mais j'ai pas vu où ils étaient, les égouts. Les égouts, ils sont à totalement l'opposé d'où tu te trouves. Voilà, c'est bien ce que je me dis, je suis à l'entrée du complexe, là. Tu veux que j'envoie un plan? Non, on va refaire le chemin inverse, c'est pas grave, hein, et ça va prendre une petite demi-heure. Non, reprends pas le tunnel. Ah bon? Tu vas continuer. Mais ouvre la plan, je vais te dire grossièrement où c'est. Ok, grossièrement, mets des insultes quand même. Ouais, voilà, carte. Ok. Attends, je vois pas encore la carte. Attends, zoom arrière, je peux pas zoomer arrière. Je l'ai pas encore. Ok. Je l'ai pas encore. Alors grossièrement, ce quart c'est d'une pute. Faut que t'ailles à gauche. Faut que t'ailles tout à gauche, le maximum à gauche, et après que tu montes quand c'est possible.
D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Je vois le truc. Ok, 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 ok. Go, 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 go. No doubt, no doubt, no doubt. Ok, ok. Je vois, je vois, je vois. Salut, Kizmum. Kizmum. Ça va, Kizmum? T'as vu ce qu'il a dit, Waffalo? La la la, pas respecté avec taxe carbone. Il a loué Kinder. Go, 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 go. No doubt, no doubt, no doubt. Il a entendu, il a entendu mon. Non. C'était qui ça? T'as fait toc toc ou pas contre le truc? Mais j'ai fait toc toc, mais il a pas entendu toc toc. Bah si, si, je pense qu'il a entendu toc toc. Fais gaffe, viens la grosse lumière. Ça va, j'ai vu. La grosse lumière. Toc toc. Il est con ce. Putain, mais il est sourd en plus d'être con, c'est. Dis donc. Ouais, bon, ouais. On peut pas être parfait non plus, hein. Ok, ok. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, Sam. Et toi, tu es tout seul et à moitié à poil. C'est rien, ça. J'adore être à poil. Jokes on you. Je suis un exhibitionniste. Putain, il arrive là? Il vient là? C'est vrai que tu peux prendre foi et te mettre à tousser. C'est vrai, mais ça va pas le faire. Ça va pas se passer. Et non, y'a personne. Putain, c'est toi qui m'avais entendu en plus. Mais pourquoi je peux pas les prendre? Je comprends pas pourquoi j'ai... D'ailleurs, tu savais que quand il y avait le point d'exclamation, tu pouvais tirer dedans et ça les stun? Comment je fais pour... J'ai pas envie de tirer, comment je fais pour pas tirer, mec? Le problème c'est que là, je sais pas... Non mais j'ai pas envie de le buter, sinon je vais me faire repérer. J'ai pas envie de le buter. Bah, vise les couilles, il va te donner des trucs. Ouais, déjà, ouais. Encore un, je sais que t'en as encore un. Je sais que t'en as encore un. Je vais essayer de retirer lentement mon doigt du bouton. J'ai vraiment pas envie de te buter, mec, je suis vraiment désolé, mec. Si ça se passe, je suis vraiment désolé. Par contre, il a des hanches vachement... Non, Rossian, suffisait que tu vises à côté pour retirer ton arme. Merde! Ah bah du coup c'était pas super utile! Il va baisser les mains, fais gaffe! Hein. Bon, toi je vais te buter parce que t'es vraiment un connard! Bouge pas! Tu lui as éclaté les couilles là? Ouais, bah il avait cherché la merde aussi! Hop, hop, hop! Merde, les mecs! Hop, hop! Je me cache! Je suis pas rentré par là, je crois! Il est assez gratifiant à jouer le golf! Hein. Ouais, ça va, ouais! T'as fait une roulette par dessus! C'est n'importe quoi ce que tu fais! T'as pété la porte! Bah oui! Oh putain, y'a l'alarme générale! Alarme générale! Connard, voilà. Oh, y'en a un autre. Bon, ça va être chaud un peu là. Un, mais non, deux, on est trois. Que... Trois petits chats. Trois vilains petits flippants. Eh, on se calme avec les frais. Ils ont pas. Oh de maison. Tu enculé. Oh la vache! Pourquoi tu tiens pas ton arme chez moi? Regarde. Ouais, c'est normal. Et oh là là, la mandale! Il est en mode. Ah là là, ça pique! Oui, c'est ça le mode, oh là là, ça pique? Oui, c'est ça, ça s'appelle comme ça! Oh là là, ça picote! Fonce cowboy, pourquoi je suis lent comme ça? Parce que je suis à poil et que je suis blessé? Je pense pas, non. Oh putain, les boucliers! Piou piou piou! Putain, quand tu tires au SA dans les boucliers, ça enlève le bouclier, du coup. T'as lancé une grenade! C'est chaud comme échappé, mon gars! Mais casse quoi, casse-toi en faisant des roulades! Je sais pas pourquoi le jeu il est aussi ralenti comme ça, c'est super bizarre. C'est le mode débile. Je crois que le jeu il est en mode ultra galère en fait, parce que tout est lent. J'ai pris la drogue ou j'ai pris ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde qu'à l'envers ou qui moi qu'à l'envers? Je sais pas, tiens, si je me barrais par là, tu penses que... Oui, la lumière descend. Elle descend vite en plus. Impeccable, et voilà. Il faut que tu passes par le petit trou et après tu montes par le nord. D'accord. Le nord. Ok, le nord. Jamais au nord. Tu peux le redire le nom de la ville là? Grosse négrade, putain mais... Oh c'est chaud, y'a des boucliers partout mec. Allez cours, cours. C'est pas là le nord. En fait c'est nulle part le nord, c'est de la merde en fait ici. J'aurais pas dû venir, je m'en vais. Non, la pire, non c'est pas par là du tout, Bah j'ai le plan de... Là j'étais au sud en fait, j'étais passé au sud. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Momo, oui, c'est Momo. J'ai faim. Oh, bah tiens, j'ai un truc à bouffer, Momo. On est toujours à un viewers de plus qu'au Robobin. On la tient, les gars. J'ai à bouffer. Salope. On prend un kebab, Momo. Mais attends. Oui. Un bon kebab, sa mère. Oh, what fuck? Ah bah oui, mais non, il y a le problème. Comment je... Comment tu... Ah mais là, il y a une porte, en fait, ici. Hop. On a tous faim, Momo. Ah, il est pas là. De base, le Nord, c'est de la merde. Ça dépend. La mer du Nord, pour Manny Caravac, je te rappelle. Ah, ils sont moches, ces tanks. J'avais oublié. Les tanks russes, tout chelou, là. Ah, ils sont... Oh, putain, des guinches. Non, des petits bébous. Tu les juges un peu trop vite, aussi. Les petits chiens.
Oh, tu peux buter les chiens? Non. Alors ça, par contre, jamais. Et je préfère qu'ils me bouffent les couilles. Je préfère qu'ils me bouffent les couilles que buter les petits chiens. Mais tu, pourtant, tu l'as fait dans Resident Evil. Non, mais c'était des chiens zombies, du coup, ils étaient déjà condamnés en fait. Ils étaient déjà morts quelque part. Ah là, ils sont peut-être zombies là. Non, ils sont communistes. C'est pire. Oh, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Il est quand même sacrément par balle, ce mec. Hop là. Niquez vos mères. Si chou, si chou, Samir. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Ouais, ouais, je me suis gouré. Oh, débile. Putain, ils vont me choper, ils vont me choper, ils vont me choper. Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens. Ils vont me manger, les petits chiens. T'as pas moyen de te planquer un jour ou... Si, un jour. On s'en de la map. Oh putain, Samir. Oh la vache. Oh, c'était chaud, il y avait les chiens juste derrière, mec. Il y en a un, il m'a léché la glotte. Alors, m'a... la prochaine map. Attends, il y a un codec d'une demi-heure avant. Alors, tu vas me trouver une grenouille arboricole, s'il te plaît, Russian. Jamais. C'est comme une grenouille, mais c'est un petit côté arboricole. Ça fait, ouais, d'accord. Un côté africain. C'est comme une souris, non plus. Africain. Let me guess, what the fuck. Je trouve que c'est un bon adjectif, ça, en plus, africain. Oh putain, chomblien. Chomblix. Les babards. On peut voir sur Exhibit 1 que les tchouches sont en effet en présence et en masse. Nous pouvons voir sur le troisième écran les chombles. Ou alors les chomblix de cette demoiselle. Prêts à être cueillis. Ferme. Il y aura plein de trucs à faire avec Eva en plus. Enfin, je veux dire, plein de trucs oh à faire. Oh putain. Les fameuses grenouilles arboricoles des égouts russes. Je sais pas ce qui est le plus bizarre dans cette phrase. IRL, c'est des prototypes de tanks russes conçus pour survivre à une explosion nucléaire. Eh ben, bon courage, les mecs. Hein. Mais bon, survivre dans un tank, c'est pas très agréable. Il faisait bah, dans Fury, ça va, hein. Ça se passe plutôt bien, je trouve. Mais c'est pas une... c'est pas un truc nucléaire. Bah, c'est la guerre, hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est une explosion de radiation. De radiation. C'est vrai que la radiation, c'était vert. Bah ouais. La radiation, c'est vert, et puis ça fait des trucs gamma. Allez vous faire enculer. C'est... Momo est revenu ou j'imagine ça va dans ma tête? Non, non, il est là. D'accord. Depuis un moment. Non, mais Momo n'existe pas, Ocean. Ah merde. Menu maximum. C'est une interprétation de ton cerveau malade. Comment ça, le menu maximum? C'est quoi? Attends. Déjà, faut peut-être que je me soigne parce que là, c'est chaud. Il s'appelle pas Momo, il s'appelle Snazer. Exact. Non, il s'appelle Alexis. Oh, il a lâché le mot en A. My god. Le A-word. Le A-word. On a un A-pass ou quoi, Momo? Ouais, ouais. Ok, je croyais qu'il était vraiment pas là en fait. J'ai mangé un. Bah non. Mais pourquoi je peux pas ramasser ça? Menu maximum, ça veut dire quoi? Menu maximum, c'est t'as plus de place pour avoir de la bouffe. Bah non, j'ai que 4. J'ai que 4. Ouais, ah, c'est parce que j'ai pas de sac à dos. Bah, j'avais pas de sac à dos de toute façon. Sac à dos. C'est vrai que c'est marrant. Hein. Est-ce que tu peux changer de costume ou alors t'es obligé de t'en coller encore là? Mais c'est là où va y avoir le chien. Les petits chiens. Si, y'a des chiens. Je vois rien, y'a oh, quoi? Oh, ils ont fait un jeu de mots dans le livre! Ils ont fait un chien d'égout, ils ont rajouté entre parenthèses temps. Ha. Ça fait dégoûtant. C'est super marrant, c'est pas eux qui sont dans un putain de d'égout à se faire chier là! Après, c'est... le guide il a dû sortir en 2004 aussi, c'était une autre époque. Putain, y'a des petits poissons! Oh, des grenouilles arboricoles! Tiens! Oh, le coup de latte! Oh, tu l'as eu, oui, j'ai mis un gros coup de latte! Attends, je vais manger un truc. Je vais manger une ration russe qui est pas bonne. Voilà. Qu'est-ce que vous commandez? Oui. Menu maximum, c'est ce que je commande à chaque resto. Je vais vous prendre tout votre bacon. Oui, bien sûr. Non, vous m'avez pas compris. je reviens avec une brouette. Voilà, regarde les mains de la grenouille arboricole. La texture, elle est éclatée, mec. Ah, mon téléphone vient de se péter la gueule et de se suicider, je pense. Ça m'a fait extrêmement peur. Mon boulot, c'est de modéliser des trucs et on me demande de faire une grenouille verte. Regarde les textures sur les yeux, mec. J'y pense des fois, ça. Genre, notamment sur tout ce qui va être jeu dans l'espace, tu sais. Ouais. Où t'as plein de modèles de trucs qui... Enfin, ne servent clairement à rien et n'existent pas, tu vois, dans la vraie vie. Ouais. Et t'as un mec qui vient de voir qui dit, faut que tu modélises ça. Alors écoute-moi bien, on est en train de faire un jeu sur le Far West. Alors il y a des mecs, il y a beaucoup de trucs à modéliser, il y a beaucoup de température et tout. Il va falloir que tu modélises des belles couilles de cheval. Hein. T'es chaud ou t'es pas chaud? Écoute. Je suis payé combien ce mois-ci? Le truc d'habitude. Bah allez, let's go. Bah écoute. Vous avez de la chance en plus, j'aime bien les chevaux. T'as vu la réflexion dans le.
Dans l'eau, là, ça. C'est vachement impressionnant. Et j'aime bien les effets, en fait, tous les effets d'eau. Oh putain, mais oui, il y a un chien, en fait. Ouh. Tu fais super bien le petit chien. Petit chien, ouais. Petit chien, petit chien, petit chien. On fait chien, chien. Oh, petit chien. C'est un également. Après, t'as fait un bruit. Oh, attends, faut pas. Attends, je vais nager, il va être dans la merde. Parce qu'un chien, ça n'aime pas l'eau. C'est hydrobloquant, c'est hydrophobe. Alors que Snake, lui, il est. Il est où le petit chien? Il est aveugle d'un œil. Bonjour, petit chien. Oh, tu peux aller dans l'eau? Est-ce que je prends une petite photo du petit chien? Oh, bébé. C'est pas un bébé du tout. Mais c'est un chien de Satan. C'est un putain de chien de l'enfer. Regarde-le. Mon gars, c'est pas du tout un petit chien. Son... Ah ouais, regarde le regard, il est mort à l'intérieur. Ce chien, il est vraiment né pour tuer, quoi. Attends, je vais faire une photo. Je vais manger des grands-mères. Je vais quand même choper cette photo. Voilà, nouvelle partie de photo. Il y a Jay qui fait trop mignon. Avec l'émote Jean-Marie Le Pen. C'est pas Jean-Marie Le Pen. Mais si, c'est Jean-Marie Le Pen, regarde. Mais je le connais. Là, moi, je vois ça, je l'entends gueuler. Petit rouquin. Je vais te faire courir, moi. Pélé. Bon, menu maximum toujours. Menu maximum. Il y a quelque chose à ramasser dans l'eau. Il y a un autre truc à ramasser, non? Non, tu viens de le faire. Ah, si, il y a un truc que j'ai pas chopé là. Est-ce que ça va être des balles de SA, ça? Bah, je suis au maximum. Si, il y a du Steve Steast. Ok. Tu peux manger le chien? Je tuerai jamais ce chien de ma vie. Non, mais à part ça. Oui, mais le problème, c'est que pour le manger, il faut le tuer, en fait, par définition. Oh, t'es pas obligé. Le chien, il sort une épuisette. Ça, c'est les chiens tactiques russes, ça. Il court les petits feux. Le petit chien. Là, le chien, il se dit, ça va, il est teubé, il veut pas me buter. C'est bon, il est con. C'est bon, il est trop fragile. Brum, grosse couille, moi, je tue le chien. Par contre, je peux peut-être leur faire des roulades dedans pour les calmer. Enfin, pour les calmer. Sinon, tu peux tirer dessus. Non. Oh, bah, démerde, toi. Oui. Je préfère. Je crois qu'il va venir. Oh, il est là. Cours, Snaku. Il me court après, ce merde. Cours, Snake. Hop là, c'est bon. Va au bout du bout. Du coup, maintenant, c'est The Sorrow. Normalement, ouais. Non, pas encore. Un cavalier. Tu surgis hors de la rivière. Il te met devant tous les gens que t'as tués au cours de ta partie. Y'a plein d'animaux. Son nom, il le signe. Et c'est bien gentil de sa part. Il y a des chèvres. Et il y a même un écureuil volant. Mais on avait déjà essayé de niquer les chèvres, mais on peut pas, ça fait des chèvres entières et j'ai pas la place dans mon sac à dos. Mais t'as pas de sac à dos. Sac à dos. Oh putain. Ça en fait une fontaine, ça. Vos chiens sont très mignons. Butez-le. Butez-le, il est con. Oh, petit chien. Pourquoi ils se sont arrêtés? Son nom, il le signe d'un panneau dans les cutscenes. Oh, c'est bon, ça, Mirage. Ça, c'est très bon, ça. T'es un très bon Rimailleur. Je m'aime Béline Rimailleur. Ouais, enfin, ça fait 4 fois que t'as l'occasion de me buter, tu le fais jamais, alors faut te remettre en question, hein, Slot, hein. Oh pitié. Il est marrant ton petit bandana. Oh non, il va encore jongler. Non, pas cette fois-ci. Tu crois qu'il y a un des militaires qui est en train de parler à son pote? Il est marrant son petit bandana là, non? Ouais, c'est ce que je me disais. Oh putain, j'espère qu'il va pas jongler encore. T'as les trois russes derrière. Putain, il est beau en vrai, hein. T'as vu ses épaules, mec? Peu importe comment je bosse. Alors fâche les deltes. Ok. Snake! Fuck! Ce flingue de merde! Oh là, la tête la première avec une chute de 600 mètres. Il y a beaucoup de bloom, on voit rien. Oh, il est mort. C'est Léon? Bah, oui. Quoi? Quand je fais la blague, les gens ils la comprennent pas. Mais ils sont cons. J'ai une question con, mais le collier c'est une balle du Makarov du début, non? Ça fonctionne avec un SA. C'est magique, ta gueule. Ah, t'as vu, il avait même pas mis la balle au bon endroit. Non, il est con. Gros cuck. Oh, la gratuité.
Gros cuck au slot. On lui cherche à manger, moi j'ai la dalle. D'accord, donc tout le monde me lâche, très bien. Moi je suis là, moi. Ah, Spider. C'est le seul vrai. Alors, Spider. Apparemment, moi aussi, je suis là, je suis en train de manger, mais je suis là. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut que tu fasses passer le temps de 2 semaines. Ouais. Va manger. Ah oui, attends, j'ai pas le temps de fumer la clope maintenant. Ce sera plus tard. Pas le temps de... Il va y avoir une petite cinématique derrière une cascade. Ça fait très Death Stranding. Ah bon? Non. Je sais pas si t'as vu, il y avait un mec sur Twitter qui avait fait une animation en réalité augmentée des BT de Death Stranding et c'était vraiment super stylé. Pas vu, non. Ça veut dire que Ocelot cherche pas ses flingues en avance. Non, non, il a 70 000 colliers en fait sur lui et il faut qu'il mette son collier et qu'il l'enlève à chaque fois en fait. C'est chiant, mais au moins il est sûr de pas paumer ses balles. Hein. On keep up sur non, mais on s'en bat les couilles, par contre on demande pas. Et en plus, on va pas aller manger au Mistral quand il y a le sunset, mec. Qu'est-ce qu'on va aller manger au Mistral? Le sunset, ça a toujours le été. Le sunset, mon gars. Putain, c'est Jésus-Christ, il marche sur l'eau. Le sunset, c'est un des points de ralliement de la mini forge. Ouais, ouais, avec la forge. Ouais. Enfin, le sunset, c'est la bouffe, et la forge, c'est le bar et les saucissons. C'est ça. Sad. Sad man. A harvester of sorrows. J'aime bien Metallica. Ouais, il a des lunettes alors que c'est un fantôme, il est trop con. Même dans l'après-mort, il est astigmate. Diglous. Diglouche quand je te bats, tu louches. Oh la vache, le crâne, c'est pour ça que tu vois dans le futur. Ça se voit que t'es triste, ouais, ça se voit. Déjà quand un mec porte un pull comme ça, c'est qu'il est vraiment très triste. J'adore son costard. Je trouve que il est vraiment super stylé. Non mais ça fait chier d'être mort. Non mais il a un beau pull. Et du coup lui je peux pas le niquer afin d'avoir un truc spécial pour lui, je pense. Alors tu veux que je le dise? Parce que les autres, ouais, je pouvais les endormir, mais enfin saper leur stamina, mais lui j'ai l'impression que je peux pas. Il est opérateur de ouf, sur... en vrai, ouais. En vrai, mec, de ouf. Oh, il pleure du sang comme lui, chiffre. Oh putain, il a cassé les lunettes. J'espère vraiment que Snake nous entend pas dans son codex, c'est insupportable. Oh, putain, il a cassé les lunettes, Audi. Ok. Est-ce que du coup, je peux faire ça? Attends. Est-ce que je peux niquer un peu le système? Faut simplement que t'ailles jusqu'au bout. Parce que ce combat, tu peux, skip. Tu peux le skip en te noyant, mais si tu vas jusqu'au bout, t'auras son uniforme. D'accord. Est-ce que c'est tous les poissons que j'ai butés? Non. Mec, il y a tous les poissons non. que j'ai tués, je crois. T'as c'est tous les Arowana contre The Pain. T'en as buté des milliards. Là, il y a une petite grenouille. Je sais pas si... Ça, c'est les flashs. En fait, depuis le début, j'ai tout prévu aussi. Hein, Oh mec! C'est pour ça que j'ai fait buter une chèvre! Alors attention, s'il y a des gens qui aiment pas trop les flashs et les jumpscares, ça va être maintenant! C'est dommage que les petits poissons ils font pas peur quand ils me chopent! Donc ça va. Tous les... J'aime bien ceux qui courent, c'est rigolo! Et j'ai pas trop buté de gens encore, ça va! Hein. Ça va! T'imagines, tu sais comment jouer à Metal Gear 3? Hein. Oui, ouais, voilà! Donc, toi, alors, t'imagines ce passage, comment c'était? Ça devait être vraiment le Black Friday quoi! Bah c'était la compagnie créole! Mais en fait, du coup, c'est Flash c'est même... de vegan! C'est pas un vrai boss au final, c'est vachement optionnel. Non, ouais, c'est pas un vrai boss. Non, c'est... Tu peux le zapper, tu te noies, c'est fini. Mais c'est pas moi qui l'ai buté, le mec avec les frelons? Pourquoi c'est moi qui ai les frelons? Bah, j'ai pas les frelons? Bah, c'est. Tu l'as buté, lui. Mais j'ai pas buté. Non, mais c'est pas The Pain! Mais même The Pain, je l'ai pas buté non plus! C'est un mec qui est mort à cause des frelons! Il a explosé. Non, non, ça. Tu crois qu'on va. On a quand même les boss en fait? On se tape quand même les boss qu'on a buté? Bah, je crois, ouais, vu qu'ils sont morts entre guillemets par ta faute. Mais c'est eux qui se sont suicidés, hein, c'est pas moi qui les a fait mourir, hein. Enfin, du coup, ouais, si, mais va ta gueule. Ils sont morts à cause de toi. Sorud, tu es ultra surpris, putain, il a buté combien de poissons, Sky, ce con? La vache, dis donc. Là, il te sort. Mais Snake, t'aimes pas le poisson? Pourtant, c'est super bon le poisson. T'as déjà mangé les surimi? Tu sais qu'il y a du paprika dans les surimi? En plus, on peut se le mettre dans le nez, c'est rigolo. Oh, regarde, j'ai une souris dans le nez. Oh, le paprika! Oh, les gros autistes! Non, je crois que les poissons, c'est juste la décoration de base. Oh, Robin nous est repassé devant! Putain, oh putain, si, à The Fear! Oh, il est horrible! Il est horrible! Oh putain, il va faire des petites. La course! Ah, arrête! Ça fait mais peur. C'est un peu stressant comme passage. Je supporte pas, y'a The Fear en plus, ça fait peur, y'a The Fear. La vache. Et si te touche, ça fait quoi? Je sais pas, ça a fait un truc vert. Je crois qu'il t'a pris un peu de vie en fait. Ah, peut-être ça, ouais.
J'ai fait Metal Gear 3 en jouant comme un Call of. Bah moi aussi j'ai fait pareil. La vache, le nombre de poissons. Eh, tout cela c'est pas moi les gars. Je vous promets, c'est pas moi. Sigint, si tu m'entends. Paramédic, si tu m'entends, c'est pas moi. Et du coup, je me demande la gueule du costume que tu vas avoir. Ça se trouve, c'est un col roulé comme il a. Ça va être un costume tout noir, non ? L'hymen d'Eva, tu vas le voir dans l'eau ? Oh la vache ! Oh la vache ! Tu crois qu'on va voir Léon Trotsky vu qu'on se bat contre le communisme depuis tout à l'heure ? Tu vas voir de la liberté dans l'eau. Oh, du pétrole. Ah si, les casques, ce sont ceux qui volaient là. Avec leur, putain, oui. Avec leur plateforme de merde. C'est les gars des plateformes que j'ai balancé dans le vide pendant le... Tu les as tués. Sur la corniche aussi, j'avais balancé des mecs dans le vide et tout. Ça, c'était pas moi, ça. Et du coup, j'adore l'attaque. Oh, y'a The End avec son... Oh non. Y'a The End avec son petit oiseau. Waouh. Waouh, qui a fait ça? Ah, c'était Momo, ça, je le reconnais. C'est un perroquet russien, c'est pas un oiseau. Bah, ouais, c'est vrai que le perroquet, c'est une arachnide, quoi. Ah, y'a des crânes, mais c'est, mais c'est une vache russienne. Non, mais du coup, attends. Ah oui, les pilotes des hélicos aussi. Et eux, je pense que du coup, ça fait pas longtemps, c'est les mecs que j'ai buté tout à l'heure, ça. Et bientôt, t'auras l'hélicoptère qui va passer. Ah, quoi que. Tu m'as tué, tout. C'est comme ça que tu fais l'hélicoptère. Ouais, bah, quand il est mort, ouais. Oh, tu le fais bien. Tu imagines, tu vois vraiment genre un mec avec un drap sur la tête qui passe, en fait c'est Johnny. Ouh. Hey Snake, je suis un fantôme, t'as vu moi aussi. Mais t'es pas mort. Non, mais je suis là, je suis même pas mort en fait. Je me baladais dans la mangrove. Si tu tires sur ce sauvage, c'est parce que... J'ai pas de flingue, je crois. Ah si, j'ai des flingues. Vas-y, mets-le. Je veux pas tirer sur ce sauvage. Oh putain, The Fury. Bon, du coup, après ça, j'ai pas dû buter beaucoup de monde. Je crois que j'ai buté deux mecs. Attends, je vais aller voir. Du coup, il fait quoi l'uniforme là? C'est quoi son nom? Attends, on va le voir après, je pense. On va le voir après. Là, je dois être auprès de la fin là. J'étais mort, mais je vais mieux. J'ai envie de te spoiler un petit peu. J'en ai fait d'exprès de dire que j'étais mort. Il est vraiment super, super stylé. Le combat? Wake up! Putain, les gars, Eva, c'est le nom de ma meuf. On est désolé, Kizium. Il y a son hymen dans l'eau. Ah, bah il s'est passé quoi? Je suis mort? Pourquoi je suis mort? Il te tue à la fin, quoi qu'il arrive. Ah, c'est d'accord. Et je fais continuer quand même? Mais comment tu peux revenir de la mort, Ocean? Oh, avec une pilule. Avec la pilule de la survivace. Alors, en vrai, je me souvenais pas du tout, par contre. Bah, heureusement que je suis là. Hein. Ta gueule. C'est pas grâce à toi qu'on va dépasser en bobine. Super! Bravo! Ah, la mentalité, quoi! Pourquoi t'as dit ça avec une voix de pédé en plus? J'ai pas dit ça avec une voix de... Si, bah si, peut-être. Totalement. Si je l'ai fait avec la mienne, c'est que c'est une voix de pédé. Ouais. Ta voix, elle avalait des chibres, quoi. Vous portez les chaussures de quelqu'un qui pète les rondelles! Ah, je vais la ressortir de mon boulot. C'est dans... Non. C'est dans South Park. Vous avez pas d'entraînement, tu sais? Genre de workplace harassment ou un truc comme ça? Non. Attends, du coup, par contre, par contre, t'en fais pas, tu l'auras pas avant que Eva te rende ton équipement. D'accord, ok. Vous avez pas du team building, Jo? Si. Team building. Pot de départ, pot de départ. Pot d'arrivée. Pa pa la pa pa. Bon, c'est quoi son putain d'uniforme là-haut? Mais attends! Il veut pas, quoi! Quelqu'un peut clipper ça! Je vous en supplie! Je veux se souvenir d'Adwim en permanence dans ma tête! Il veut pas attendre! J'ai même pas compris comment t'as fait, mec! Il respirait en même temps! Il veut pas attendre! Si je veux réécouter, allez-y! Il veut pas attendre! Ah non, mais c'est génial l'uniforme du connard! Chut, chut. Oh, je vois le futur. Oh, The Zoro. Au revoir, The Zoro. J'ai trop kiffé. Il t'a fait un pouce. Oh, tu vois, quand je vais te dire ça, tu verras, c'est génial. La particularité de l'uniforme, c'est que... Arrête. Il est bleu. Oh merde. Non, mais tu veux que je te dise du coup ou pas? Non, on va voir après le passage à Keva, t'inquiète pas. J'ai pas envie. Faisant une émote, comment on peut faire une émote? Y'a personne qui écrit, les gars, on va louper ça.
Si, si, il y a eu un cinquième clip. Donc normalement, c'est bon. Attends, je vais l'écouter. What kind of man was he? Fucking faggot! Non, y'a personne qui a. Je. Ouais. C'était vraiment un médium en fait pour la Deuxième Guerre mondiale. Je vais chercher de la grenadine. Vas-y, patron brum brum. Grosse couille brum brum. Non, mais je vais le faire moi-même le clip, hein, ça continue. Ah ouais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il parlait aux fantômes pour savoir ce qui se passait sur le champ de bataille. Ouais, fantôme, fantôme, dis-moi ce qui se passe. Bah, y'a des mecs qui nous attaquent avec une MG42, connard. Je pensais que c'était évident. Major, y'a un black qui me parle sur le codex, c'est qui? Bah, c'est Sigint. Ah, mais c'est lui, d'accord. Oh là là. L'image d'archive de The Sorrow est terrifiante, par contre. On peut la revoir ou quoi? Ah oui, celle-là, là. Ouais, elle met pas bien. Hein. T'inquiète, j'ai pas vu. Bon bah j'ai loupé le clip, hein. C'est fini. Non mais on la retrouvera, t'inquiète pas, on la retrouvera. C'est Fiole Destu ça, mec. Ah non, il l'a fait, Arsène. Ah bah voilà, je t'avais dit. Merci, Arsène. Bah bon, you. C'est juste que ça met un bon moment à être fait, en fait, c'est chiant, c'est long. Attends, j'ai mal entendu. C'est pas moi qui a parlé, en fait. C'est la meuf que tu gardes dans ton grenier. Salut Heavy Mercury, ça va, mec? J'ai pas envie! J'ai pas envie! Ok, ah, bonjour Eva. Attends, je remets les chamboulards. Oh, les chamboulards. Vous avez obtenu un trophée des flots de souffrance. Merci beaucoup, PSN. Merci de te parler. J'adore souffrir. Je peux pas aller au-dessus. Avant, je pouvais aller super aigu, mais j'arrive plus. Ah, j'ai failli vomir. Ça va, Ocean? Non. T'as avalé une nouille de travers? Ouais. Ah, j'ai un collègue qui a failli mourir parce qu'il a avalé une nouille de travers. Ah, mais tiens, il y a quelqu'un qui a lâché une caisse. Merci beaucoup, Arsène. Mais c'est ce qu'il a fait pour faire passer la nouille. Ouais, je comprends. Sex femelle. Waterfall, hein? Shit. Tous ces octaves, c'est beau, là, mais bien sûr. Ah, j'ai dit en même temps. Chips. DVD. Il y en a encore qui dit chips. De temps en temps, ça arrive. Et parce qu'elle met Sindel. Ok, allez, c'est parti, je peux enfin jouer. Du coup, le costume. Non, non, c'est après Eva, c'est après Eva. Oh. Oh putain, ah oui, il va y avoir les mecs du groupe, je crois. Attends, Eva, là, du coup, elle est KO. Et du coup, mais pourquoi on m'a dit tout à l'heure de pas retirer l'émetteur, en fait, parce que je vais me faire choper, surtout, en fait. Bah si, faut le retirer, l'émetteur. Bah le mec il a dit il fait une blague ou quoi? Bah non, pour moi il faut le retirer. Bah sinon ils vont juste me choper, ils vont m'enculer, on va être sur tout ça qui va se passer. Et aussi là du coup ils sont en prudence et ils vont rester en prudence jusqu'à ce que j'éclate l'émetteur, en fait. Je crois qu'en fait peu importe où je suis. Oh putain, y'a une grenouille. Une grenouille carotane. Ok, j'ai pas réussi. Le retire pas, y'a une cutscene bonus. Ah d'accord. Ah ouais, donc tu te fais enculer. Bah ouais, je vais me faire éclater, en fait. Oh putain, la filtration. Après, maintenant, remarque, je m'en fous, je peux les buter parce que j'ai déjà passé le passage avec The Sorrow, mais bon. Oh putain, il y en a juste là. C'est quand qu'il sort le prochain Doom, déjà? Le 20 mars. Putain, c'est bientôt. Oui. Putain, mais il me regarde, cet enculé. Tu veux pas prendre une grenouille? Tiens, prends des nouilles. Nouilles. Hop! Voilà, il s'occupe des nouilles, C'est des nouilles avariées? Même pas, c'est des nouilles normales. Oh, des nouilles! Ouais, c'est ça! Ça lui a suffi, mec! Bah, franchement, je trouve des nouilles dans la rue, je les mange. Hein. Voilà. Quoi que ce soit dans la rue, je les mange. Des gens, même, ça m'arrive, hein. Il a pas été repoussé, Doom. Jamais. Les OST qu'on trouve sur internet, Russian, c'est des vrais ou pas? C'est les OST qui ont été rippés des démos, etc. Parce que j'en ai trouvé. Oh là. Il y a la part qui a bougé. Oh, et merde. T'as eu un tremblement de terre chez toi, Momo, ou pas? Absolument pas. Ah. Hop. Bah, si d'un coup mon micro se coupe, c'est que l'immeuble s'est cassé les gueules. D'accord. Il y a un tremblement de terre chez toi? Non, mais ça a bougé chez moi. Putain, c'est pas là? Si, c'est là? Non, c'est pas là? C'est là-dedans que tu trouves le poisson super rare. Mais je sais plus ce qu'il faut faire. Non, c'est pas là, je crois.
Putain, merde. Ah si, c'est par là. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ben voilà. Facile. C'est pas compliqué. Attends, Abim va mourir en direct, préparer les clips. Mais moi j'ai rien entendu bouger, on aurait dû sentir s'il y avait un petit tremblement de terre chez toi, non? Ça dépend où elle est puissante. Tu l'avais senti toi la dernière fois, Homo? J'étais chez Russiade, donc non. Parce que moi j'ai cru qu'il y a un camion qui était rentré dans l'un de mes murs, et j'ai mis 2 secondes avant de me dire, attends mais il n'y a pas de route à mon étage. Quand j'étais petit, une fois on était en B2I, tu vois, au collège. Truc informatique. B2I. Ouais, B2I, mec. Oh là là, le flashback. Et on était sur... Tu regardais du porno avec l'ordi? Non, je regardais des artistes sur les loups. Et on était donc en train de bosser. Et il y a tout qui tremble, tu vois, mais vraiment fort, c'était un gros, tu vois. Enfin, c'était pas grave, hein, mais c'était quand même un bon, tu vois. Et tout le monde s'est regardé. En fait, personne n'a trop compris ce qui s'était passé, en fait. Genre, on s'est tous regardés, et puis... On en a pas parlé après. J'ai juste découvert le soir qu'il y avait un tremblement de terre, mais en fait, je pense que tout le monde pensait qu'on avait eu une hallucination collective. Mais moi aussi, quand c'est arrivé ici, c'est tellement furtif, t'as pas l'habitude de le sentir. Bah et ouais. C'est quand je suis au boulot qu'on m'a dit qu'il y avait un tremblement de terre. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je me suis dit, attends, j'ai pris un câble. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est chelou. Et c'est violent, parce que j'ai eu l'impression que les meubles, en fait, ils se balançaient, ils s'étaient balancés. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai dit, et je me suis assis, j'ai fait, wow. What the fuck. Allez, je sauvegarde. Et ben moi, il s'est rien passé. Yes. Comme toujours, Spider pour remonter, pour la joie de vivre. En même temps, un valette, c'est ni une plaque tectonique, ni une plaque tournante, c'est une plaque de rien du tout, mec. Ah si, si, c'est une plaque de mecs qui savent pas conduire. Oh. C'est le 44, ça. C'est le 44, Tu sais que c'est la semaine dernière, je vais me faire écraser. Vous êtes au bordel pour manger les tremblements de terre. On est à Hawaï en fait. On est juste à côté de Honolulu. Tu vois Tila qui est sorti. Ouais. Cuba. Tu vois Cuba, pareil. Cuba. Oh le serpent. On a fait. T'as l'air bon un serpent comme putain, ça. Putain, la poêle dit. Et du coup, je crois que la cutscene bonus en fait, c'est elle qui nous enlève notre notre capteur. À poil. Putain. À poil. Ah non, je vois le serpent. Cache-toi le serpent. À poil. Putain. Snake. Hey now. You're not. J'aime pas les serpents. Errant. Ça te dit des mémoires. En formation, on nous donnait toujours le meilleur de la cuisine française et italienne. Oh, super la formation d'espionne, quoi. Miam miam, Chomblix. Pète-lui la gueule comme. Non, mais attends, ils sont dans une grotte, ils vont s'enfumer, ils vont mourir. Non, y a une grande sortie en fait derrière, c'est un passage secret. Non, c'est Snake la grosse sortie. Non, c'est Eva. Non, c'est Eva, clairement. Eva, c'est la grosse entrée. C'est le tunnel sous la manche, mon gars, Eva. Pour 10 balles, tu rentres dedans. Ah, le nom d'anglais qui la passe. Le rond-tunnel. Tu peux faire un aller-retour. C'est pour ça. Oh la vache, la physique sur les chamblères. Mec, regarde. Il adore faire ça, Kojima. Ah, c'est ouf. Ah, c'est n'importe quoi. ils sont éclatés, mec. C'est éclaté. Il y a des ressorts dans ces chamblères. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eva en fait, c'est pour évacuation tellement. Oh. Elle va se faire évacuer. Oh, c'est bien. Ah, je la note celle-là. Et t'as vu, elle s'appelle pas Eva, elle s'appelle EVA en fait, vu que c'est en majuscule. EVA. Donc on peut l'appeler. C'est l'acronyme de quoi? EVA. Évacuation vaginale et anale. Non, c'est l'acronyme énorme flop. Énorme vulve. Énorme vulve atomique. Énorme vagin arrondi. C'est bien ça. Non, énorme vagin bidex. Je la sortirai à ma meuf du coup. Ouais, t'es sûr, mec? Extreme vagina anchoring. Snake. Elle va nous agripper. Eva, t'es Élargis-moi le Eva. Il y en a tous les 100 mètres, hein. Mais ils vont se faire des bisous, je sais plus. Non, ils vont copier. Ouais, attends, il y a le thème de Snake Eater du coup. Derrière. Ouais, bah, ils vont manger de la Snake. I gave my life. Oh putain. C'est un bel homme quand même, Snake. En vrai, je trouve que c'est super bien tourné. On dirait vraiment un putain de film d'espionnage, quoi. J'aime bien, moi. Tiens, allez, casse-toi. Touche la bite, là. Fat. If she breathes, she's a thought. Et là, ils écoutent la radio de l'autre côté. C'est... Oh, le con, il a pas coupé la radio. Hein. Il est en train de ken. Attends, Sigint, y'a un problème avec la radio, j'entends des vieux bruits mouillés, c'est quoi? Snake, t'es dans l'eau? Snake, fais gaffe, je crois que t'es dans un marais. Snake, Eva est tout proche de toi. Là, là, là!
Eva. Oula. Et je crois que c'est ça du coup la scène la cutscene bonus. No way, fag. What? Il y a des bruits de. Mec, il y avait des bruits de catch. Il y avait des bruits de catch. Il y avait un bruit de comme de la lutte. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était trop furtif. Qu'est-ce qu'ils sont en train de. Elle est en train de lui faire un full Nelson. C'est quoi le délire? Mais pourquoi elle fait un full Nelson à Snake? Ça n'a aucun sens, mec. Oh, l'Irish Whip, il y avait un Irish Whip. Oh putain, oh putain. Descends, t'as du coude. Ah, elle vient de lui écraser les couilles, mais. Mais arrête! C'est quand même une sacrée grosse analogie d'un coït. Hein. Mais surtout que mon émetteur était dans le dos, alors pourquoi tu m'as écrasé les couilles? Pourquoi tu m'as écrasé le bras? Ah, on a perdu Spider. Ah bon? Oh. Bah écoute, ça fait une bonne nouvelle. Et on est repassé devant Rebobine. Tu préfères l'américaine? En fait, il était tombé par terre déjà. J'avais pas du tout d'émetteur en fait. On dirait un gros bédo en fait quand il tient dans la main comme ça. Ok, Big Lebowski, ça entre. Oh putain. Hein. Ah là, je suis vénère là. Je suis désabusé. Faut que t'entres. Va dans ton codec et tu tapes. Qu'est-ce que tu tapes? Reprenons, j'ai pas eu le temps. Ça. Oh la vache! Comment t'as fait un doublet? Comment t'as réussi à faire une petite doublette comme ça? Mais tu t'es rempli le cul ou quoi? J'ai une maîtrise de mon trou de balle. Tu vois, j'arrive à roter sur commande en aspirant de l'air. Est-ce que tu fais pareil avec ton cul du coup? Ah, oh, j'aimerais bien savoir faire ça. Par exemple? Oh, vas-y, on fait. C'est génial. Bah oui. Moi, par contre, j'ai un truc génial dans le cul. Je peux faire ça. J'ai un truc génial dans le cul. Moi, j'ai un truc extra. Un piège est à bout. Il a un gros compresseur sous la main. Qui fait crack boom U. Non, c'est bim bam boom. Tu sais qu'il y a déjà des gens qui sont morts en se mettant un coup de soufflette. Oui, ça te fait péter les intestins. Mais dans le cul, mais moi j'avais entendu dans l'urètre aussi, il y avait des mecs qui avaient essayé. Pour le faire rentrer dans l'urètre. Dans l'urètre, faut être débile. Bah, ça s'écarte bien l'urètre. Mais... Enfin, dans le cul, faut être quoi, Momo? Non, mais. faut être un explorateur. Non, mais moi, l'histoire que j'ai entendue, c'est que c'est un mec, pour déconner, qui avait mis un coup de soufflette dans le cul d'un de ses potes. Du coup, tout de suite, c'est beaucoup moins con, c'est beaucoup plus drôle. Et après, on est prêt de piler. Je crois qu'on a explosé Michel, mec. Et après, c'est nous les PD, franchement. Franchement, mais nous, on a jamais essayé de se mettre des trucs dans le cul. Hein. Enfin... pas de soufflette, en tout cas. Déjà parce qu'on en a pas. Et puis, on s'est mis des parties non érotiques, dans les fesses. On avait essayé de rentrer le générateur avant... Le genou, c'est une zone érogène ou quoi? Le quoi? Le genou, c'est une zone érogène ou quoi? Non, c'est pas érogène. Mais l'arrière du genou, je crois, chez certaines meufs, non? Ah... Mmh. L'arrière. Mais l'arrière. C'est pas l'arrière qui est rentré. Ça fait mal. Dès demain, vous allez demander à vos darons. Dis-moi, maman, à propos de tes zones érogènes, t'es désavoué. Déshérité, désavoué. Je t'aime pas, fils. Je t'aime pas, fils. Je t'ai jamais aimé. C'était bien la cinématique en tout cas. J'ai rien compris. Limite, il y a une poire à l'avant. Attends, l'arrière du genou chez certains mecs. Attends, je vais toucher pour voir. Ah, mais c'est nul. Apparemment, le dos du genou. Oh putain, j'ai bande. Oh guidon. Oh putain, je bande. Je bandouille. Je bandouille. L'arrière du genou, ouais. Apparemment, c'est. Je sens à l'arrière. Bah, moi, c'est l'avant. C'est du genou. Et du coup, là, par contre, je pense qu'on va être sur le dernier stretch du jeu. Ça se trouve. Le truc, c'est que s'il nous reste un dernier stream, il va vraiment pas être long en tout cas, quoi. Parce que là, en 2 heures, je pense qu'on va bien avancer déjà. Bah, on ira faire le Ape Escape. Non, mais je veux dire. Enfin. Oui, si on fait un deuxième stream, enfin un dernier stream après celui-là et qu'on fait pas beaucoup de temps, ouais, on montrera le Ape Escape, on montrera les armes bonus peut-être, et on pourra certainement commencer Peace Walker du coup. Ouais. Ça vous dirait sur le chat quand même? Ou vous en battez les couilles? Vous aimez bien les jeux vidéo? Ça, vous connaissez déjà? Vous connaissez Twitch? Oui, pour je connais un mec et une nana qui sont sensibles derrière les genoux. Ça s'appelle du CQC, ouais. Ils mettent leurs genoux et. Et ça fait une zastika. Ils se font les ciseaux de l'arrière du genou, quoi. Oui, capitaine. Oh. Qui vit dans la jungle en Russie? Volgin.
Okay, let's go. Le président du Kenya. Yes. Difficile. Public difficile. C'est vrai qu'il y a une Je sais, j'avais vu une vidéo de On ne demande qu'à en rire, tu vois. Qui est, je trouve que c'est une émission les plus cringe du monde, tu vois, j'arrive jamais à la regarder en entier. Et c'est quoi? Bah tu sais, c'est il y a des jurys, il y a Jean Benguigui, il y a comment Ruquier et tout. Et en fait, c'est des humoristes qui arrivent et qui doivent faire des blagues et ensuite ils sont notés en cours de l'émission, tu vois. Mmh. Et à un moment, il y a un mec qui est arrivé, il est arrivé qu'une fois. Hein. Il est venu qu'une fois à l'émission, tu vois. Parce que c'est là-bas qu'il y a eu Arnaud de sa mère, qu'il y a eu Jérémy Ferrari, trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et donc le mec, il est arrivé et à un moment, il fait une vanne. Personne rigole. Et pour déconner, je pense, il avait envie de dire « Oh là là, c'est vraiment un public de merde !» Et en fait, les gens, ils l'ont trop mal pris, en fait. Ça a pas du tout été une blague. Et à un moment, du coup, je crois que c'est Benguigui qui lui dit à la fin du sketch « Mais les trucs comme le public de merde, tu le dis pas devant le public, tu le dis dans les coulisses. » Et moi, j'étais devant ma télé en train de me dire « Mais non, c'est pas... Il a essayé de faire une blague, il a pas essayé de dire que les gens étaient pourris !» Et ça va... Je peux pas regarder cette émission, mec, c'est vraiment... Oh pitié, on est toujours. Faudrait qu'on la stream du coup. De ouf. Oh, non. Oh, ouais, c'est une critique. Tout. Tico Gorni derrière la cascade. Oh pitié. Ça me Tico Gorni derrière la cascade là. Et du coup, je devrais avoir donc le camouflage. Putain. Et du coup, tu veux que je te dise ce qu'il fait ce putain de. Il est déjà sur toi, je crois. Non, c'est pas celui-là. Il s'appelle Esprit. Esprit. Faut le ramasser alors peut-être. Moussa. Ah si, Esprit il est là. Uniforme de camouflage porté par The Soro. Ok, fais voir comment. Oh, c'est des crânes dessus, c'est super stylé. Et du coup, il est super cool parce que tu ne fais plus de bruit en marchant. D'accord. C'est déjà très bien. Et quand tu attrapes quelqu'un, tu draines son endurance. Donc tu récupères de la vie. Non. Mais attends, il y avait des petits crânes sur l'illustration. Comment ça se fait qu'on les voit pas là? Des petits crânes. Regarde si t'habites. Quoi? Non, marche pas. Vas-y, attends, fais le tour des plein de fois. Ah, je sais pas ce que ça fait. Ah, je sais pas du tout. Il y a Ziyan qui arrive. Mais je crois que c'est juste dans l'écran de nourriture en plus. Ou enfin de soins. Je crois qu'on peut pas le faire comme ça. Par contre, il a aucune protection. Bah, de protection, non, il a. De camouflage, ouais. Par contre, tu fais pas de bruit. Permet de ne plus faire de bruit en marchant. Ah ouais, c'est marrant ça. Ok. Permet à celui qui le porte de vider les ennemis de toute endurance et en étendant en CQC. D'accord, c'est ok. Cool. Ouais, c'est sympa, ouais, j'aime bien. Moi, je vais remettre du coup. Le crocodile. Non, je vais remettre Rayeur du Tigre. Voilà. Alors, okay. Où on se. Et on verra plus tard. Alors. Ça c'est fait. Là, il y a des désinfects. Est-ce qu'on m'a remis mon MK22? Non, par contre, on m'a fêté encore toute la bouche. J'ai un nouveau truc à tuer, moi. Il y a une chauve-souris vampire ici. Bute-la. Attends, calme-toi. Oui, il me faut mon MK22, mon couteau de survie, ainsi que mon Mosin-Nagan. Il te manque un truc. T'as un scorpion. Mais attends, il te manque un truc vachement important, là. Il est où le maquillage de la France? La France. ça bouge pas. En parlant de France, Rossian, le groupe Le Goleton des Bons Vivants, ils ont refait une vidéo tout à l'heure et ils se prennent une murge dans un bar. C'est à voir. Et en fait, ils vont commander plein de bouffe. Enfin, ils ont réservé. Le bar est fermé, je crois. Ils vont commander plein de bouffe. Ils vont se faire plein de bouffe. Attends, le Goleton des Bons Vivants, je connais pas. Ah, bah, j'ai envoyé avec la bécasse. Ça me dit rien là. Je connais comment ça s'appelle, merde. Les compagnons du Gras Jambon. Ça, je connais, mais. Ça, je connais pas, à mon avis, c'est dingue. Mais je les avais envoyés et on avait tout regardé d'un coup. Alors, si vous voulez, je crois que c'est l'une des seules chaînes YouTube quand ils mettent une vidéo, j'arrête pas. Ah oui, non, si. Mais putain, mais du coup, quand tu disais groupe, je pensais vraiment à un groupe de musique en fait, c'est pour ça. Ah non, c'est des cons. C'est des cons. Ah, des groupes de musique qui sont des cons aussi, hein. C'est moi, j'ai trouvé la chauve-souris. J'ai pris la chauve-souris. Ah maintenant, mange-la. Attends, y'a encore des petites grenouilles arboricoles. Attends, j'arrive. Y'a des russules phosphorescentes. Oh. Russule là, putain. Russule-moi tout là-dedans. Je vais éclater une petite grenouille arboricole. Bip. Voilà. T'as le coup de pied. Voilà, bon, gros lobby. On a repris de l'avance sur Robovine, c'est bon. Tac. Un R champ E. Impeccable. AK 47 munitions maximum, je sais pas pourquoi il me donne ça me stresse. Oh putain, y'a une arme au bout. Qu'est-ce que c'est? Chut, me dis pas. Rien. Non, c'est quoi? Oh, ah non, c'est un carton. Cette arme. Attends, c'est un carton. Bouge pas, je vais le mettre.
Et du coup, attends, cigare, je m'en fous. Pilule de mort simulée, ouais. Médicament vie, pourquoi pas. Caméra, je m'en bats les couilles. Et file-moi le carton B. Qu'est-ce qui fait le carton B comparé au carton A? Il a pas la même lettre. Non. Tu vas voir? Waouh, je suis quand même à chier. Ça fait vraiment beaucoup trop kiffer ce truc là. C'est un des mèmes de MGS qui me fait beaucoup trop rire, le carton. Et bah écoute, on monte. C'est qui part? On monte, voilà. I gave my life not for honor but for you. T'as récupéré tout ton matos ou pas? Oui. Je crois, ouais. In my time. J'ai mis le scorpion avec toi, au cas où. Pourquoi le scorpion? Je sais pas, au cas où. Le scorpion, je crois. Le scorpion. Enfin, tu parles de la mitraillette? Pourquoi, ouais, pourquoi je prendrais Scorpion avec moi? On sait jamais. Je les tue pas? On sait jamais. Bah maintenant tu peux. All women are queen. If she breathes, she's a thought. J'adore cette vidéo. Ils sont ridicules, ces chars. Mais ils sont moches. Attends, faut que je les monte, de face. Vraiment, ils sont dégueux, quoi. Ils sont dégueux. Oh putain. Oh, la glissade. Regarde, on dirait des grosses huîtres. Non, on dirait des madeleines. Tu as mangé des madeleines, Océane? Non, mais mec, je te promets, bouge pas, je vais les montrer. Non, on dirait une tortue, à l'envers. On dirait des full madeleines, mec. Tu connais full sentimental? Bah pareil, mais avec les madeleines. Je pense que tu le sais, mais dans MGS5, si tu t'approches des cartons, les anciens soldats de Mother Base, ceux qui sont complètement chelous, ils s'approchent du carton, lâchent un big boss, c'est toi, et attendent un garde à vous. Ouais, si, carrément, ouais. Elles sont chiantes, ces missions d'ailleurs, de récupérer les anciens membres de Mother Base, là. Oh, je suis chiant. You made me drop my madeleine. Ah, je connais pas mes adgars dans les gars, j'ai pas compris. You made me drop my croissant. Ok, voyons voir. Faut que je monte les tanks madeleine. Mec, attends. C'est leur vrai nom à l'ONU. Préparez les madeleines T-88. Regarde, attends, y'a quelqu'un, je sais pas. Regarde. That is the madeleine. The madeleine. Alors ouais, attends, je peux monter là, ok. Y'a beaucoup de soldats quand même. T'as rien vu? Mais du coup, j'ai envie de manger des madeleines maintenant. Moi aussi. Oh, putain, j'ai faim, j'ai envie de manger du beurre. Oh putain, y'a un petit chien. Chut, t'as un petit chien. Une bonne plaquette de beurre. Hop, voilà. Attends, oh, bien. T'as un petit chien. C'est bon le beurre. The butter is good. T'as rien vu? Ta mère. Hop là. Oh, bien cool. Alerte. Oh putain, y'a les petits chiens encore. Ah, tu mourras jamais. Ah, tu fais comment? Tu fais. Oh putain, ça saute. Oh merde, il saute le chien. Hop là. Généralement, des trucs que je dépasse. Ouh! Ok, c'est pas une porte ouverte. C'est pour ça qu'elle va. Vache. Oh putain, j'ai déclenché toutes les alertes du jeu, ça y est là. Jusqu'à présent, ça va, tu t'infiltres bien là, c'est. Laissez-moi tranquille! Mais c'est parce que en fait, là, je me demande si ça emmerde pas les gens que j'essaie de m'infiltrer à chaque fois en fait. Non, c'est cool. Si, putain, un sniper. Attends, est-ce que je peux attendre que. Oh! T'as encore pété une porte, Russian! Ouais! Oh la vache! Ah bah je reste par terre! C'est quoi le XM1 là? C'est un M16, je crois. Il me semble que c'est un M16. Oh le bouclier que t'as pris! Je vais faire un peu plus gaffe là, je vais essayer de me. Voilà. On va s'infiltrer. Qui c'est qui fait des frottis-frottas à son micro? C'est pas moi. C'est Momo. C'est moi. C'est moi! le mec il est fier de lui! Araignée. Je pensais pas que ça s'entendait en. C'est peut-être pas ton silencieux qui est équipé là, enfin ton. Ouais, mon Colt, ouais. Enfin, c'est certainement mon Colt, ouais, ouais. Mark 22, ok, c'est parti. Putain, pas par là. Je sais même pas par exactement où il faut que j'aille en fait. Attends, bouge pas. Je vais regarder sur ma carte parce que je pense que ça. J'ai ouvert le codec. Je vais regarder par la carte pour être sûr, je suis vraiment handicapé. Carte. Il faut que je vais. Pas là déjà. Pas là. Ça me met rien. Yes. Faut que j'aille donc nulle part. Alors. Le search, c'est l'objet. Ouais, il y a quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure c'était l'objet 279, ouais. Et qui sont très très moches. Je trouve que c'est vraiment un des pires véhicules jamais designés. Je n'ai pas essayé. Attends. Je préfère conduire une Multipla que cette saloperie. La Fiat Multipla, tu sais pas ce que c'est? Elle a été apparemment élue comme la voiture la plus moche du parc automobile du monde. Moi, je la trouve pas. Elle est dégueu, hein, mais je la trouve pas si horrible. Surtout à l'intérieur, c'est super spacieux. Oh, elle est dégueu, d'accord, quand tu la compares. Ouais. Attends, c'est la voiture boudinée, là. Ouais, c'est ça, qui a une espèce de bourrelet, là. C'est dégueulasse. Ah non, c'est ignoble. Pourquoi ils ont dit salaud? Salaud! Salaud! c'est trop chiffré. Salaud! Qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais ils s'entraînent! D'accord! Ouais, mais t'as pas 6 gosses, c'est un chien, Russian! Ouais, mais j'ai un ampli et des guitares! C'est quoi le rapport? Je sais pas. Cassez-vous!
Ouais, ouais, votre entraînement il est super bien. C'est ça l'entraînement, c'est marcher en étant accroupi. Team. Ouais, il est bien plus fort que tout le monde, lui. C'est celui qui avait tout le temps des putains de notes à l'EPS. Je te retiens, Mathias. Ok, je sais pas par où il faut que je, faut que je rentre dans la base en fait encore. Ah, mais je sais pas, tu voulais pas suivre mes plans. Non, mais si, dis-moi. Ça va être très cliché de ma part, hein, mais le Mathias, moi que je connaissais, bah c'était un petit gros. Ah ouais, non, moi tous les Mathias que j'ai connus c'était des mecs sveltes. J'ai jamais connu un Mathias. Moi j'en ai connu qu'un et ouais, il était normal. Non, je m'appelle pas Mathias. Normal. Attends, je suis un maigre, maigre normal, petit gros. Faut que je rentre dans Grosnigrad, tu vois. Oui, là, là tu vas aller voir le hangar à Chagrood. Du coup, je me recostumise. Non, tu sors de C4. D'accord. Et tu le mets sur ton visage. Ah non, attends, c'est pas là qu'il faut aller. C'est du C3. C'est dans le... Eh, le principal, le hangar. Faut que j'aille dans le hangar. Ok. Le hangar. Je vais essayer d'aller dans le hangar. Je sais pas si je peux me balader dehors habillé en scientifique. Je pense qu'ils vont m'enculer. Je pense que tu vas te faire canarder. Ouais, on est d'accord. Donc du coup, je pense qu'il faut que je rentre dans la porte là où les gars, en fait, couraient. Donc il va falloir que j'attende. Je vais... Pourquoi tu rigoles. J'ai connu qu'un Mathias et c'était un sacré suceur de chibre. Tu nous le présenteras quand même. Bah, on a tous des qualités. Il y a Yadar qui pose la question, comment tu sais ça? Il pose la question importante, c'est la vérité qui dérange de Yadar. Faudrait... Coucou MTE, ça mec. Faudrait inventer un talk show, c'est juste les questions gênantes de Yadar. Les questions qui gênent avec Yadar. Pourquoi t'es pédé? Dis donc, ta mère serait pas une pute. C'est pas cette porte là. Non, t'as rien vu, nique ta mère. Salaud. Et tu m'as encore mis mon colt. Non, c'est bon, putain. Hop, voilà. Alors, par où qu'est-ce que je dois y aller? J'adore le français. Très français. Hop. Le français. Un français à toute épreuve. Chabal. Il y a une fringue. Oh, j'ai faim, ma fringue. Chabal. Parce qu'on t'a dit Chabal, t'as pensé au steak. Y'a Roulet, y'a un mec qui s'appelle Roulès qui vient de follow. Alors, salut mec déjà, et j'aime beaucoup ton pseudo, ça me fait rire. Alors attends, je vais juste bouffer une ration. Ou une ça peut être une femme, bien entendu. Il s'appelle Mathias. Est-ce qu'il suçait des gros chibrax? Apparemment, il aime pas du tout les grenouilles arboricoles, donc je vais commencer à lui faire bouffer les grenouilles arboricoles. I'm gonna puke, what the fuck? Je sais pas quand trop je dis suceur de chibre, c'est parce que c'était un gros con qui assumait rien. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Uh-huh. Est-ce que tu penses que je peux faire. Tu peux nous le dire que ton gland est rentré dans sa bouche. Ça. Oh, oh, qu'est-ce que je suis bon, mec. Tu peux le faire avec le carton. Oh, qu'est-ce que je suis bon, je sais pas. Je me suis dit, est-ce que je peux le faire? Et en fait, oui, tu peux. C'est ça qui est bien avec MGS. Oh, le noob. Ouais, non, mais je t'ai dit, il y avait plein de trucs que j'ai oublié, moi. Est-ce que Wap, tu as perdu ton gland de lait dans sa bouche? Pendant que je bois. Ah, j'en ai dans mon nez. Comme je bois. Comme je bois mon thé. Comme je suis décontracté. Comme je m'appelle Geoffrey. C'est un vrai nom, Geoffrey. C'est un vrai trop chier. Mon gland de lait, il a sauté en EPS pendant qu'on courait. Comme je perds mon gland de lait. Et tu l'as ramassé? Comme je perds mon gland de lait. Hey, comme Théodore, je suis stressé. Et Mathieu, ils vont se calmer. C'est qui Théodore? Roosevelt. Ah. C'est bien comme t'es génialement con. Génialement con. Putain, mec, je crois que je suis un peu éclaté. Au lieu de lire Khrushchev, j'ai lu. J'ai lu Choucroute. Khrushchev. Enfin, Khrushchev. Khrushchev. Reste sur Choucroute. Ça, tu maîtrises. Le nom, tu l'as. Y en a un, c'est un plat épicé, et l'autre. Putain, y'a Sigyn qui arrive sur le côté qui dit yo. Super, quoi. Yo. Ok, faut que je fasse péter les trucs à coup de C3. Ok. C'est vraiment le C3? Oui. Le CD aussi existe. Et le CD est utilisé dans SWAT 4 pour faire péter les portes. Et le CD, c'est pour écouter des titres musicaux. T'es viré. C'est ce que je peux faire. Le tabasser. Tu viens de le mute? Il l'a viré. C'était la meilleure chose qu'on avait à faire.
D'ailleurs, on a une place libre désormais dans l'équipe, si vous voulez. C'est quelqu'un avec une bonne connexion et un petit peu le sens du showmanship. Ah, il est parti. Alors, il a viré Momo. C'est un pro type que de parler de son glandelet au premier rendez-vous. Attendez, 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 je peux virer Russian. Ah non, non. Alors bonjour, moi c'est ma première fois au speed dating. D'accord, j'ai perdu mon glandelet à 14 ans. Next. Alors du coup, je suis avec toi, Ocean, maintenant. Arrêtez. Non, casse-toi, toi. Putain. Oh merde, il a tout. Oh, bah on est tous dans le gros meeting. Bon, je t'en déplace. On reste là. Oh, j'ai cru qu'il allait m'oublier, Spider, j'étais triste. Fin. Bah quoi, elle aime pas mon glandelet, cette pute. C'était un peu violent. Non. Je suis un carton. Attends, le lait, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je défonce les techniciens qui... Les techniciens? Les techniciens qui bossent sur Chagod ou pas? Là, on est juste à côté du Chagod, quand même. Attends, on va aller le voir après, bouge pas. Mais surtout que... Non, en gros, tu pourrais rentrer dans Chagod et te barrer. Ouais, ouais, d'où? Réussir à l'animer déjà. Trop un croc dans mon blanc de lait. Là, j'ai regardé un petit peu cet après-midi, et de Chagod, il peut être piloté par un seul mec, en fait. Oh non, pourquoi ils m'ont vu? Donc, Bah non! Oh, comment tu l'as égorgé, ça? Bah salement. Oui, il m'a cassé les couilles! Je sais pas. Oh, t'as déclenché l'alarme, je t'ai vu, toi! Culé, tiens! Fils de chien! Fils de chien! C'est mon côté paysan! Ah, c'est un samouraï! Et qui pique! J'ai tellement rigolé au boulot quand j'ai vu ton truc! Parce que je peux pas m'empêcher de les lire, ces conneries! Ah, ce qui pique, qui pique! Oh putain! C'est la merde! Attends, non, c'est la merde! Attends, est-ce que je peux me buter là? Bah, tu prends ta. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, non, 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 le sang est tellement bien géré. Attention! Ah, ça m'a vraiment pas fait mal. Voilà. Ah, je simule ma mort, mais je me rends vrai. Mais en plus, oui, ça t'a pas fait mal, tu t'es juste pété les genoux. Je me suis écorché les dents, cassé les genoux. Je trouve un Oreo dans mon glandelet. Oh, j'ai envie d'un Oreo maintenant. Moi, j'ai envie d'un glandelet, c'est marrant. C'est marrant comment ça marche les choses. Si tu remontes l'escalier, tu peux revenir dans l'aile où t'as planqué Raykov dans un des casiers. Il y a une tenue d'ouvrier dans un autre casier. Ah. Tu pourrais aller chercher une tenue. Mais sinon, tu peux tous le buter. Oui, c'est ce que je vais faire. Attention. 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 Quand tu cours dans les escaliers. Je vais louper. Attention. Attends, je vais louper. Je vais louper. J'arrive pas à viser avec une manette. C'est catastrophe. C'est mauvais, hein. Voilà. Très très nul, mauvais aussi. Attention. Attention. Je me suis cassé le glandelet. Aïe aïe aïe. Ouh. Vous inquiétez pas, ça repousse. Il paraît, ouais. Un peu comme les gros lézards. T'as déjà enlevé la queue d'un lézard? Jamais. J'ai même jamais réussi à capturer un lézard, d'ailleurs. Moi, étant petit, je capturais des lézards. Et le lézard, quand il est en panique, il lâche sa queue, tout simplement. C'est marrant, moi aussi. Et après, les lézards, je les prenais et j'en faisais des boucles d'oreilles. Toi aussi. T'as jamais fait ça? Mais il a pas réussi à attraper un lézard. Nul aussi, t'as joué aussi à trouver un lézard. Pourquoi c'est explosé? Je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est parce que t'as tiré sur le truc, vous fallait pas rentrer dans C3. Ouais, j'ai tiré sur le truc de C3, ouais. Oh, ça arrive à tout le monde. T'as jamais fait de chasse au lézard? Non, nous on chassait les gypsies, on chassait les gitans, mais on a jamais chassé de lézard. C'est ce que j'allais dire. Nous on chassait les manouches par chez moi. Oh putain de con, lui. Les gitans. Hey, ça fait longtemps qu'on a pas joué. Hein. Mais ma gueule, toi. Je te déteste. T'es pas mort, mais la vache! Putain! Tu lui as mis une balle dans la tête? Mais il y a des soutiens! Culé, va! Bon, allez, je me claque encore une fois! Si tu coupes la queue d'un manouche, ça repousse? Malheureusement, oui! Le manouche, ça. Le manouche? Le manouche! Eh, le manouche! Quand j'étais petit, j'ai des manouches qui m'ont piqué 14 chats! Je crois que t'es gars des chèvres. Le mec il vit vraiment au fond de la campagne. Non, 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 j'avais une portée de chat. Il y a des manouches qui sont venus un matin. Ils les ont tous piqués et mon père a pas eu le temps de sortir les carabines. Du coup, il a tiré sur le dernier chat. Ouais, voilà, il s'est rattrapé, tu vois. Ça pique. J'ai pas de sniper silencieux, moi. Et tu veux pas les endormir plutôt? Je crois qu'il faut les buter. C'est satisfaisant maintenant qu'il y a pas de Soro en fait. Mais t'avais pas un... Je croyais que t'avais un sniper silencieux. Silencieux, je crois pas, mec. Dans le 3, je sais pas. Non, je crois pas, mec. Je pense que tu mens. Elle ment en allemand. Cet enfant est un faux témoin. Voilà. Mais tire, Snake. Voilà. Ça, je suis bien.
Oh le con! Mais Snake, c'est pas possible, mais t'es vraiment... T'es un trou du cul pareil! Quel triple andouille! En même temps, il a perdu un œil, hein. C'est rien, QG, c'est rien! Attends. Attends, bouge pas, bouge pas. Tu vas en formation d'alerte? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu veux lui tomber dessus? Non, non, je voulais faire un truc, mais en fait, j'ai pas fait un truc, en fait. Allez, mais tire! Snake, voilà! Ah, le bâtard, moi, j'ai des pinces, des princes. Oh. Je vais la... Je vais faire la prudence. C'est bon, la prudence, c'est bon. Voilà, on est prude, on est prude, on est prudent. Putain, je pourrais manger c'est le... C'est bon, les prunes. Les prunes? T'as déjà mangé une bonne tarte aux prunes? Putain, mec. Quoi? Mais c'est... Mais vous venez d'où, vous? Mais nique ta mère, merde, chez toi. Non, on s'est niqué, beau, mais... Hop là. Après, tu sais pas, ils sont peut-être attends, très frais. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non. Ah, ah, je veux mourir. Je peux pas sortir ma pilule de mort simulée. Mais Mélie de Mandal. Mais pourquoi non. C'est bon, t'es plus mal. On va recommencer. Et super MTE qui dit niquer ta mère à vous. Pourquoi ça me fait rire? Ok. Parce qu'on est je mets des pépéronis et du fromage sur mon prince. Il est complètement enflé. Complètement malade. Et si tu coupais l'alarme? Je peux pas la couper l'alarme. Bah, si tu coupes ton prépuce. Non mais j'en ai plus, j'ai perdu mon glandelet, t'as pas compris? Mais c'est... Ah, aussi, ça vient que prépuce, ça vient que prépuce. Ah ça vient dans un ça... bocal. Oui. C'est pour faire une fondue. Tu le regardes tous les ans. Et celui qui trempe son prépuce dans le fromage, il a un gage. Mais non, y'a pas de problème, mais non, y'a pas de problème, mais je t'ai tiré dans la tête, y'a pas de problème, quand je t'ai tiré dans la tête, tu vas niquer ta mère. Putain. Oh, le Marseillais qui ressort. Mais tu vas... Ah là, vache. Vache. Non, non, y'a personne qui... Mais non, non, j'ai dit que c'était un cheval. Aucune phase d'alerte, aucune phase d'alerte. Le mec qui vient pour faire une phase d'alerte, je l'encule, mec. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. C'est un pauvre sexuel. There is nobody, regarde, je suis un carton. There is nobody. I am a cartoon. Don't but me. Attends, je vais me cacher là, regarde. Hop là. Et voilà. Ah, faut pas être, comment on dit, claustrophobe. J'ai fait une pizza champignon et par-dessus, je mets du chabrol. Après, j'arrose de Grand Marnier. Je craque une allumette et je me fais une flambée. Ah, c'est drôlement bon. Je te vois à me dire, est-ce que tu peux mettre ça sur ta kick? Putain, ça va pas. Dès qu'on est 4, toi, ça va pas du tout, en fait. Qu'est-ce qu'on est con. Mec, attends. Déjà, tu es de base. Bon. Ouais, ouais, voilà. Si tu fais du Grand Marnier sur ta kick, et ensuite... Mais comment, tu le vaporises ou tu trempes ta kick? Mais c'est une blague, ça. Et le mec, il fait... Tu la trempes. Ouais, j'ai trouvé une pute bretonne. La semaine dernière, j'étais avec une pute bretonne. Faut que t'ailles la voir, elle est géniale. Elle fait que les trucs à base de bouffe. Pour 20 balles, elle te fout du beurre salé autour de la kick. Elle te fout une pipe de ouf. Pour 300 balles, elle te fout un couignement dans la chatte et tout. C'est génial. Elle fait, ah ouais, pour 500 balles, elle fait comment? Bah, je l'ai vu débarquer avec le Grand Marnier. J'ai dit non, direct. Je sais rien, je suis un carton. Viens pas, je suis un carton, regarde. Fais le cri du carton. Je parle pas, le carton. C'est ça le bruit du carton pour toi? Est-ce que tu penses que je peux les viser, mais dans mon carton? Tu peux? Je sais pas. Dans l'autre non, je non, je peux pas, Je peux juste voir en fait à travers, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Non, y'a pas de problème, C'est... Vous avez juste vu des cadavres. Et ils ont toujours été là, hein. Comment tu vaporises du Grand Marnier? Bah, tu mets dans le truc qui fait du pchip. Ouais, voilà, le sambon, tu mets dans. Tu mets dans du sambon. Et après, t'en fais quoi de ta kick? Bah après t'es une geek qui sent le Grand Marnier. Fuck quel putain, j'essaie de me concentrer. On va encore se faire voir par tout le monde là. Si tu préfères le rhum, tu fais comment? Faut foutre ta table dans la bouteille de rhum, mais faut réussir à sortir. Merde. Chut. J'aimerais bien ouvrir un mec arriver à le stocker une bouteille de rhum. Mec, mais ça arrive tout le temps, des gens qui se coincent la kick dans une bouteille. Ah bah je pensais que je pouvais l'enlever, mais j'arrive pas. Ça va faire bolder. Ça doit piquer le zob du Grand Marnier au glandelet. Mais il paraît qu'ils font des alcools où ils laissent un glandelet flotter dans la bouteille, en fait, un petit peu comme les, tu sais, les vipères et tout comme ça. Ouais, de l'agneau de glandelet. De l'agneau de glandelet. Exactement. Du coup, le Grand Marnier pour le kick, tu l'appelles le Grand Chibré. Le Grand...
Crunchy-bré. J'en ai marre, mec. En plus, je suis en prudence. Il y a deux connards avec leur fusil de chasse. Ils me regardent là. Excellent. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Tu vas dans sa barre, tu fais bonsoir, je voudrais un grand verre de chibre, s'il vous plaît. Le plus grand que vous avez, s'il vous plaît. Avec le gland de lait, bien entendu. Je prends le sauvage. Shake a not stirred. Il y avait une SF, qui a malencontreusement glissé sur un tapis de bain avant d'atterrir sur son déodorant de 15 cm. Ça m'arrive tout le temps. Sur lequel une capote et du lubrifiant avaient été insérés. En tant que mec à qui ça arrive tout le temps, franchement, je comprends le struggle. Moi, je me suis mis un truc dans le cul, mais désormais, dès que je bouge... Ça s'appelle des intestins. Alors, attends, est-ce que je... C'est l'histoire d'un mec qui sait pas se brosser les dents, et du coup... est-ce que tu sais que t'as fait ton petit pouet, là, et j'ai pensé que j'étais en alerte, genre que c'était le bruit de ton exclamation. Je te promets. Une pinte de cronon chibre. J'en ai marre, mec. C'est marrant, les guiguettes. C'est vrai qu'en règle générale, la kickette, c'est assez drôle, ouais. La kick. Énorme kick. Attends, j'ai retrouvé le message que je t'avais envoyé, Russian, la semaine dernière. Oh là là. C'était le pipi du zizi. Non, c'est... On t'a dit le pipi du zizi, ça va te faire rire, ça, ouais. Putain. Regarde-le, voilà, il est mort de rire. Non, mais un petit côté enfantin. Ah bah oui. Ça, c'est clair. Tout. Le pipi du zizi, tout. Attends, est-ce que tu penses que je peux foutre un camouflage ici qui me fera moins voir, par exemple? Kaki. Un camouflage carton. Kaki, entends-tu? Un camouflage foutre. Oui, sur des soldats qu'on encule. Il y a la vidéo d'un appel 911 qui appelle parce qu'ils ont poussé une bouteille de je sais plus quoi et qui éternue. T'entends un bouchon sauter. Putain. Faut que tu la retrouves et que tu l'envoies, ça, par contre. T'as pas le droit de dire des trucs comme ça et pas prouver. Ok. Adouim. C'est mon anus. C'est mon anus. C'est, excusez-moi, c'est l'anus. Je rigole pas, je rigole. Est-ce que je peux prendre... C'est pas... Oh mec. Mais mec. Je sais pas ce que j'ai fait. T'es extrêmement bizarre, mec. Oh, oh putain. T'es extrêmement gênant. Touti. Recommence. Recommence. Attends. Oh putain, j'en ai marre. Les gros broutis. Oh. Attends, je vais clipper ça. Moi, je vais première entendre. Putain. Il s'est paré. Putain. Personne n'a rien vu, on est en prudence. Je sais pas s'il y a encore des soldats en fait ici. J'ai pas envie de vraiment de recommencer tout ce passage. Ça va, oui. Ah la vache, il m'engueule quand il éternue l'autre. Je crois qu'il y a plus de soldats. Quand je dirais soldat. Lui, je vais aller le choper et je vais l'égorger. Il est en prudence toujours. Il est là. Ouais, il est là. Il est con. Lucien. Oui. Je t'en supplie, après va dans... Attends, je vais peut-être te balancer bien. Faut que t'ailles dans le mic la passe sur le stream, elle est géniale ce vidéo. Attends. Ah putain, ils ont clenché l'alerte. Ah, je vais me cacher. Oh, il y a encore un. Évasion. Hop là. Voilà. Et là, personne me soupçonnera. Je sais pas qui c'est qui m'a vu, je crois qu'il y en a encore un en fait. Oh putain, ils arrivent à plein! Bah attends, pendant que je te cache, tiens, passe là, je l'ai envoyé sur le chat. Chut, putain! Non, je vais pas maintenant là. Bah allez! Monte! Je suis un carton dans un camion, c'est normal que je sois là! Cassez-vous! On a perdu l'ennemi de vue, ouais, c'est parce qu'il y en a pas en fait, cassez-vous! Putain, après, enfin, je monte le C4. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme un clip? J'ai fait un clip, il l'a appelé. Attends. Chut. Tu as envoyé dans quoi? C'est dans quoi que t'as envoyé ça? Sur le chat. Qu'est-ce que t'as envoyé? Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est 40 secondes! Le ennemi! 911, what's your emergency? Qu'est-ce que c'est? There's a bottle of conditioner in me.
What? My wife and I belong to a wholesale club and got a really big bottle of Mother Jeffrey's male hair conditioner. Uh-huh. We were in the shower and we put it in me, and but it went all the way in. Your wife put the bottle in? In my We're going to send an ambulance. Can you wait? Mm-hmm. Yeah. Are you all right? Oh, no. I'm just a little surprised. A little surprised. I'm sorry, one second. Sweetie, can you please get the cat out of here? The ambulance is about 4 minutes away. Oh, no. I can really feel it. The bottle? Is that bad? Oh, mais non, mais c'est éclaté, mec. Mec, le vieux bruit de bouchon.mp3, mec, c'est pas possible. Il y a celui aussi avec la bite dans le broyeur. Ah, l'humour. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je préfère rigoler sur des petits bruits de trompette, moi. Refais. Attends, si je le fais dans une canette vide, ça fait quoi? Oh, c'est oh non, c'était un peu ouais, décevant. Non. Oh, vache. Pas derrière. J'aime pas. J'essaie de faire des sonorités. Casse-toi. Attends, si je le mets sur la kick. Wipou, wipou. Bonne nuit, Félix. A plus, mec. Bonne nuit. C'est ça. C'est quand tu vas aller en Angleterre, t'es obligé de prendre Félix. Oh, non, réexplique à moi. Oh putain de bordel. Salut Mathis. Salut gang. Ça me rappelle trop les mèmes décentralisés, mec. Ou dès qu'un mec qui dit qu'il est québécois. Caribou. Tabernacle. Non, il fait tabernacle. Tabernacle. J'adore cette page, j'assume. Eh, c'est moi, cassez-vous. Y'a plus d'alerte, voilà, cassez-vous maintenant. Tu vas te faire rechoper dans 5 secondes. N'importe quoi. Là, j'ai bien fait de pas me planquer là-dedans en fait. 2, 3, 4, 5. Putain, le bâtard. Eh ouais, France Kaki, c'est marqué. Est-ce que je peux. Qu'est-ce que ça fait? Ok, ça c'est bon. Mais du coup, putain, ils ont remis des soldats en fait! Bah oui, t'es à côté du Chagod! Ça se fait pas? Putain, non, mais Mengor, je passerai pas le mec qui met sa bite dans un broyeur. Oh, mais non! On devrait pas être obligé de le dire ça! Hein. Quelqu'un a déjà entendu l'hymne national du Québec? Non! Bah, c'est le Marseillais, non? Oh, c'est pas un truc avec des trompettes rigolo là? Est-ce que je peux faire ça? Voilà, ok. Non, mais je crois que c'est un peu la soupe aux choux, Lori. Tout le tout, caribou, tout, dans Eva. J'ai pas compris, moi on va pas expliquer. Voilà. Alors ça c'est bon. Attends, Océane, ça fait longtemps que j'ai pas. Putain. C'est vrai que ça faisait longtemps, dis donc. Attends, il faut que j'essaie sur les parties bizarres. Y'a personne d'autre là, on est sûr? J'ai pas envie de me faire surprendre par l'abnégation. Ouf, là y'en a un. Je t'entends, hein. Ok. J'ai mis des tons artificiels. Impeccable. D'ailleurs, il est où ce qu'il y a dur actuellement? Il est dans les terres encore. Dans les terres? Ouais, c'est dans bon, les terres. C'est bon. C'est... Et bon. J'ai tout donné. Ouais, je vois, ouais. Tu veux pas traiter de fils de pute? Non, mais ça viendra. Ah, parlez pas de classe, j'ai envie de manger de la glace maintenant. Pourquoi il a pas mis sur un timer un peu plus gros? France Kaki. Oh, c'est une patate en forme de cœur. C'est pas une patate, c'est le truc. Mais non, c'est une patate. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce... Une bite. Oh, l'artiste. Il a fait quoi? Il a fait une saloperie. Il a fait quoi ce... Ah, papillon. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est parce que tout à l'heure il a perdu sa perception de profondeur et du coup il est en train de se prouver qu'il a encore voilà, c'est ça. Bravo.
Fais gaffe, t'as pas trop faim. Mec, il fout un pain au C3, ça va lui péter dans la gueule. On va être faim après, tiens. Allez. I finished planting the C3. Il y a Vanilla Ice. Vanilla Ice, il est mort. Il est québécois. Il est pas mort, mais enfin, de sa carrière, oui, mais il est non, il est pas canadien, Vanilla Ice. Si. Putain. Après, c'est sûr que glace de sirop d'érable, c'était moins bien quand même. C'est bon le sirop d'érable. Oh putain. Comment ils ont su que j'étais là? C'est parce que j'ai éclaté 60 guerriers. C'est vrai qu'il y a Volgin. Le Volgin. Le Volgin. Le Scooby Volgin. Y'a combien de vols déjà? Non, mon flingue. Rends-moi mon flingue. Tu déconnes pas. Hein. C'est moi la palais montée. Oh putain, ce boss. C'est moi la palais démonter mon flingue. C'est bon. Et c'est quoi votre passion dans vous dans la vie? Les flingues. Non, j'aime bien démonter les guns. Quand ils sont pas à moi. Oh, il est plus fort qu'elle. Ah non, en fait, il est con. Voilà, je ne possède plus d'épaule. Bah, déjà que tu possèdes plus d'œil. Aya. Comment il s'est relevé comme un con? Aya, ouh, ouh, ça pique. Il se fait éclater la gueule durant tout le jeu. Ouais, non, il en prend vraiment plein la gueule, ouais. Pourtant, oh, il tente. Oh la vache! Mais en fait, comment dire? Elle te bully comme toi, tu bully au slot, en fait. C'est comme un tu peu ça. Un gamin dans la rue, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est. Oh! Ah, j'ai encore 13 minutes, merci, Soro. Super gentil! Il est con, ce Soro. Avec sa petite pancarte, ma bouffe arrive en 13 minutes. Uber Eats arrive. Uber Eats. Ah, il a sonné. Ok. Y'a RoboBit qui nous rattrape. Hein. Ah non, hein. Vite, amenez tous vos potes, vite là, faut qu'on l'éclate là. Ramenez vos potes. Hein. Quand le du. Ouais. C'est pas possible que les Canadiens ils nous crament dans quelque chose. Peut-être que elle a des lapins, mais nous on a Spider. Ouais, Yadar. Elle était chibre. Elle était chibre. Peut-être qu'elle a un chibre. Hein. Alors, sur son chat. Mathieu, do you have a chibrax? Anybody wants to chibre? Bon, c'est l'heure de te donner des petits indices. L'héritage des philosophes. Il l'a trouvé. C'est ça l'héritage des philosophes? Ouais, c'est les cartes SD. C'est les cartes mémoire pour la PS Vita. Ah, il reste 12 minutes 29 secondes. Merci Soro. Il attaque avec ses pieds. Dans le guide. Eh ben. C'est vrai que la scène d'après elle est cool. Attends, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Tout le passage avec le Chagod, le boss fight contre Volgin. Il reste après, il y a toute la phase avec Eva dans la jungle. Ah, mais elle est rapide cette phase, c'est juste une map. Il y a ensuite tout le boss fight encore à la fin après. Oh, tu fais chier, je voulais partir tôt. Moi. Ouais, bah ouais, écoute. J'aimerais bien voir la fin du jeu pour une fois dans ma vie. Va falloir choisir. Entre quoi et quoi? Entre le travail ou MGS. C'est dur, hein. Oh, oui, merci. Qui a dit ça? Moi? Ton avis. Bah c'est pas qui est tombé, j'y peux rien mec. C'est quoi le truc avec Soro? Bah il est gentil, il nous aide. Parce qu'on l'a impressionné tout à l'heure. Il fait chier en fait, c'est un fantôme, il a plus d'objectif dans sa vie. Fin... Oh je me fais chier, tiens, je vais mettre fin à la guerre froide. Je crois que mes voisins me détestent. Mm-hmm. Arrête, putain, t'es en train de désamorcer toute la tension de la situation là. Ouh. No babies. Oui, l'héritage est philosophe. Oh putain, Snake. Pouit. Excusez-moi, c'est mon CQC. Il est un peu rouillé. Mauvaise idée. Et voilà. Bravo, connard. Bon diable. Je sais pas ce que t'as tenté faire là, mais c'était complètement con. Mais du coup, quand elle se fait taser, ses cheveux ils devraient se dresser, ce serait rigolo. Oui. Il y a pas que ses cheveux qui devraient se dresser. Les poils de sa chatte. J'irai pas jusque là. Putain, la vache, elle va pouvoir se soulever elle-même. Elle va peut-être raser. Oh, c'est vrai que c'est une espionne. Je suis sûr que. Je dis peut-être. 10 minutes 36. Je suis sûr qu'elle a le drapeau US taillé dans les poils. Ils le savent qu'il y a du C4, les autres cons? Je crois pas, hein. Ils sont cons? Mon gars, les ovaires, comment ils dégustent? C'est mieux que l'inverse, hein. Que les gars dégustent les ovaires, franchement. Oh! J'approuve. De rien. Je te donne des points. Ah bah le voilà, le monologue du Volgin.
Le monorail. Oh, il va parler pendant un quart d'heure. Il y a Fiole Destis qui vient de faire une blague du pape français, genre sacré coup de foudre. Je suis sûr qu'elle est d'abbé. Et maintenant, une petite page de pub. Je sais pas que t'avais pas objectif à des faits d'ailleurs, j'ai pas le temps de lire. Comment ça va le chat? On s'intéresse à vous, on peut pas s'intéresser au scénario. On dirait un enfant fier de son dessin moche, l'autre con et son panneau, et regardez. Il est 12 minutes. Tu peux accoucher sur ton frigo, s'il te plaît. Tu crois qu'un fantôme ça peut dessiner? Je pense, ouais. Ah, j'ai mis, je vous ai posé une colle. Bah, ils font bien les crop circles. Oh, c'est viré. Non, en fait, j'étais en train de m'étrangler, j'étais pas en train de rire. Attendez, je déplace Lucien dans un autre channel. Non! Mais vas-y. Tu chantes, Erika? Merde, force, one. Quitte à tenir une pancarte comme dans match de boxe, ça aurait pu être une meuf bonne. Il est mignon. T'as pris tes cachets? Plein. Oh non, merde. Ouais, voilà. Ouais. J'ai auto-annulé une blague. C'est de l'auto-censure. Si seulement t'avais pu auto-annuler ta naissance. Bah, non. Ça s'appelle un suicide. Il y aurait pas la mégaforge avec ça. Imagine, on aurait commencé la mégaforge juste moi, Escad. Bah, il y aurait rien eu du coup. Ce serait juste un magasin de sandwich. Un magasin de paprika. $100 billion. 100 milliards de dollars. Ça fait beaucoup, hein. 100 paquets. Vous faites quoi avec 100, avec 100 patates? Vous faites quoi avec 100 milliards? Avec 100 milliards, Mais je fais tout, en fait. Je pense que je rachète le Congo. Mais ouais. Non, mais le Congo, c'est de la merde, il y a des Congolais. Mais oh, putain. Je pense que je rachète tout. Et tu mets du bitume. Je pense que je rachète le Québec. Je pense que je rachète l'Islande. Mmh. Et je rachète la France. Attends, le trou de la sécu, il est combien? Je rachète les îles Féroé. Parce que si tu rachètes la France, tu vas racheter une dette. Hein. Oui, en fait, tu vas plus perdre de la thune qu'autre chose, pense, non? Je rachète Monster Energy. Et après, je fais un jeu vidéo. Sur Monster Energy. Ouais, on transporte des caisses. Je dépense quelques millions pour que Tony Hawk fasse un nouveau jeu. Ouf. Oh non, le pauvre. Tu rachètes le Congo et tu refais les chasses rigolotes, faut les ramasser de main droite. Il y avait une pub pour Rock Band avec des célébrités dedans. Et il y avait Kobe Bryant d'ailleurs à cette époque-là, je crois. Et il y avait d'autres mecs, tu vois. Et il y avait Tony Hawk. Et ils ont été obligés de mettre un casque à Tony Hawk, un casque de skate pour que les gens ils le reconnaissent. Oh. Parce que sinon ils le reconnaissent pas, le pauvre. C'est super violent, Francis Spider. Moi j'achèterais l'Afrique, une bombe nucléaire et j'achète à Doom le reste. Ah, c'est cool, tu peux refaire Fallout. Je pense que je rachète de Johnny Hallyday. Oh ouais. Si tu veux racheter. On essaie de faire un cyber Johnny Hallyday Frankenstein, en fait. J'installe sa mémoire sur un PC. Ah, comme dans le film avec Johnny Depp. Moi, je profite de l'argent pour lancer mon entreprise de tétons amovibles et de bouteilles d'air. Enfin. Les deux en même temps, même. Pour et là, je te baise. Pour une bouteille d'air du Congo, acheter deux tétons amovibles offerts. C'est quoi une bouteille d'air du Congo? Ça sent la terre. Ça sent la terre, ça sent la misère. Non, ça doit sentir... Et dès que tu l'ouvres, ça chante le zouk. Mais tu sais, les lions sont vraiment des putes. Waouh. Non, par contre, en vrai, tu rachètes tous les restos de Nantes. Et pourquoi de Nantes? Enfin, en général, mais tu peux pas acheter tous les restos de France. Tu rachètes tous les appartements autour du tien, Russiane, et je mets des gens qui pètent. Ah bah super, ça ferait une cacophonie. Je rachète tous les Micromania et je leur fais uniquement vendre Iwo Jima. Non, Replay et Wolf Chanceux. Je rachète tous les appartements de Paris et j'en fais que des appartements de bonne. Tu vides tous les appartements. Je crois que je rachète Angers, en fait. Je vire tout le monde et je suis tout seul à Angers. Tu vois, je rachète Twitch et j'autorise que des streams de stalker. De cul. Et du cul. Tu rachètes Angers et tu fais en sorte que la ville soit une ville flottante en l'air. Ouais, comme ça, t'es tout seul. Comme Enksha dans Deus Ex. Exactement, ouais, exact. Et comme ça, les pauvres, ils vivent en bas. Oui. Yawa pifé, je rachète toutes les franchises de la NBA, je les fais venir en France. Genre comme ça, on a les Moncubus. On rachète Angers, on prend des fusils à pompe et on va traquer les démarcheurs sur la place du ralliement. Oui. Maintenant, je suis plus du côté de Wapfall, j'aimerais bien avoir les Saint-Gravé Lakers quand même.
Ils parlent toujours, Volgin. Mais regarde, ils sont tous d'accord en fait pour laisser tout le monde partir et il y a Volgin, il est tout seul avec son plan. Le pauvre. J'ai envie de lâcher une caisse. Son micro ? Non. Et allez. Tout à l'heure, j'ai frotté mon cul. Non, mais il va pas refaire un jeu. Bien sûr que si. Mais putain. J'adore ce mec. Qu'est-ce qui va se passer encore ? Les Roubaix Celtics. Ah ah. Mais tu veux pas me buter qu'on en finisse, putain, on s'est chier. Oui, on a vu que tu savais faire, c'est super impressionnant. Les tours Quad Raptor. Oh, si, moi j'aurais une équipe de foot, je paierais pour qu'elle soit en Ligue 1 et je mettrais que des nains et des petits gros. Ça ferait des synergies intéressantes, je pense. Tu peux pas payer pour être en Ligue 1. Ils l'ont bien fait de si, payer. La FIFA, la FIFA, ça marche comme ça. Putain, c'est pas la FIFA qui s'occupe de la Ligue 1. Mais bien sûr que c'est. C'est FFF. 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 Attends, j'ai fait une blague. C'est les petits fiens. Oui, mais tire-moi dessus, mec, putain, qu'on en finisse. C'est pas possible. La France. Qu'est-ce que tu fais? Je rachète la Bretagne et je la fais déménager en Corse. Tu rachètes la Bretagne et tu fais les Queen Amon illégaux. Et plus de beurre salé. J'augmente la limite d'alcool. Loser. 0,5 à 1000. On a combien 7 minutes. Oh putain. Merci Soro. Oh, mec, tu sais ce que je fais? Je vais à Nantes et j'enlève tous les panneaux. Y'a pas de panne. Ah oui, et t'attends d'enregistrer tous les civils qui disent y'a pas de panneau. Je rachète le Louvre et je mets que des dessins de vie. Je fais que les dessins que je faisais au collège. Je rachète le musée de la bite en Islande. Et j'enlève toutes les bites. J'en mets qu'une seule. Et ce sera celle de Johnny qu'on a récupéré la dernière fois quand t'as fait un cyborg Johnny avec toute ta thune. Après ma bombe atomique sur l'Afrique ou avant? Pendant. Ouais. Oh là. Je rachète Kojima et je le fais travailler sur PES. Et tu rachètes Konami, tu fais revenir Kojima et tu fais bosser sur ISS2. Oh la vache mon gars. Oh là 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 là. Il est super classe sur son skin quand il est moitié brûlé. Bon, faut que je l'endors aussi quand même. J'adore son skin. Je l'appelle Isla Nublar et je refais des dinosaures. Tout 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 le Superman. Mais... Ouais, il restait 5 minutes. Qui fait avec 100 milliards, je remplace tous les panneaux routiers en France par des panneaux de toute direction. Quelque part, ce serait pas illégal, hein. Ça, c'est un chaotique neutre. Je change le nom de la Bretagne, mais je sais pas encore par quoi. J'adore ce mec. Il a la bonne idée, mais il a pas tout le reste. Et tu l'appelles Isla de la Muerte. Tu donnes un nom nul. Genre. Dragon Ball Z. Spider-Man 3. Ok, et faut que j'essaie de l'endormir aussi lui ou quoi? Je sais même pas si je peux. Alors tu veux que je te dise? Vas-y, dis-moi si je peux l'endormir juste. Bute-le! Je le bute? Oh. Ah, tu dis des conneries, mais. Par contre, mets le masque de Volgin. Ouais, de Raikov. Oui, oui, non, le masque de Volgin. De Raikov. Hop! Attention! La camouflage, les visages, on va retirer la fronce, on va mettre les masques. Du coup, il fait un clin d'œil, il s'est éclaté. Hop, MK22. Il y a Yadar qui dit j'achète la France et je change la. Tu peux. Aïe. Il m'a foutu. Ce que ça donne, mais... Il m'a foutu une tartine. Mais il faut pas le tirer dessus à lui. Mais je tire dessus avec le MK22. Attention, chaudon. Ça va piquer, qu'est-ce qu'il fait? Il flex. Putain, le personnage de Tekken, quoi. Ouh, ça va être chaud ça. Ça donne une tenue URSS. Putain, c'est la faute. Ah oui, c'est tenue URSS devant et Amérique derrière. Je attends, crois. Mais qu'est-ce qu'il fait au slot, là, pendant ce temps? Il est au-dessus, ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas quoi faire avec lui, tu en fait, là. Neto vite, tu vas te calmer. Déjà, tu vas apprendre à l'écrire. Qu'est-ce que... Je peux pas m'approcher de lui, il va m'éclater. Je sais pas ce qu'il faut faire pour le battre. Je sais pas non plus, man. Fox, die! Il a dit ça? Non. Il existe pas encore, Foxy.
Ah mais je sais pas pourquoi. Ouh. Oh il m'a juggle. Arrête, ça pique de ouf. Attends, est-ce que je peux me remettre un petit peu de vie? Voilà. Je reviens dans quelques minutes. La bonne chance. C'est ça, casse-toi. Guérir. Je rachète l'UFC, je fais en sorte que tous les combattants doivent faire un cosplay de Tekken ou Street Fighter. Oh putain, ça c'est bien ça. Non, oh, je rachète Fort Boyard et je mets des nains partout. Mais nains, mais des nains pour présenter, des nains dans les épreuves, des nains à la place des lions et des tigres. Et qui font gris. Attends, oh, nourriture. On va prendre un calorie mate, voilà. Delicious, ok. Et comment on appellerait ça le Fort Boyard du Nain? Des nains à la place des tigres, c'est génial. T'imagines une perfora sur un, sur une table, sur une chaise. Attends, du striptease. Ah non, non, non. Je sais pas ce que je dois faire en plus de ce que je suis en train de faire en fait. Il tape dessus. Sur un tabouret. Un nain sur un tabouret. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? C'est pittoresque. Si je l'envoie une grenade. Il va me taper. Il va te la renvoyer. Même pas, il est venu juste pour me bourrer en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça tire. Quoi, j'entends plus rien, j'entends plus rien. Il y a Flakly qui a dit que ce serait incroyable. Sinon je rachète LMF et je mets des gens compétents à la place. Ça marchera jamais. Ouais, on l'a bien vu hier avec le live. C'était pas des gens compétents non plus hein. Ok. Il est pas mal Ogin. C'est un bel homme. Et nous avec de l'argent on achèterait des viewers sympathiques. De ouf. Ouais. Ok, deuxième phase je crois. Je rachète ma. Je rachète la boîte qui a fait Agony, je fais. Je leur fais faire une suite. Et puis je rachète Yadar. Pour les organes. C'est vrai ça. Moi aussi j'achète Yadar. Tout le monde achète Yadar du coup. Ouais. Et il m'apportera la serviette dans le bas. Salope. Mais il viendra m'apporter mon PQ. Il m'essuie, je fais en sorte qu'il m'essuie. Oh j'aurais quelqu'un pour m'essuyer le cul. Mais quelqu'un de super connu. Genre Michael Jackson. Drucker. Avec sa petite main qui tremble. Il a la guillite en plus de faire rigolo. On va tous avoir des actions de Yadar. Je vais être l'actionnaire majoritaire de Yadar. Non, pour me torcher le cul, j'achète une Mimati. Oh, avec ses super pouvoirs. En plus, elle est fait pour. Mais mec. Je pense que Ocelot, il est complètement con à chaque fois qu'il est contre toi, mais en fait, il est ultra balèze. Mais vu qu'il fait exprès, et eh ben c'est marrant. Je suis sûr que Spider il achète Jean-Paul Rouve pour faire les blagues des tuches en permanence chez lui tout le temps. Je prends une Mimati pour poser mon verre. Ah, oh, tu fais des meubles avec des gens. Oh, ça c'est trop bien. Avec des nains. Arrête avec les nains. Depuis que t'as vu la chaîne YouTube du mec. Fight like a man, Volgen, you faggot. Oh, moi je crée une chorale qui chante que des chants allemands. Ouais, ça s'appelle la jeunesse hitlérienne. 1, 2, 3, vas-y, une armée de clones de Yadar. Et y a une deuxième phase quand même ou pas? D'ailleurs, dans le film avec Jojo Rabbit, il y a des clones, des enfants clones. Et c'est tous les mêmes, c'est tous les petits blancs. Et à la fin, il les envoie à la mort. Et je crois qu'ils disent un truc, elle attaque les clones. Un truc, je sais plus. Ah ouais, elle attaque des clones, ouais. Ou alors c'est B4 qui a dit ça, mais... Ah d'accord, peut-être aussi, ouais, c'est probable. Ouais, je sais, Ocelot. Fais un petit... Miaou, s'il te plaît. Oh, allez. Oh, j'ai pas fait gaffe, tu l'as buté, Vagin? Mais je crois que c'est la deuxième partie du combat, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, y a encore la baston, ouais. J'ouvre une chaîne d'unboxing de sextoys de porn par des imams et des prêtres, etc. Ouais, c'est touchy, hein. Je sais pas quoi faire. Je crée une armée de SS pour Adoune. Est-ce que je peux me remettre un petit peu de vie? Et je vais me soigner aussi vite fait. Guerrer, blessure par balle. Tac, pas de long gant. Valgin, t'es qu'un PD. Volgin, t'es qu'un PD. Oh, tu le fais bien. Ouais, je sais. Il y a de la maîtrise. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut encore des petits. Oh, tu vois, le compte de Super Connerie, tu vois ce qu'il sait, ouais. Ocean.
il a mis un truc ce matin où ils étaient en une conversation sur Discord, et il y en a un qui est parti prendre une douche. Et pour ceux du chat qui savent pas, ils ont utilisé le Google Home de la personne qui était partie pour, c'était quoi, des chants islamistes ils ont envoyé, je sais pas. Non, c'était la chanson qui fait Negun 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 en boucle. Du coup, c'est quelqu'un qui l'a mis en commentaire, ils auraient dû mettre des chants islamistes. Et voisins, ils auraient kiffé en plus. Vas-y, tu sais te chanter toi en plus, Rochelle. Non. Pas là, je suis beaucoup trop concentré là, mec. Salut, l'ensemble. La chaîne d'Elbula. Delcos. Et les tapis aussi. Laisse-moi tranquille, il va me taper. Oh la vache, putain, mais il fait super mal en plus. Il reste 8 36, hein. Ouais, ça va, je pense pas beaucoup de temps, moi. Ouais, mais j'ai déjà beaucoup de vie non plus, donc. C'est bien, cette chanson, c'est écouté. Putain, mais comment je l'esquive, ça? Il me fait chier avec ses blessures, là. Tu peux pas t'allonger pour traverser Ça, c'est pas une petite chanson béni. Il va me taper, il va me taper. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait des saloperies. Ah, tes voisins doivent vraiment te détester. S'ils ont pas appelé les flics, en tout cas. Ils vont, dans un quart d'heure, les flics défoncent ma porte. Mais je crois que ça marche, ça. Ouais, après, ça a l'air de marcher, mais. C'est une très belle chanson. Il va me taper ou pas? Putain, il reste 60 secondes, mec. Je sais pas si c'était si fort que ça. Si. C'était fort ou pas sur le chat? Oui. Trop fort. Putain, 40 secondes, j'ai jamais réussi, mec. Tu peux pas l'éclater aussi puissant, non? Un peu de courage, monsieur. C'est jamais un Momo qui a pas dit un mot depuis 2 minutes. et qui vient là et qui te juge. C'est ouf. Tu es mauvais. 30 secondes. Ça va vraiment être serré, je pense. On peut en faire des choses dans 30 secondes. Pas assez, réessaye. Vous voulez que je le remette? Non. Oh putain. Ah, je pense que c'est fini. Je pense qu'il a échoué. Ouais, là 10 secondes, le temps qu'il change de phase, et en plus je suis par terre. Oui, mais justement, la phase entre le sinusoïdal et... Ah là 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 là, ah, bah, il m'a buté. Bon bah écoute. Du coup, ça explose? Oui, avec lui au milieu, et il s'en fout. Bon, comment je vais faire? Bah on commence. Faut tout recommencer. Give it up! Putain, pourquoi maintenant c'est un guerrier? Je commence à voir. T'es sûr de vouloir l'endormir celui-ci? Oui. Oui. Il est super pratique le costume. Il fait quoi? En gros, je crois que c'est le drapeau américain devant et le drapeau irlandais derrière. Et du coup, si les ennemis ils voient que ton dos, ils peuvent pas te tirer dessus. Ha! Ah oui, c'est génial ça! Ha! Ouh! Putain, il m'a foutu! Culé. Ah putain, mais il me fauche, ça fait super mal. T'es chiant avec ton électricité, Volgin, ça m'énerve. Je sais pas ce que je peux faire. Est-ce que tu penses que je peux éclater genre le compteur qui est au mur pour le faire chier? Ah, c'est possible ça. Bah c'est le genre de connerie que j'ai aimé la mienne. Ouais, non, je suis en train de m'en prendre plein la gueule. En plus, dès que je sors mon flingue, il m'énerve. Il t'énerve carrément. Oui. Je sais pas exactement ce que je peux foutre. Tu peux pas faire péter, t'as pas des grenades sur toi pour faire péter le générateur? Mais je sais pas si ça va marcher. Attends, je vais essayer. Je vais virer le C3. Enfin, moi je m'en fous. Grenade. Après, je sais pas. Non, bon, en plus, je sais pas, mais écoute, c'est en testant qu'on va savoir. Hein. Hop. Ouais, RPG-7. Comment ça, range ce truc? Mais c'est moi qui choisis quand je range ou je range pas. Ta merde là. Ça te dit pas de changer de phase, Volgin? Ah mais peut-être qu'il, du coup il faut... Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Peut-être qu'en fait c'est quand, dès que je mets le masque en fait qu'il devient plus facile. Voilà. Attention, chou du vent. Je vais me mettre là, tu vas jamais m'avoir. Je suis caché. Tu me tires pas dessus hein. Est-ce que tu penses qu'il va me tirer dessus? C'est vrai que le temps il passe là aussi. Oh, t'as vu, il a un œil fermé, même avec le masque. Bah oui. Ouais, il a réussi à me tirer dessus quand même. Attends, tu sais quoi, on va utiliser cette partie-là, que je vais fail, pour être sûr. Est-ce que tu penses que je peux prendre l'échelle? Attends. Est-ce qu'on peut se je barrer peux pas. Non, je peux pas. Essaye de le suivre si tu veux.
Je peux pas, il a tout le temps d'électricité sur lui, mais... Mais justement, quand il est pas en phase électrique... Ah, phase... Aïe, aïe, aïe... Non, non, il... Mec, il est tellement plus fort que moi, mec. Bah pourtant, dans les cinématiques, tu... J'ai vomi. Il m'a tellement pété la gueule, j'ai vomi. La pitié. Oh, le pauvre. Oh, mec. Oh, le pauvre. T'as pas des grenades flash ou des trucs dangereux pour m'emmerder? Je sais pas, tu crois que les grenades flash ça passe? Bah j'ai une grenade paralysante mais je crois que ça fait rien en fait. Ouais, enfin dans mon guide, ils te disent de lui défoncer la gueule. Ouais mais... Pourquoi je m'allonge? Tu me tapes... Putain, mon perso il a faim. Oh là 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 là. Ouais non mais il s'en bat les couilles en fait des grenades. Comment je peux faire? Tu t'enlèves le masque puis tu le remets. Ça va être chiant. Je crois en bas. A chaque fois que tu le remets, à mon avis, il doit avoir la petite animation. Tu crois? Comment ils font les speedrunners? À part être bon. Ils sont forts. Ah ouais, voilà, il a le problème. Y'a pas un truc qui m'enlève les dégâts d'électricité là? Putain. Genre goutte d'eau efficace sous la pluie, je suis sûr que c'est tranquille. Non, genre une prise de terre? Tu te câbles à une prise de terre et... Eh bah écoute, je vais essayer de trouver une multiprise. Bah après, je donne des conseils, quoi. Oui, je vois, ouais. J'ai jamais du coup, si là, j'enlève le masque. Attends, non, pas uniforme, ça va être long. Si tu le headshot, ça le stun un peu, avec le temps là, tu peux lui cac la gueule, ouais. Cac. Regarde, en fait, c'était moi depuis le début. Hein? Et maintenant, si je le remets... Non, mais là, il est quand même très très con, ce dage, hein. Ouais, c'est con de base, hein. Putain. Si, moi, ils s'en foutent. Tu veux pas arrêter? Ouh! Aïe, il va me taper! Allez! Change de phase! Ouais, tu peux pas lui mettre de balles? Pas du tout. Ou alors peut-être derrière? Je pense qu'avec un petit peu de volonté, tu pourrais y arriver. Ouh! Ouais, bah je suis à peu près du coup. Ah putain, qu'il s'en fout, mec, il me bully. Oh. Je sais pas si de derrière lui je peux en fait lui tirer dessus, même quand il a son bouclier. En fait, les conseils qu'il me donne, moi, c'est pour l'imiter. J'ai l'impression que je peux lui tirer dessus quand il est retourné en fait. Et que son bouclier c'est juste sur le devant. Du coup, ok. Bon, première phase, c'est bon. Allez, on recommence. On va passer à la cinématique cette fois-ci, hein, parce que... Ah non, j'ai envie de voir. Non mais attends, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ouais, mais j'ai envie de voir. Puis il est con, ce Robin. Il a pas un lance-roquette, une arme automatique pour le faire plus dégâts, mais il veut pas le tuer, Russian. Il veut simplement l'endormir. Tu suis pas, hein. T'étais où les trois dernières semaines? Oh là là. Blessure par balle au pied, ça pique de ouf. Hop, voilà. Et ensuite, une autre blessure par balle ici. Font ensuite ça. Non, ça. Non, encore un. Et couteau. Voilà, c'est bon. Ah, ok. Putain, il m'en a mis une dernière. Tu te fous de ma gueule. Mais mec. Oh là là. Putain, c'est quoi déjà? À chaque fois, je me gourre. Voilà. Je me refoute un petit peu de vie. Je suis fatigué, moi. C'est rien, ça c'est la vieillesse. Bah oui, certes. Voilà. Mais je l'accepte. Bon, déjà cette phase, je l'ai. Faut juste s'allonger. Putain, tu vas le faire en boucle en fait. Est-ce que je peux tirer dessus quand il est comme ça? Attends qu'il est câblé à la prise. Ah oui, mais là c'est chaud. Ok. Il doit tellement avoir de soringues dans le cul. Oui, là pour le coup, ouais. Russian, il est pas con, il est juste très déterminé. C'est une qualité. Ok, je pense que... Oh bah oui, mais là c'est chaud. J'ai plus de munitions de Mark 22. C'est bon, j'ai récupéré les balles. Ah ouais, putain. Ils sont partis les autres cons ou... Non. Non, ils sont juste discrets. Concentrés.
Non. Ah putain. La seule fois du jeu où il y a une animation de rechargement, c'est pendant le boss final. Et contre The Boss bientôt. Putain, je sais pas comment éviter ça. Si je meurs là, je pense que la prochaine partie ça va être bon. Mais arrête, il te reste 2 minutes. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'adore ce mec. S'il existait pas, faudrait l'inventer. Bref. Ok, j'ai encore une mission de Mark 22. Je suis vraiment bien le chien. Nobsen est un certain penchant canidé. Hein. J'adore les chiens, moi. Ah, fuck! On dit canidé ou canon? Canaillou. D'accord. Oh là là, il est en train de m'enculer. Putain. Ok, donc on peut l'arrêter comme ça. Boum! Et voilà! Et je récupère son costume, uniforme guerre froide, et je lui mets des coups de pied au cul. Oh la balle, la dernière que tu l'as mis dans le dos. Faut que je me barre par le truc. Ok, c'est bon. Oh là là là. Bon, on en aura niqué tous les boss en spécial. Merci tout le monde, Master Shooter, je suis là, je le mérite. Il t'en manque, hein? Oui, mais il m'en manque un, mais je crois qu'on peut pas la sleep si. Je sais pas, est-ce que tu peux endormir le Shagohod? Est-ce qu'un Shagohod dort? Oh, tu crois qu'il se met sur le dos, il fait des mouvements avec ses pattes comme les chiens qui rêvent? Oh, c'est mignon. Je suis sûr que Metal Gear Rex, il fait ça. De ouf, obligé, mec. Tu l'as enculé. Il m'a enculé 2 fois, quand même. Hein. C'est gentil, mais... Bah, du coup, j'ai mon vieux masque de Raikov. Je suis éclaté, mec. Pourquoi il crache du sang, en plus? Parce qu'il a mal. Parce qu'ils ont pas fait les cinématiques différentes pour quand tu le butes normal et quand tu le slip. Est-ce qu'ils ont pas compris qu'un con allait le faire en... Je suis pas con, je suis déterminé, c'est toi qui l'as dit. Oui, mais l'un peut aller avec l'autre. C'est vrai. D'habitude, d'ailleurs, les plus cons sont déterminés en général. Hein. Mmh. Je sais pas si t'as remarqué. Everybody run, what the fuck. Ouais, tout le monde se casse, allez. C'est marrant que vous ayez tous des accents américains, par contre. Je critique pas, hein, mais... Tiens, au slot, il est tranquille, je comprends pas ce mec. Je l'ai pas encore vu, je fais quoi. Bah rien, mais tout le monde est en train de paniquer en disant on va tout claquer. L'autre il marche avec ses éperons là. Ok. Bah non, je crois qu'il y a encore une cinématique, remarque, non? Va y avoir un des passages les je plus. Je suis un gros con, il a dit c'était le triomphe de la volonté. C'est beau ce que tu dis, mec. La connerie, c'est le triomphe de la volonté. L'endormir pour qu'au final il se fasse exploser par le C3, c'est important, mec. Ouais, mais c'est pas nous qui l'avons tué. Enfin, c'est quand même nous qui avons posé le C3, mais. Ouais, mais quand même, j'ai envie que ce soit noté. Putain la vache, le chomblax dans le vent, quoi. J'aime bien cette phase, elle est rigolote. Avec mon masque de Raikov, c'est pas top, mais... Attends, c'est Volgin qui va monter dans le truc? Oui. Ouais. Il est pas vu, quoi. Oh là là. On aurait dit le début d'une chanson. C'est quoi là? Oh là là. Putain, la physique sur l'initiation, regardez la physique sur l'initiation, tous. Regarde, il cède entre eux en plus, ses ennemis. Oh putain, lui, il est en train de brûler. Oh la vache. Il est où, Johnny, là-dedans? Oh le pauvre, il est encore KO dans la prison. Ah la vache, je me suis réveillé et quelqu'un est venu chier dans mes pantalons. T'es vraiment pas crédible quand t'as le masque de l'autre PD là, franchement. Ouais, ouvert sa chemise, la dame, il fait chaud en Russie. Bah oui, il fait chaud. Bah elle est serrée, t'as vu le truc en même temps. Non mais barrez-vous, là c'est en train d'exploser, c'est la fin du monde. Cette scène en European Extreme Pacifist, c'est l'enfer. Ah bah oui, je peux comprendre. Bah t'as le droit de le tuer à mon avis à ce moment-là. Bah je sais pas, je pense pas mec hein. Après Pacifist Run c'est ce que tu te donnes à toi je crois mais... Quoique c'est peut-être dans le rating final, je sais pas. C'est du reshooting à ce niveau-là. On n'a pas le moment pour faire des câlins, franchement on n'a pas le temps. Franchement j'en ai marre de devoir te ken... de voir t'agrandir l'eurotunnel à chaque fois qu'on parle. Comment on avait dit déjà le EVA? Le extrême... Non merde. Le... L'évacuation vaginale et anale j'avais dit moi. Évacuation. C'était quoi du coup? Non, mais j'avais. Du coup, moi, c'était... j'avais dit. Bah non. Extrêmement vaginalement altérable. Il a. J'adore Spider, mec. Pas... J'adore Spider, je suis fan de ce mec. Je suis fatigué. Faut qu'il monte un spectacle, là, Spider. Un one man show, franchement. J'appellerai Arthur. Un one man lui. Un one man moi.
C'est marrant comme nom, Marc. C'est chiant à dire. Yeah. C'est les mecs qui vont dire ah, tu vois, one one moi. Ah, Yann moi, ouais, je connais. Il est à l'envers. T'es moum. Ah, pas trop. T'as une capacité à lire à l'envers qui est assez. Ouais, ouais, ouais. Je suis assez impressionnant, ouais. Oh la vache, le kaiju, quoi. Ça fait un bruit. Ça fait quel bruit? Ah là, ouais, il fait vraiment des cris en plus. Bah, tous les Metal Gear, bah, tous les machines font des cris. Snake, it's not over yet! Yes. En fait, on dirait limite un truc dans FGR. À la fin, tout à la fin. Oh. Le Excelsior, ouais. Excelsius, je veux dire. En moins gros, forcément. J'ai pas du tout comment il va le détruire du coup le Shagohan. Un gros coup de lance-roquette, mec. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Pourquoi on s'est fait chier avec le C3? Du coup, tu vins tout le monde. Et donc, attends, bouge pas. Je vais déjà remettre le visage à fronce. En fronce. Je vais mettre à fronce. Et du coup, c'est quoi le camouflage de l'autre coco, littéralement? Ça s'appelle guerre froide. Et voilà. Du coup, c'est ce truc-là. D'un côté, t'as les cocos. Et de l'autre côté, t'as les US. Et je trouve ça beaucoup trop drôle. Tu sais quoi, on va le mettre pour finir. Mais il est génial. C'est génial. Et c'est, du coup, en haut à droite, c'est marqué France guerre froide. Merde, et les armes. Si t'es face aux ennemis, te tire pas dessus normalement. D'accord. Mais faut rester bien face du coup. Ouais. Mais par contre, si t'es de dos, il te repère direct. D'accord. M63, RPG 7. Parce que s'il y a un moment qu'il faut péter, c'est maintenant. Je vais virer. La batteuse. J'irai, c'est Jésus vient de dire. Je vais virer. RPG 7. Tu après, sais oui. Que tu m'énerves. Le Mozin, je le vire. Grenade paralysante, je le vire. Je vais virer le C3. Je vais prendre la fourchette, bouge pas, elle est où? Attends, je vais prendre une revue porno, voilà, c'est bon. Tu pourras la lancer, la revue porno? Oui, à The Boss. Non, je peux même pas. Bah si, sur The Boss. Tu crois qu'on peut l'envoyer à The Boss? On vient de se prendre un gros mur dans la gueule. Elle vient de se prendre un mur, hein. Ouais, c'était éclaté, ouais. Pourquoi il y a des marteaux? Je pense qu'elle est buggée, bon. Non, c'est bon, juste code. Est-ce que tu penses que je peux tirer déjà des RPG sur le Shagohan? Bon, évidemment. Oh, il arrive! Shagohan! Ça lui fait rien, je crois que ça lui fait vraiment rien. Tu vas arrêter de te prendre des murs, espèce de sale conne! C'est pas possible! Au pire, laisse-moi conduire un! Au pire, mange-moi le poireau! Au pire, mange-moi le poireau! Oh putain, on s'est pris la roquette dans la gueule! Ça a rien fait au Shagohan! Ouais. Du coup, c'est marrant parce que la fonction quand tu tires à la batteuse et que Snake il gueule, tu vois. C'est marrant, sauf qu'il le fait à chaque fois que tu tires un petit peu trop en fait. Du coup, il fait ah! 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 J'adorais tirer en continu. Moi aussi. Et dans le jeu aussi, c'était marrant. Ah! 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 Mais en fait, il se brûle. Oui, c'est ça! Ça me pique! Tiens, tire en continu. On se croquait dans les gueules. Behind you! Derrière, c'est où derrière moi? Ok. Bah, derrière toi. France guerre froide! Reste en full burst 10 secondes. Ah, tu vois, il s'arrête au bout d'un moment quand même. Il va pas gueuler à plein poumon pendant une demi-heure. Sans respirer. Oh putain! Ah, ça bouge, là! Saloperie de Shagohan! À la base, Sokolov, il voulait faire des fusées! Putain! Il voulait être floriste! Moi, j'adorais les petites revues! Tiens, salope, je sais pas si je lui enlève de la vie. Regardez bien la barre de vie. À la batteuse, je crois pas. Non, pas à la batteuse. Attends. À la batteuse, je crois pas. Au RPG. Tu lances roquette, oui, il me semble. Quand même? Je crois. Parce que du coup, là, il avait moins de vie, le Shagohan, c'était parce que j'ai éclaté les scientifiques. Donc il lui manque un quart, je crois, ou un peu moins. Ah, c'est vrai, c'est en plusieurs phases, ce combat. Ouais, bien sûr. J'avais oublié. Oh, les chomblards. Les chomblix. Les chomblères. Chomblax. Les chomblots. Arrête, tu vas tuer tes copains. Putain, il met des pains dans le mur, quoi. Comment ça, I can't shake him? Mais casse-toi, il est bloqué. Ah, il résiste au RPG aussi. C'est à part ça, je comprends.
Good plan, you fucking shit. Chamblard qui danse, bordel, merci, merci Merco. J'espère que t'aimes bien Undead Things, parce que c'est bientôt la fin du jeu, et des chamblards comme ça, on en aura plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as plus besoin de faire... Oh, oh la physique, regarde la physique! Quand ça change de plan entre... comment... Ocelot. Ocelot et la meuf, ça fait... Et du coup, il a mis son manche comme Lee Van Cleef. Ouais, il a mis son manche. Il a mis son manche, ouais. C'est la danse, les chamblards. Oh là là. Mais c'est pas possible, la moto, elle est trop lourde, poteau. Arrêtez d'être surnaturel. Comment t'as sauté? Comment t'as sauté, Ocelot? Comment t'as sauté? Tu fais pas des jumps comme en PMX, t'as pas de pecs. Hey, Tony Hawk. Qui ça? Mais pourquoi il nous fait chier? Genre jusqu'au bout... On a compris, hein. On a compris que tu voulais pas vraiment nous buter, alors s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Ah ouais, non, c'est un Keiko, ce fini... Oh, regarde l'autre. Oh, mec. Il drite avec ses éperons, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le malade. Regarde ça, mec. Tu sais que c'est un débile. Il est vraiment con, quoi. Et allez, il met des coups de gun maintenant. Il a jamais rien, mec. Qu'est-ce qu'il est con. Oh là 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 là. Pourquoi elle a un Mother, Eva? Putain, t'as pas vu le début du jeu, quoi. Mais mec, c'est incroyable. Oh, Ludo. Aïe. Ah putain, il lui a mis un coup dans les nichons. Dans les chambliques. Et Snake avec son arsenal, il fait rien, mais oui. Personne ne bouge, personne n'a envie de se tuer en fait dans ce jeu, j'ai l'impression. Il pourrait quand même t'envoyer une grenouille morte. Même là, genre, il lui sauve la vie, donc ça veut dire qu'il sait que c'est un agent double en fait. Bon, il sait que c'est un con. Tu crois? Oui. Et puis il sait qu'il doit survivre pour faire les autres jeux. Oui, parce que s'il a déjà essayé de le buter une fois, ça a fait Time Paradox, du coup il s'est dit... Ouais, vas-y, c'est bon, pas une deuxième fois. Ok. J'ai loupé tout le monde. Non, c'est bon, j'aurais mis quelques balles pour qu'ils se souviennent de moi. Enculé, mange ça. Non, non, t'as pas mangé le but de boost, c'est pas de faire. Et c'est une bonne journée. Non, je crois qu'on vous entend pas beaucoup quand vous parlez, les gars. Hey. Vu que ça peut être vraiment, parler un peu plus fort, ou parler plus près du micro. Bonsoir. Fallait pas dire ça. Fallait pas. C'est vraiment une bête de merde. Bonjour, ça va, maman? Bonjour, je trouve que j'ai une bonne soirée qu'on va trouver. T'as mangé quoi ce soir? J'ai mangé des pâtes avec des larmes. Ouais, tu vas. Une bonne saucisse. Eh, t'as déjà mis ton micro dans ton cul? Mais quoi? T'étais pas là tout à l'heure quand j'ai mis mon micro dans mon cul? Ah si, bah si, c'est là où j'ai mangé mon. Ouais, c'était rigolo, hein. J'ai bien aimé. Ça va, Lucien? Ça va super, j'ai l'impression d'être de retour en 2004, ça me plaît. Attends. Oh, l'horreur. On les entend pas parler plus fort. Ok. Putain. Je peux vraiment mettre mon micro si vous voulez, hein. Vas-y, mec, t'as un Yeti Blue, au moment. Non. Non, c'est pas un Yeti Blue, hein. T'as quoi, Spider, toi? Un Samsung, je l'ai traqué. Est-ce que... mettez votre micro, mais dans la bouche comme ça. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux, attends. Attends, mais moi, c'est un Yeti Blue, c'est vachement gros. Attends, je recommence. Non, moi, ça va, il est un petit peu petit, du coup, ça va, mais... Attends, je les suis. Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est... Et toi, Spider, c'est quoi? En fait, je vais le manger pour voir. Il va être direct sur son micro, ça peut... Momo, du coup, t'es beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort. Moi, fort, moi. Quoi? Ouais. Bah, mec, je suis avec du gars, comme ça, je sais pas ce qui se passe maintenant. Ça va, merci. Je sais pas. Tac, voilà, j'ai coupé la conversation, je me suis barré, voilà. Ah, là, on peut parler. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien sous la douche. Ah. Apprécie un petit peu le silence, là. Apprécie un peu le silence. Ah. J'ai invité The Russian One. Voilà. Attends, c'est bon, je suis là. Le compte The Russian One, c'est toi ou j'ai invité un parfait lambda sur le channel? T'as certainement habitué un... c'est pas ça mon compte normalement. Ok, donc là je viens d'inviter un parfait inconnu sur le channel du staff. Bien sûr, c'est ça. Comment on gère les invitations? Mais bah je sais pas. Bon bah si vous voyez un The Russian One arriver. Bah oui du coup. Attends, est-ce qu'on peut voir les invitations en cours? Oh, il a mal, regarde, Chagod, il a mal.
Non, en fait, il s'en bat les couilles. Chaque gars, on l'emmerde. Putain, mais Momo, t'es encore tellement trop fort là, ton micro. Mais mec. Comment ça, je suis trop fort? Mais je sais pas, ça clip de ouf. Attends, parle un peu. Ouais, non, c'est. Ouais, non, là c'est bon. À mon avis, en faisant mes conneries, ça a dû niquer. Oui, bah oui. Je pense, ouais. Putain de fer. Ça me fait rire. Voilà. Allez, tout vous faire foutre. On a bien fait de ramasser ça dans la deuxième map du jeu pendant le premier stream. Qui c'est qui tire dessus? Qui tire? Il y a encore. Oh putain. Voilà. Voici la ligne de tous les liens d'activation. C'est en révolution en fait. T'en as pris un, Momo, c'est bizarre. Bah bon. Ouais, tu peux désactiver du coup ça. Hein. Ouais, je les ai, c'est bon, j'ai supprimé. Ok. On aura pas un parfait inconnu qui va arriver sur le chat. Ah, du coup, il peut tourner? Attends. Oui ou. Ah non, ça marche pas? Ah, ça marche un peu. Ah non, non, ça marche pas en fait. Ah, c'est vraiment la fuite. La fuite américaine, quoi. On peut pas faire plus américain. Avec le Shagod au loin. C'est vachement classe, Samson. Ouais, ouais, non, bien sûr. Bon, c'est un peu con. J'adore Snake, il fait. Ah, ah. Attends, je vais juste baisser un peu le volume du jeu, du coup. Voilà. Ça sera plus tranquille. Merde. Vous pouvez parler désormais, on vous entend. Hein. Non. Non, mais moi je vais vous laisser, de toute façon. Faut que j'aille me faire à manger. Oh le jeu. Pas la fin du jeu, je suis deg. Attends, adieu. Oh putain. J'ai entendu que sa voix était plus loin que d'habitude, je savais. Pareil. Il a dit ça, putain, j'ai réalisé ce qu'il allait faire. On dirait des gens qui parlent d'un school shooter. J'ai réalisé ce qu'il allait faire, mais beaucoup trop tard. Bon, ouais, je me casse, il me raconte à la fin. Bien sûr, promis, on y pensera. Bisous à Dwim, merci de passer à Dwim. Au revoir à Dwim. Ciao. Est-ce qu'il a dit Jen Dobré? Non, il a dit Bande de PD. Ah, on t'entend du coup plus fort du tout, Spider. Ça t'a niqué mes volumes de son, c'est cool. Attends. Hi, la Dwim, carrément, ok. Donc toi, tu pars full direct, quoi. Et l'autre qui déclenche ses fusées. C'est mieux comme ça. Bah je sais pas, il a déclenché des fusées du coup. Oh là 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 là. Et du coup, Slot qui s'est fait cramer le visage. Quel, c'est vraiment un gros guet en fait. Oh là 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 là. Ça a le cul d'une coccinelle en fait. Ça a le cul de la voiture, une voiture. De quoi? Le Shagod. Ah oui, ouais. Trouve pas? Un petit peu. Ok. On a encore à Grozny Groz Groz. Voilà. Mais en fait, c'est un vrai gamin ou autre. Parce que peut-être tu lui pètes la gueule au corps à corps. Legit. Mais bon, c'est vous, non, en fait, mais tu en profites sous. Mais quoi, il faut bien qu'il essaye quand même de se battre un minimum. Alors, je crois qu'il faut éclater ces roues. Là, par exemple, j'ai loupé. Mm-hmm. S'il te plaît. C'est pas ça qu'il faut faire. Il a vendu mon petit peu. J'essaie de le spammer, je me dis ça marche. J'ai rien senti, bah oui, j'ai vu. Vous gâchez vos munitions, je m'en fous, je suis infini. Ouais, t'as rien senti, mais t'es encore loin, donc ni ta mère, ni ta mère. Et bim, putain, je sais pas si ça fait quelque chose. J'ai aucune idée ce que je sais plus du tout. Mais je crois qu'il faut lui éclater ces genres de chenilles en fait. C'est pas la fusée qu'il faut péter apparemment. La fusée? Ah, sur les côtés? Ouais. Et après ce sera les chenilles du coup. Tu crois? Ouais non, c'est dans les roues, c'est bien ça, il faut viser les chenilles, tu crois attends. Je sais plus. Ouais bah de toute façon on a changé de zone. Ah non mais il y a un autre truc avant je crois. Il me semble. Elle brille non, la fusée, c'est sûrement pour interagir. Non, c'est juste ça. Ouais non, je crois qu'en fait c'est juste un moment de stress en fait. Et bah ça a marché parce que je suis stressé, c'est gentil. Oh là là, là là, tourne. Eva, pourquoi t'as pas tourné depuis le début en fait? Ah, c'est vraiment le truc à la Prometheus quoi. Au lieu de faire le côté, je continue tout droit et puis. J'essaye de pas me manger la mort. Oh là 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 là, comment tu pilotes ça? La console elle est à genoux, mec. Voilà, impeccable. L'autre il arrive quand même à faire drifter le chagrin. Ouais, ouais, bien sûr. Il était à 600 km/h, mais ça va. Et bah du coup elle a foutu le C3 sur ce pont là.
Et en attendant, on va claquer. De quoi? Attends, faut que je tire, comment? Attends. Eva, j'ai pas compris. Elle a placé les explosifs sur le pont, enfin, tu tires au moment où tu passes. D'accord. Où lui, il passe. D'accord. Mais attends, mais il y avait pas un passage avant le pont? Non, mais c'est peut-être après, du coup. C'est après, ouais. Je crois que c'est ce que tu veux dire, c'est après. Ouais. Oh là 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 là. Mais en fait, ça veut dire qu'il vient d'inventer les Transformers, là? Parce que le truc, il peut être bipé. Et... Bah après, ouais, ça ouais. Bah en plus, il est même pas tout à fait bipède, en fait, il rampe. C'est un petit peu comme les Q-Jet qu'on voit dans les films, ils ont une espèce de petits sauts avec des roues, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Shagod. Ça existe encore des maquettes de Shagod? Parce que tu sais, s'il y a bien une maquette que j'aimerais bien chez moi, c'est ça, mec. Oui, c'est ça, je pensais que c'était avant aussi, Hades, hein. On a pas loupé une phase, quand même. Bah non, c'est une grosse phase. Ouais. Du coup, je sais pas si on pourra le finir ce soir, le jeu. On va essayer de pousser un petit peu quand même. Ouais, ça se fait à mon avis. À mon avis, ça se fait, ouais. Bon, par contre, après les Stardew Valley, c'est mort. Hein. Ah bah si, quand même, avant la nuit, bien sûr que si. Même. Et bah toi, tu iras te barrer là pour dormir encore 22h, et t'inquiète, nous. Ouais, c'est pour être à l'heure chez toi, espèce de fils de pute. C'est pas grave ça. Oh putain, c'est où que ça brille? J'ai loupé un truc? Non, ah, c'est bon. Faudra tirer sur la petite... Merde, je me suis allongé. Quoi, plus haut? Plus bas? Là? Comme ça? Là? Oui, mais c'est bon, j'ai essayé. C'est là? Maintenant? Je vais tirer maintenant, quand même. Si? Non. Bah si, elle m'a dit shoot, alors moi je shoot. Hein. Merde. Comment ça, c'est trop tôt? Ah, putain! D'accord, faut tirer le premier le plus tôt possible, mais le deuxième, il faut attendre. Ah, quelle salope! Par contre, il faut que j'éclate le deuxième direct parce que. Sinon, ça va être trop compliqué. Mais non, putain, à chaque fois, je me lève! Voilà. Et du coup, là, il faut attendre qu'il passe dessus. Vas-y. Ouais, tu me dis, hein. Oui, bah, c'est bon, ta gueule. Dis-moi quand c'est. T'as seulement 50 munitions, attention. Ouais. Comme ça? C'est bon? J'ai gagné. J'ai gagné la guerre froide. J'ai gagné la bagarre. T'auras fini à 1h du mat si tu veux le finir. Ouais, c'est 1h30 là. Bah avec cette baston là, la boss contre le boss, accompagné Eva, à mon avis si ouais. Ce qu'on fait, au pire mange-moi le poireau, non? Au pire, on arrête après ce boss fight là. Et comme ça, la semaine prochaine... Non, le vrai boss fight. Ah oui, d'accord. Et ensuite, la semaine prochaine, on recommence. Du coup, on aura juste la fin du jeu et puis on pourra commencer Peace Walker juste après. Ouais. Comme ça, on a le temps pour ça d'où aller. Non. Non, mais toi, t'es un loser, mais les autres, en tout cas, ouais. J'adore, en fait, quand tu le regardes d'en dessous, en fait, le Shagod, il est limite plat, en fait, on dirait une maquette. Mais... C'est le bully de A à Z. J'ai vraiment oublié une phase ou quoi? Non, mais t'inquiète. Ok. J'ai peur, hein. Mais de toute façon, tu peux pas oublier une phase, c'est un jeu ultra linéaire. Hein. Ouais. Mais bon. Ah, voilà. T'as rien oublié. Ouais, c'est bon. Franchement, tu sais ce qui manque à la scène? Quand le Shagod il tombe, oh, tu les claques le boule. Ah oui, en fait, il y a deux parties. J'ai pété c'est la ça, partie ouais. D'arrière. J'avais oublié ouais. Ça. Putain, maintenant, c'est devenu une sorte de toupie. Franchement, ouais. Oh là là, la tourelle, elle est pas fluide. Ouais. Oh, la chanson. Tout. Du coup, je chante pour pas que vous la chopiez, tu vois. Putain, elle est géniale, cette musique, mec. Mais non, tu lui fais pas confiance. Arrête de mentir. Tu dis ça parce qu'il y a des chambrières, mais sinon, tu t'en fous, arrête. Mens pas aux femmes, ça se fait pas. Chombla, non, regardez Chombla. Là, il me force à regarder le visage. Le jeu me force à regarder son visage, franchement, ça se fait pas. Putain, c'est la dernière fois où je pouvais vraiment voir ces Chombla en plus. Bah non. Quoique, non, c'est bon, oui, non, après on pourra même les. Enfin, ouais. Bref. Une Chomblix Ultra.
Peace Walker, c'est lui la PSP, ouais. Mais du coup, vu qu'il est en HD, en fait, je crois qu'il est... Il est... En fait, niveau graphisme, c'est pas loin de MGS3, hein, finalement. Bah oui. Bah oui, ouais. Alors là, je pense qu'il faut éclater les sortes de roues. Voilà, j'en ai éclaté une. Putain, mec, quand on n'a pas le son dans ta manette, il fait des claquettes. Ouais, ouais, je suis en train de full speedrun le rechargement. Du coup, attends, comment ça se passe? Tu niques les roues? Bah, je sais pas, je nique les roues et puis je tire un peu où je peux. J'avoue que c'est pas clair. Ça marche bien, donc du coup, t'es con. Voilà, ouais, je pense qu'on va rester là-dessus, tu vois. T'as toujours confondu Peace Walker et MGS3? Ah ouais! Mec, par contre, moi je sais même pas du tout ce que c'est le setting de MGS3. De Peace Walker, mais. Mais du coup, c'est quand ils sont à Cuba en fait. Ça se passe en Amérique centrale, je crois. Ouais. Et ils sont en train de monter les militaires sans frontières. C'est ça. Ça gêne, mais par contre, en fait, c'est quoi? Genre, c'est des missions. Une par une ou alors c'est genre une grande map? Bah, c'est un peu comme MGS3, je crois, justement. De mémoire, je me souviens plus trop. Bah quand même, comment ça c'est tout ce que tu peux faire? Je trouve que je m'entends pas mal pour l'instant, Wikid. Du coup, ce qui est fun, c'est que tu lui mets des roquettes dans les roues et ensuite tu lui pèses les roues. Voilà. Ouais, ça c'est une appel MGS3, donc c'est au cœur. Ouais, donc c'est linéaire, hein, on est d'accord? Ouais. C'est pas une sélection de map. Je pense qu'en fait, les gens ils ont tendance à confondre avec Portable Ops en fait. Ah, moi je sais que je confondais beaucoup avec Portable Ops. Mais je crois que par contre, c'est la visée dans Peace Walker qui est un peu dégueulasse. Bah, sur PSP, ouais, du coup, c'est un peu dégueulasse. Mais avec le remaster, je sais pas. Oh merde, oh merde. Allez, tombe-toi. Volgin. Mm-hmm. La turbine. Bah attends, y'a Flamme qui dit qu'il faut lui taper dans le cul, et y'a Jay qui dit qu'il faut viser dans la tête. Enfin, la tête d'un véhicule. Mais je pense qu'en fait, il faut surtout éclater les deux roues, et ensuite on voit, quoi. Hop, puis elle est où la tête, elle est où le cul? Regarde, là ça marche. Bah, la tête, si tu veux, c'est... Quand t'as les bouts rouges, c'est le cul, en fait. Le bout rouge des sortes de nombreuses, c'est le cul. Le bout rouge, c'est le cul. Espèce de déviant. J'ai rien senti, t'es sûr? Parce que moi, ta barre de vie, je la vois, mec, hein. En gros, sur Peace Walker, c'est des missions principales et secondaires sur les maps à la MGS3. D'accord. Ah, c'est pour ça, il y a quand même une sélection de missions, quoi. Peace Walker, PSP, Portable Ops, plutôt. Non. Non, oui, Peace Walker, PSP, ouais. D'ailleurs, la barbe qu'il a, Snake, dans Peace Walker, elle est top tier. Ah, c'est un bel homme, hein. Oui. Tu l'endors pas, ce boss. Comme on a dit, ça va être... Je peux tenter, mais mon Modin Nagan ou mon MK22, à mon avis... Attends, je peux essayer. Je peux... Ah! Enculé, bah. Trop mignon. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut immobiliser les roues pour que Eva puisse faire le tour et qu'on puisse tirer dans le cul, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Du coup, tu t'es pas pris une balle depuis tout à l'heure? Non. Je crois pas. En même temps, depuis tout à l'heure, il est martyrisé. Allez, je me suis fait bouler au début. Pas deux fois, hein, touche pas à mon pote. Encore? Comment ça, focus? Mais je suis focus là! Pourquoi je me focus? Je suis pas focus! Comment focus? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah oui, on est en train de t'éclater ton chagod! Il nous a fallu que 550 roquettes en vrai, hein. Donc franchement. En vrai, si tu peux l'éclater au RPG, à mon avis, ça doit être simple de l'exploser IRL, le truc. Hein. Voilà, première phase, c'est bon. Je crois qu'il y a une deuxième phase, je suis pas fou. Je crois pas. Ah bon pas. Bah, Ah non, il claque direct. Bah voilà, il me semblait qu'il y a Volgin qui sortait pendant le fight. Si, mais si, mec. Si, la cinématique est super stylée en plus, regarde. Si. Il y a bien une deuxième phase. Bah, voilà, c'est ça, si, deuxième phase, c'est bien ça. Vous vous souvenez pas comment il le contrôle, le Chagod? Mec. Ah, par l'électricité. Mais oui, mec, il fout ses... Tu vas voir, tu vois, je vais pas spoiler, on est littéralement à 20 secondes.
Après en même temps dire oh là là il le contrôle par électricité, c'est pas ce qu'il fait pendant tout le jeu donc bon. Non mais tu vas voir mec, c'est au-delà de ça. Tac. Alors si lui arrive à transpercer le blindage avec ses poings, je pense que mes roquettes ça va franchement. Et voilà. Et du coup il prend les câbles de direction et il les gère à la main quoi. Par contre il les a quasiment dans les veines là. Ouais. Et c'est vraiment parce que du coup, sa position qu'il fait avec les bras croisés là comme ça, tu sais, où il se recroqueville sur lui-même, c'est la même position qu'il a quand il est du coup l'homme en feu dans The Phantom Pain. D'ailleurs, ça fait quoi dans Phantom Pain si tu lui tires dessus au pistolet à eau, il s'éteint ou quoi? Je crois que c'est le fou dans la merde en vrai. Hein. Attends, je vais me battre à pied contre Shagon? Oh, mais t'es parlé de quoi? Je sais pas. Je sais pas, Momo. Elle lui a fait un bras d'honneur. Waouh, comment elle est trop hardcore. Est-ce que tu penses que là, je peux m'endormir? Je peux l'endormir, je veux dire. M'endormir, moi, non, c'est chaud, mais lui... Non, t'auras pas de costume de chaud. Tu sais, c'est Snake avec plein de cartons et il fait un cosplay du Shagohod, en fait. Il a quatre pattes. Waouh, une femme libre et indépendante. Bah, pour le coup... Pour le coup, il est bien mieux branlé que trois quarts des meufs dans les jeux vidéo. Ah bah ouais. Je peux bouger. Ouais, je peux bouger, ok. Comment ça, Snake, ici? Ah, parce que du coup, j'ai pas toutes mes munitions, là. T'en as 20. J'ai même pu bouger. Ah mais si, je pense que si, je peux, ouais, je peux l'endormir, mec. J'ai l'impression, hein. Attends. Merde, loupé. Ok, bon, si je le loupe, c'est chaud, mais à mon avis... Ah bah si, de ouf, mec. De ouf que je peux attends bouge pas. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais virer tous les trucs qui vont me servir à rien. Genre M63, 1911, contre, couteau de survie. Pour avoir des balles tu vas faire comment? Prends ton sniper par contre. Oui mon Mosin Nagan, c'est ce que je suis en train de faire. Donc ferme ta gueule déjà. Voilà, regarde. Je garde le magazine porno, on sait jamais. Oui je peux pas faire ça. Attention, il me fait quoi, il écrit de bons perso féminin. Oui, c'est vrai, Quiet, elle était super bien écrite, oui. Franchement, ouais. Et il disait, quand vous saurez la vraie raison pour laquelle elle est à poil, vous serez. Comment vous aurez honte de m'avoir critiqué pour avoir fait un perso à poil tout le temps et tout. En fait, non, tout le monde s'est dit, bah, ouais, elle est à poil parce que t'as envie de la foutre à poil, nous prends pas pour des cons, mec. C'est chaud un peu là. C'est chaud un peu, ok. Oui, t'envoies un rayon thermique, c'est pour vous. Non. Non, il me tire dessus beaucoup, c'est tout. Ouais, vas-y. Transforme-moi en poussière. De toute façon, je suis né poussière, je retournerai poussière. Hein. Ça, franchement, si tu le sais pas encore, je ferai rien pour toi, Volgin. Hein. Zut. Oh, Volgin, langage. Ah. Je peux pas, là? Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as pas pété le coup. Mais c'est pas grave, tout à l'heure, j'avais pas besoin. Bah, ouais. Je peux peut-être pas du tout le slip. Si quand même, c'est débile. Nyaa, il a fait. De face, c'est invulnérable. Ah, de face. C'est pour ça que tu... En fait, c'est pour ça que tu immobilises le truc. C'est chaud, ça. Oh, bah oui, c'est chaud. Je pense qu'il faut tirer surtout sur les missiles, en fait, mais là... Putain, par contre, je vais avoir des milliers de balles dans le corps. Attends, fais voir. Guérir. Ah non, une. Ah, juste une brûlure. Ah bah ça va. Je te dis, c'est pas des balles. Je suis sûr que c'est un rayon thermique. Mais... Non, c'est surtout que je me suis pris l'explosion plus que les balles. Là. Non, c'est pas un rayon thermique, c'est des balles, mec, ça. Non, en fait, il est pas vraiment dangereux, le Shagohod. Par contre, connasse, est-ce que tu pourrais attirer son attention, je t'en supplie? Oh la vache. Mademoiselle, s'il te plaît, provoque-le, je t'en supplie. C'est bon, il te suit. Tu veux pas la suivre plutôt? Mais elle est chiante, mec, suis-la plutôt. Ah, elle a lancé une grenade? Ah.
Elle est en train de faire chier. Yes. Et du coup là peut-être. Putain, je suis pas encore dans la bonne direction. Please, please, Jésus-Christ. Mort en croix. Allez, la dernière boulette. Merde, tiens voilà de la boulette. Sortie briquet. Je laisse boulette. Attends, faut peut-être que du coup je le ralentisse là. Parce que là, elle est en train de se faire éclater. J'ai pas pu bouger, je sais. Moisine. Merde, j'ai loupé. Oh, quel con. Oh, il m'a roulé dessus. Oh putain. Ok, on recommence. On reste tranquille. Là, c'est parce que je suis en train de paniquer pour rien. Voilà. Calme-toi, Richel. Pense à ça du volet. J'ai l'impression que je peux pas le buter, mec. Enfin, je peux pas le slip. Tu veux que je regarde sur Internet? Essaye, ouais. Essaye d'aller voir. Ok, connasse. Mec, elle m'a roulé dessus. Si je peux. Ah ouais. C'est juste que je m'y prends mal alors. Oui, tu peux apparemment. C'est confirmé. Ok. Est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît, grosse salope? Quand je t'appelle grosse salope, c'est vraiment amicalement. Évite de me rouler dessus une nouvelle fois, par contre, c'est tout ce que je te demande. Par contre, si tu pouvais attirer son attention, par contre, ça me plairait, je pense. Eva? Eva bien? Elle va pas m'aider? Elle va me rouler dessus? Elle va glisser dans la merde. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ah, putain. Ok, attends, bouge pas. Je vais tirer une autre petite ici. Faut que je tire peut-être au MK22 alors, ça marchera. C'est mon Mosin-Nagan qui marche plus, je sais pas, il est pété. Il est pété. C'est un truc qui m'est arrivé. Attends, du coup, si là maintenant j'utilise le Mosin maintenant qu'il est de dos là. Merde. Attends. Là, il est bien retourné vers moi. Eva. Elle va pas être utile. Ça fait un bon nombre de lits. Elle m'a dit, au lit, t'es plus rapide. Eva, tu te fous de ma... Tiens, prends des balles dans ta gueule. Ah, voilà, c'est bon. Là, elle l'a stressé. Attends, du coup, il va falloir que je sorte mon RPG. J'ai vraiment envie de le slip. Ouais, mais je confirme, hein. Tu peux. Je peux bouger, bah si t'es plus bouger, arrête de bouger. Voilà! Eh ben putain! T'as vu, tu peux le slip. C'est-à-dire que du coup, depuis le début, j'avais masse de chance en fait. C'est ça, ouais. C'est surtout ce qui s'est passé en fait. Ouais. Je me demande ce que tu gagnes du coup. Eh ben, je sais pas. Vous avez obtenu un trophée, Chago délire. Ah, le trophée le plus éclaté du monde. Attends, faut que je note. Ça va être le nom d'un rediff, ça, je pense. Chago délire. Ouais, je crois. Parce que mon gars. Chago délire. Chago délire. Oh putain. Merci le PSN, quoi. Who's afraid of a little thunder? D'une façon assez cinématographique, comme tout le reste du jeu. The boss, tu peux l'endormir? Eh ben, je sais pas, Momo, tu peux regarder vite fait? Ouais. Momo, dis-moi comment je peux endormir The boss. Major. Je vous ai censuré un petit peu parce que c'est violent. Voilà, ce passage-là, il est vénère. Et voilà. C'est ça le problème quand tu te balades avec des bandes de munitions en permanence sur toi. Apparemment, c'est boss, tu peux l'avoir en non-létal, ouais. D'accord. En CQC. En CQC, d'accord.
Bon, de toute façon, là, on va quitter juste après ce passage-là. Et du coup, on essaiera The Boss en CQC pour le prochain stream. En même temps, on montrera 2-3 trucs. On montrera peut-être l'extrême européen, les armes, etc., tu vois. Et ensuite, on commencera Peace Walker, que du coup, je connais pas du tout, mais alors du tout. Et ouais, que... ça fait très longtemps que je l'ai fait, donc je pourrais t'aider, mais pas trop non plus. Momo sera le conseiller tactique de loin. Voilà. Moi, je pèterai dans le micro. Et voilà, Spider ouais, fera ce qu'il fait de mieux. Comme d'hab. Comme d'hab. Stream nous de Stardew Valley. Non. Stardew Valley, on y va. On parle pas pendant tout le moment où on joue. On plante des fraises. Et c'est tout. C'est déjà bien. Mais j'ai ta 4, tu vas le finir du coup. Ouais, bien sûr. Putain, mais y'a encore des mecs qui viennent nous péter les couilles en fait, quoi. Ah non, mais c'est jamais fini, mec. C'est incroyable. On en a plus, on en a encore. Putain, j'ai déchiré mes feuilles parce que je suis stressé, là. Le feu d'artifion, tiens. Cadeau, celle-là. Merci, Jay. Bah voilà, regarde. J'adore ces mecs sur les petits, les petites plateformes, ils me font toujours rire, mec. C'est des segways de l'air, en fait. Oui, des air segways, ouais. Je pense que du coup, on va arrêter le stream, pas maintenant. Attends, parce que de toute façon, je peux pas ouvrir le codec maintenant, si. Oh putain, je peux ouvrir le codec. Non, je suis bien pour la course. Le mec, il est pas stressé du tout, quoi. Ouais, on va faire ça, je pense. 1h30, tu l'as fini. Non, mais on gardera pour plus tard. Adouni veut voir la fin, donc on montrera la fin plus tard. Il est où le... Attends, je l'ai passé. M63, voilà. Et tiens, la K47 aussi, pourquoi pas. Fais un passage d'escorte Eva, le meilleur passage du jeu. Ah bah ouais, ça c'est un passage... Il m'a manqué celui-là, mec. Hein. Oh la vache. Mais t'es mémoire, il m'avait pas trop cassé les couilles. Moi. Oh, moi si, mec. Ok. Codex, c'est le frère de Karadek. Oui, c'est ça, connard, ouais, exactement. Toi, je te les teste un petit peu plus. Chaque jour. Chaque jour. Tu peux endormir, Eva, elle a trimballé sur ton dos pour faire le passage plus vite. Mais moi, ce que je me souviens, c'était que ça accélère rien du tout. Hein. C'est juste qu'elle se plaignait moins, du coup. Voilà. J'aime bien ce passage de la fin. C'est vrai que ça fait vraiment... Quelqu'un a dit tout à l'heure, ça fait vraiment 007. Ça fait vraiment demain ne meurt jamais, quoi. Manquerait plus qu'on se barre avec un Hind, là, et... Oh là 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 là. Heureusement que The Sauron, on le croise pas après. Parce que mon gars... Ouh, encore? Non? Non, c'est toi qui fais des roulades. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, mec, putain. Je pense que tu vois là, on va finir donc au prochain stream ce MGS. Je pense que je vais le recommencer instantanément en fait. Genre vraiment, je vais recommencer une partie dès que je l'ai fini, quoi. Putain, mais t'arrêtes pas maintenant? Espèce de connasse. Pas t'étonné qu'on se mange des balles. Voilà. Le Soro, il a du taf. Franchement, là, ouais, je lui fais faire des heures supplémentaires quand il veut. Au RPG, ça, peut-être. J'ai loupé. Attends. Parce que je crois qu'il y avait une grenouille kérotane, mais je l'ai explosé au lance-roquette, du coup. Écoute, si ça marche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, ouais. Du coup, on n'aura pas eu toutes les grenouilles kérotane, mais écoute... Avec les streams MGS, je vais peut-être enfin comprendre MGS4. Peut-être. C'est pas certain, mais peut-être. Mais en fait, c'est pas compliqué, MGS4. Même MGS, en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste que t'as une tonne d'informations tout le temps et qu'elles sont expliquées de façon assez succincte. Mais en vrai, ça se fait, mec. Celui qui va plus que c'est le plus, c'est le 2. Le 2, ouais, le 2, il est compliqué, ouais. Voilà. Je me souviens plus qu'on était poursuivi par ces connards, par contre.
Mais je les aime bien moi. En plus j'imagine que ces trucs là, tu vois les Space Segway là, c'était vraiment des plans qu'ils ont trouvés, tu vois, après la guerre. Je suis certain quoi. Qu'il y avait des genres de prototypes éclatés soviétiques pour faire les soldats volants. Qui sont des soldats d'ailleurs les moins pratiques du monde du coup. Ok, un dernier. Devant toi, qu'est-ce qu'il y a devant moi? La souche. Tirer sur la souche. Voilà. Oh là là. Elle tire où elle veut cette mitrailleuse, mec. Franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train d'arroser toute la forêt. Ok, on part. On part là, on part. Et du coup, le problème, c'est que comme c'est en HD et qu'ils ont viré pas mal de blur, tu vois, et de fog et tout, tu vois. Tu vois qu'il y a certaines maps, elles sont vides en fait, que c'est juste une grosse texture. Ouais. Carrément. Mais ça, franchement, on leur pardonne. Hein. Oui. Ah, les motos, c'est mieux ça. Voilà. Là, c'est bien plus simple. Tu vois, là, il y a une grenouille qui rotane. Si tu la loupes, t'es niqué. Voilà. 64 dans le jeu, c'est ça. 64 tu dis? Je sais pas, je crois ouais. Ça me rappelle les scènes du crâne de cristal, ce passage là. Le meilleur Indiana Jones. J'ai jamais vu. Franchement, tu loupes tellement les trucs de fou. Genre la meuf à la fin elle a le savoir infus, mais comme ça fait trop de savoir, sa tête elle explose. Ouais, de ouf, c'est génial. Attends, je vais baisser un peu le son du jeu parce que ça gueule vraiment en fait. Attends, hop, voilà. On va vous entendre un peu mieux normalement. Je suis sûr que ça gueule pas tant que ça. Voilà, vos gueules, si c'est mieux, c'est, franchement c'est mieux là. J'entends vos voix. Vas-y, parlez un petit peu pour voir. Non. Ah, ah, ça fait du bien. Ça me rappelle les courses en moto des films de De Funès. Ok. No doubt, no doubt, no doubt. C'est qui me tire dessus là? T'as jamais vu les films de Funès où il a une putain de batteuse? Et qui combat les soviétiques pendant la guerre froide. Appelle le gendarme à Cuba. Le gendarme contre les cocos. Oui, je me tiens bien. Je me suis pas du tout tenu, je suis debout. Bah les couilles. La 7ème compagnie et l'unité cobra. Starring Parasite Unit, la 7ème compagnie. Il imiterait bien les armes à feu de De Funès avec ses mimiques. Franchement, de ouf, ouais. Il manque beaucoup au paysage vidéoludique. Merde, j'ai fait gueuler le jeu encore plus. Voilà. Il court en moto dans la soupe au chou. Ah. Comme ça, il y a un trou dans le réservoir, mais on s'est pris des dizaines de milliers de munitions, quoi. Et regarde là, cette conne, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas douée du tout, quoi. De Funès dans le prochain David Cage. Ah putain, ce serait génial, mec. Je crois que tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire, mec. Ouais, je crois, hein. Je crois que tu te rends pas compte du filon que t'as, là. Le bonheur absolu. Faut faire un mode avec le son des armes remplacé par les imitations de Louis de Funès. Je pense que faudrait faire ça avec des GPS aussi. Et dans Modern Warfare, tu sais, quand t'as des perks. Truc de killstreak, tu vois. Tu sais, les dans le multi de Quake. Paf. Remember no de Funès. De Funès in Smash. Ah. Normalement, c'est pas là que c'est censé être les branches. Oula, qui c'est qui est sur le point de se faire tuer par un... par un tir de slasher, là. Je reviens. C'est Spider, le tueur de slasher. Oh putain, je vois d'ici le poster, mec. Un cul en gros plan, tu vois.
c'est ma porte qui grince. The pipi poupou man. Et non, ça brûle beaucoup pour une moto qui avait plus d'essence. C'est pas qu'il avait plus d'essence, c'est qu'il y avait un trou dans le réservoir. Et donc Bolos, tu te fais buter par un arbre. C'est clair que... Attends, on a esquivé l'arme la plus avancée de 1954 et tu viens de te faire éclater par une branche. Franchement, je le prendrais super mal. Putain, je vais devoir te porter avec tes chomblards. C'est rien, cette petite branche comparée à tout ce que Snake retire en moins de 24 heures. Mais rien que le moment où il se fait éclater par The Boss dans le pont, tu vois. Si tu fous Eva, si tu veux, et finis en croquette sur le sol, quoi. Ah, 64, pas 54, 64, t'as raison. C'est ouais, bon, elle a les yeux qui tremblent, je pense qu'elle est en train de faire une crise d'épilepsie. C'est rien, ça se soigne. Bon, en plus, j'ai plein de trucs sur moi, j'ai du désinfectant, j'ai des petites limaces. Bah rigole pas, t'as une branche dans l'auvers, là. Dans l'auvers. Bon, c'est bon, elle a une petite épine, quoi, elle a une écharde. Ouais, tu prends un truc pour les ongles, là, tu l'enlèves, tu suces un peu le sang, et puis c'est bon, hein. Allez, lève-toi. Oh, la chochotte. Snake, tout seul, il s'est remis le bras. Il s'est enlevé des balles en pleine baston en mangeant deux serpents. S'il te plaît, quoi. Tu vas pas me dire, tu peux pas faire un effort. Au vert et contre tous. C'est bon, ça T'as la chance de m'avoir. Ouais, ouais, de ouf. Je suis bien d'accord. Et vagin. C'est bon, ouais. Il va joli. Putain, je vais lui foutre du maquillage sur le visage, non, reste pas contre la fronce. Eva, lève-toi et danse avec la nuit. Ça a touché le gras, ça va, chochotte, mais elle a pas de gras, t'as vu la meuf. Ah, paramédic. Il y a photo de paramédic à poil. Non. T'as, elle a 28 ans, elle a l'âge d'Adwim. Lui, il a aidé personne en 64, lui. Au contraire, même. C'est pas son genre. Ah non. Ah oui, et je crois qu'en gros maintenant, dans le visualiseur de blessures là et de survie pour guérir, tu peux voir Eva aussi. Il me semble. Comment c'est chouche. Est-ce que tu penses que je peux la faire vomir? Ses orgasmes sont intacts. Elle en a pas, du coup c'est tranquille. Tu savais que toutes les femmes simulaient? Toutes. Et que l'orgasme n'existait pas, et qu'en fait elle pouvait rien sentir à partir de la des hanches en fait. Ah, parce que c'est pour ça qu'elles se lèvent pas dans le bide. Mais c'est pour ça qu'elles ont. Les femmes elles ont tout le temps des bleus mais elles ont jamais mal, tu vois. Parce qu'en fait elles sentent rien à partir des hanches. C'est pour ça que ça sert à rien d'essayer, quoi. C'est pour ça autant devenir pédé, quoi. Ah putain, je peux pas. Oui, Eva. Est-ce que du coup je peux la faire vomir comme ça? Oh putain, attends, on voit les chambres là. Mec, attends, regarde. On voit le bout des tétés, regarde. En X-ray, on voit le bout des tétés. Oh putain. Ok, elle a quoi? Une coupure. Ça, c'est suture, pansement, désinfectant et striptiste. Voilà. Et coupure, striptiste, pansement, nexut et désinfectant. Voilà. Chinese titties. On peut... Là. Elles ont des glandes de lait, les femmes. Oui. C'est encore plus impressionnant que pour les hommes, il paraît. Des hymens de lait. Non, des... Oh l'horreur. Des clitoris de lait. C'est un petit dragibus. Les Africains, ils les coupent. Ah. Oh putain. Oh putain, l'excision, ça me fait cringe. Oh le tweet. Le tweet de... L'excision, ça me fait cringe. Non, on lui donne pas ton colt. Elle sait pas s'en servir, file-lui un Makarov tout pourri là! Je sais pas s'il faut que je tweete. Non, franchement non. Tweete-le à une association féministe. Si t'as des couilles. Pour combien vous... Des glandes de lait avec des hymens de lait, ça fait du tout bien. Si t'as des couilles, c'est gratuit. Pour combien? Bah si t'as des couilles tu le fais, si tu le fais pas t'as pas de couilles. C'est pour tes couilles en fait quelque part. Ouais voilà. Non j'ai pas le temps de répondre aux collègues là. Je veux juste voir si je peux faire vomir Eva. Fais voir, guérir. Je peux pas du coup en fait. Ah non je peux pas en fait. T'es bien blessé toi. Ouais mais moi ça va franchement. Bon attends je vais répondre aux collègues et puis on va enregistrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va maintenant. Snake, ça va? Ouais, ça va super, Major. Génial. Du clito Blue Run. C'est marrant, ça. Ah, c'est ça, les noisettes. Ah, c'est ça qui pique. Ouais, ça va. Donc, t'es en train de m'expliquer Major Zero qui est complètement conne, en fait, quoi. Ah oui, attends, c'est ce qu'il disait à Dream. Juste avant, quand t'as envie de le codec, tu t'allonges à côté d'elle. Si tu t'allonges, ouais, elle va faire pareil et tu la touches. Enfin, madame, bonjour. Madame, madame, range-toi. Madame. Eva. Don't touch me. Ah, elle aime pas. Ah, elle aime pas. Attends, attends, attends. Chut. Chut. Je voulais... Non, je vais pas lui foutre un coup de RPG dans la gueule. C'est pas, ça, pas exactement ce que je voulais faire. Bon, pourquoi pas. Non, mais ça, plus tard. Je sais pas, un peu de folie. Un peu de folie. Va pas bien, là, putain. Voilà. Oh yeah, boy. Ça, ça va dans la cringe compilation. Snap. You don't touch me. Ça fait la chaudasse tout au long de la mission, mais dès qu'il faut passer à l'acte, y'a plus personne. Franchement, en vrai, ouais. Elle arrête pas d'essayer de littéralement d'agresser sexuellement Snake qui veut pas, tu vois. Et là, maintenant, you don't touch me, eh, fuck. Tu sens comme si t'avais mangé des grenouilles. N'importe quoi. Tu arrêtes. Attends, je vais sauvegarder, je peux voir si je peux l'emmerder jusqu'à ce qu'elle me tue. Sauvegarder. Oui, je vais sauvegarder. Putain, il m'a demandé ça, genre, tu vas vraiment sauvegarder maintenant? comme quand tu récupères des grosses merdes dans MGS5. You gonna take him? T'es sûr, mec? Juste pour un trou dans le bidou. Pour un trou dans le bidou. Elle m'a même pas parlé de film, dis donc, elle m'a juste dit bonne chance, quoi. Je ferai... Vas-y, allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi, Eva. Allonge-toi, Eva. Promis, je le fais plus. Promis, je le fais plus. Tu veux mourir ou quoi? Tu vas vraiment me tirer dessus, moi, le plus grand soldat du monde? Attends, bouge pas. Je veux vraiment... Le plus grand soldat du monde. Vas-y, elle me calcule plus, là. Madame. Vas-y, fais en sorte qu'elle s'allonge dans la boue, là. Madame, ouais, t'es ouf. Madame, viens. Viens voir. T'es dans la boue. Putain, mais fais rien. T'es vraiment une merde, hein. Oh la vache. Oh putain, j'ai buté un serpent mais j'ai même pas buté Eva et... Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, rien. Y'a un serpent. Time tabasse. Ow. Tiens, salope. Toc. Ils sont où tes potes? Est-ce que je peux les gorger? Oh. Oh la vache! Oh, je m'y attendais pas, mec! Putain, c'était ça. Oh, l'horreur! Putain! Oh, ça m'a choqué à vie, mec! Tu dois comprendre l'avenir! Oh la vache! C'était ultra vénère, mec! Bon, on va se quitter là-dessus! J'espère que ça vous plaît. Ouais, le succès, c'était où sont les missiles? Je sais pas trop pourquoi, mais... on va se quitter là-dessus. Du coup, la semaine prochaine, on va finir ça et on va commencer Peace Walker et puis ouais, on montrera le Patriot, on montrera comment le Single Action Army, etc., etc. Attends, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on est devant Robin quand même. On vous fait de gros gros bisous tous. Est-ce hein? que tu vas la host? Est-ce que je vais la host? Fais voir. Est-ce qu'elle mérite? Ouais, franchement, elle mérite. Franchement, c'est gentil, c'est gentil. Bouge pas, lancer le raid, voilà, sur Robobine. En plus, on était encore devant elle. Du coup, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à plus. Allez, ciao. Que je suis un JBR. Voilà, bisous.